Salut mon Lolo, on y est. Match retour des quarts de finale. Eh oui, ça va très très bien. L'OM Benfica, des très mauvais souvenirs pour les Olympiens. Mais ce soir, on va tout effacer. On va nous sortir le Benfica au passage. Ce sera fait, ce sera réglé. Soirée à haute tension, soirée frisson. On va commenter le match à 21h. Avant, on va faire un petit avant-match avec nos chroniqueurs. Déjà, merci à tous les abonnés qui nous suivent habituellement. Tous ceux qui vont être là pour mettre des petits commentaires, n'hésitez pas. Et puis, ben, j'espère que pendant ce live, on va atteindre l'objectif, c'est-à-dire les 7000 abonnés. C'est faisable, c'est faisable. On espère. Allez, on va rejoindre tout de suite notre ami, notre grand commentateur qui parfois prend la place au Lolo ou à Doudou, toujours prêt sur les starting blocks. C'est notre Carl Lewis à nous, c'est Jean Louis. Salut la team! Carl Lewis, putain, t'es mach... non, t'es grave toi! Carl Lewis, toi! Je cours pas aussi vite que Carl Lewis! Oh putain, vas-y, appelle-moi aussi Usain Bolt lui là! C'est la team au Vivi! Ça va et toi, tranquille? Impeccable! J'espère que ce soir on va avoir des. Je commence déjà à avoir la chair de poule moi quand c'est des matchs comme ça! On va accueillir aussi. On n'a même plus de nom, on n'a plus d'adjectif. Elle est exceptionnelle, elle est extraordinaire. Notre amie Vanessa. Comment vas-tu, Vanessa? Coucou les amis, coucou tous les abonnés. Ça va-t-il? Ça va super bien. Grosse ambiance à Marseille. C'est le faux sur le parvis. On est tous prêts, là. J'espère qu'il y aura une meilleure ambiance dans cette terre, hein, City. L'ambiance est très chaude, t'inquiète pas. Allez, on reçoit aussi notre Camille nationale. Il n'y en a qu'une, c'est nous qui l'avons. Salut Camille. Salut. Salut. Tu vas bien? Elle est équipée. Pour vous dire que moi, j'étais au lycée, il y avait déjà des gens qui commençaient déjà à y aller devant le stade. Donc,
Faut vous dire, ah oui, oui, j'aurais dû y aller. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va recevoir notre ami Fredo. Comment vas-tu, le breton? Salut, les amis. Bonjour, Fredo. Bon, alors, les amis, ce soir, c'est le jour de fête. J'espère que la fête va aller jusqu'au bout de la soirée. Pour ceux qui le veulent, il y en a qui se couchent, il y en a qui travaillent, je sais, très tôt demain matin. C'est pour ça qu'on fait qu'on va faire l'après-match après. Comme ça, on va se coucher encore plus tard. Alors, on est parti pour l'avant-match. Allez, un grand match ce soir. L'OM a un but de retard. Un petit but de retard, mais ça, c'est tout à fait possible à remonter. Surtout quand on voit la deuxième mi-temps du match. Allez. On a la petite compo de l'équipe. C'est parti, mon petit Loïc. Hein, si tu peux mettre la petite compo. C'est parti. Alors, Lopez dans les buts, Mbemba à droite, Soglo à gauche. Dans l'axe, Gigot, capitaine avec Balerdi. Trois milieux, Veretout, Kondogbia, Unai. Harit entre les milieux et les deux attaquants, Ndiaye, Aubameyang. D'entrée, je vous demande à tous votre impression sur cette compo. Allez-y, prenez la parole. Écoute, il fait avec les moyens du bord, parce que quand tu sais, tu n'as pas tous les joueurs d'inscrits sur la liste pour jouer l'Europa League. Du coup, il n'a pas trop le choix, tu as les blessés en même temps. Et du coup, bah, il n'y avait que ça qu'il pouvait mettre ce soir. Après, il donne sa chance au petit Soglo, c'est bien. Espérons qu'il ne se fasse pas manger face à Di Maria. C'est le seul truc. Après, Unai, j'espère qu'Unai, ça... je sais pas, c'est compliqué, Unai. Unai arrête les deux là. C'est... J'en peux plus de ces joueurs, mais on n'a que ça malheureusement. Allez, quelqu'un un peu plus optimiste. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus optimistes? Bah moi, pareil comme oui, c'est vrai que Gassé, il n'avait pas trop le choix sur la compo, puisqu'on sait qu'il y a les trois non qualifiés, plus les blessés et les incertains. Donc, les choix étaient très limités. Et puis, bah sinon, dans l'ensemble, la compo, elle est pas mal. Après, peut-être sur le schéma tactique, il y avait autre chose à faire. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, on va faire avec ce qu'on a. Et l'important, ça va être... surtout comment on va aborder ce match, quels que soient les joueurs qui vont être sur le terrain, quoi. Donc on verra l'état d'esprit, comment ils vont l'aborder, l'intensité, l'engagement, c'est ça qu'on attend d'eux. Hein. Et avec l'ambiance qu'il y aura, quels que soient les joueurs, je pense qu'ils vont être transcendés, ils vont faire le match qu'il faut. Donc moi je m'inquiète pas. Allez, Camille et Fred. Ouais, c'est ça. Ouais. L'optimisme, il est là. C'est qu'en fait, si tu t'es pas à bloc sur un match comme ça, c'est quand tu l'es, quoi. Donc je pense à Oulu, voilà, à Harit. Je pense à Soglo qui va faire aussi un truc. Je pense que c'est des mecs là aujourd'hui, ben voilà, ils savent qu'ils sont au pied du mur. Et puis ben, la victoire, elle va être belle. Camille ? Pour moi, je suis un peu assez d'accord. Je trouve que Gassé, il a fait ce qu'il a pu avec les joueurs qu'il avait, pas blessés ou incertains. Donc pour moi, je trouve qu'il a fait ce qu'il a pu. Après, j'aurais peut-être essayé de mettre un petit jeune sur le terrain pour... motiver, d'être mettre des jeunes sur le terrain, parce que voilà, c'est les petits jeunes, si les amis sur le banc, c'est ce qui va les faire soit rentrer. Mais moi, j'aurais peut-être mis un jeune titulaire pour peut-être le motiver à la place d'un joueur de cadre. Ça fait du bien à l'équipe aussi, mais après, bon, il a fait ce qu'il a pu, mais bon, moi je suis quand même un espoir qu'on va réussir à se qualifier quand même. Et bon, c'est dommage que tout le monde à ce moment-là, parce que franchement, on est vraiment. Dans le jeu, mais bon, moi je trouvais que Harit face à Lille, ça n'a pas été le pire. Donc, moi franchement, après, j'aurais peut-être mis essayer de mettre Mbounyama là. Moubania, merci. J'aurais mis Aubameyang à gauche et lui en pointe, se ramener un peu de vitesse en pointe et un peu de mobilité technique en pointe, mais il a fait. Faut voir le match de ce soir. C'est ça. Hein. L'objectif, c'est de garder le ballon ce soir. C'est ça. Oui, c'est ça, garder le ballon. D'avoir la possession, surtout ce soir. Et pas faire d'erreurs techniques comme au match aller et tout, dans les passes et tout ça. Là, tu vois, j'ai la. Malheureusement, est là. C'est pour ça que Harit est là. Voilà. C'est pour essayer de garder ce ballon. Bien sûr. Là, tu vois, je vais te dire, j'ai la compo de Benfica en face de mes yeux. C'est exactement la même que la semaine dernière. C'est exactement la même. Ça sera à nous maintenant de jouer sur leurs faiblesses à eux, parce qu'on connaît quand même quelque part leurs faiblesses,
maintenant qu'on les a joués une première fois, et de les exploiter au maximum. Si tu les exploites pas au maximum, là, c'est sûr qu'on va se faire casser la tête. Hein. Et c'est d'être chirurgical devant le but aussi. C'est ça. Alors vous savez, ça, vous savez aussi, ce que je pense, vous savez ce que je pense tous d'Unai. Hein. Non, c'est pas du tout. Il n'y avait pas. Non, mais il y avait pas. Même si vous me dites, c'est vrai que Gasly, il a pas un effectif. Il est un peu limité, même pas mal limité avec les blessés et tout. Il n'y avait quand même pas autre chose à faire que de mettre Unai, je sais pas, ou faire jouer un autre schéma de jeu sans mettre Unai. Il y avait une possibilité quand même. Je sais pas. On s'évertue à faire jouer ce joueur. Et je trouve qu'il est de match en match, il progresse pas du tout. Je trouve même qu'il régresse, moi. Bah par contre, je vais être un peu contre toi, Doudou, parce que je trouve sur son entrée au match aller, Unai, il a été pas si mauvais que ça. Et justement, c'est là qu'on a été un peu mieux dans l'heure du jeu. Quand il y a Ndiaye et Unai qui sont rentrés, ils ont apporté un peu plus d'allant offensif. Et on leur a posé un peu plus de problèmes. Donc, je pense que ça… Sur, il y a un point où Unai peut faire mal à Benfica, c'est que il y aura sûrement des espaces qui vont être créés et du coup, Unai, s'il est juste techniquement, il peut leur faire mal avec ses passes pour casser les lignes justement. Donc maintenant, il faut un grand Unai quoi. C'est pas l'Unai qu'on connaît. Vanessa, je vais reprendre un commentaire qu'a nous a laissé notre ami Rémi, le roi KNX. Oui, vas-y. Il a bien dit. Hein. Oui, bon, 10 minutes en 18 matchs. Oui. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Voilà. Moi sur un genre de joueur comme ça qui a été réputé à la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde en 2022, qu'on nous en a chié des pâtes à caisse avec lui, excuse-moi, moi je demande plus de régularité de sa part. Moi, un mec qui joue bien 10 minutes sur 18 matchs, moi, excuse-moi, ça ne m'intéresse pas, quoi, en fait. Quoi. Non, je suis d'accord, Il arrête de jouer toujours avec Amin Harit. Hein. C'est pas parce que c'est son grand pote. Il y a d'autres joueurs à côté de lui qui peuvent recevoir le ballon aussi. Oh. Ouais. Les remplaçants, on les a ou pas là? Je les avais tout à l'heure, mais après, il y a beaucoup de jeunes. Hein. Ouais, mais justement, c'est intéressant. Je vais les chercher. Merci. C'est intéressant d'avoir les jeunes. Il y a les jeunes, après, comme cadre, je crois, tu as Murillo, Enrique et Correa, c'est ça? Attends, je vais chercher. Continue à parler, je cherche. Oui, oui, parce que c'est vrai que là ça va être bientôt place aux jeunes à l'OM. Ça sera obligé. Fredo, tu veux faire ton actu question ou pas? Tu veux en profiter maintenant? Oui. Moi je me dis que c'est sur cette fin de saison-là. Attends, je t'envoie ton jingle, mon poulet. Mais jingle Fredo quand même, merde. L'actu question. Je me fais chier, oui. C'est pour qu'on le mette quand même. Hein. Merci. Non, je me disais que effectivement, on a quand même là aujourd'hui, dans le centre de formation, les moins de 17 qui sont très forts. On a les moins de 19 qui vont jouer en Gambardella. Et si ce n'est pas cette année que tu mets les jeunes, ben quand? Dites-moi quand. Tu ne les mettras jamais ici. Mais à Marseille, ça a toujours été que ce soit un entraîneur ou un autre, ils ne les ont jamais mis. Il faut se demander pourquoi aussi. Il y a Soglo. T'as eu Boubaba, Camara, t'as eu Lopez, ça veut dire que t'as quand même eu des bons joueurs qu'on au centre de formation. Ouais, mais regarde, je te prends un exemple tout bête, le jeune Simon. Là. Il n'a jamais joué un match à l'OM et il prolonge jusqu'en 2026. Le mec. Oui. Peut-être qu'il était encore trop jeune, peut-être pas assez bon. Le banc olympien. Trop jeune, il est au moins 25 ans. Ça, c'est le banc. Il n'est pas forcément bon ce soir. Mon Dieu, il faut. Moi, j'ai lu des choses sur le petit Abdallah qui a l'air intéressant. Oui, Abdallah, oui. J'ai lu des choses. Ouais, mais tu vois, Moumbania, ça peut être hyper intéressant dans les dernières minutes. Ouais, c'est ça. Et même Murillo aussi, tu peux l'utiliser aussi pour en rotation avec Soglo si ça ne va pas. Donc, ça peut donner d'autres solutions. Bien sûr. Non, mais de toute façon, l'OM, bientôt, c'est place à la jeunesse. Il va falloir être lucide. Oui. Je pense que Gasset, dans son esprit, c'est un peu ça. La fin de saison. Il a compris. Ouais. On ne va pas se leurrer, mais la fin de saison, elle va être compliquée. C'est ça. Je suis un anti-lyonnais, mais ils seront devant nous. Ils seront devant c'est nous. Sûr. C'est sûr et certain. Ça, c'est donc, sûr. Voilà. Il y a Rennes devant aussi. On a au contraire. En plus, ils ont les arbitres avec eux. En plus, oui. Ben ouais.
On a justement à travailler nos jeunes là. C'est juste aller travailler maintenant, aller faire performer un peu plus haut. Parce qu'après, on va les perdre, ils vont aller dans des grands clubs en Europe, et on va dire, oh la merde, et ils sont très très forts et on les a jamais fait jouer. Exactement. Bien sûr. Donc là, mais bon, ce soir, il y a des jeunes, il y a aussi nos cadres, et c'est nos cadres qui doivent nous faire gagner ce soir. Bah c'est ça. Bien sûr. Je pense les cadres, surtout Aubameyang, ouais, c'est vrai, on attend beaucoup de lui, mais après, il y en a d'autres aussi. Il y avait retour. Non, mais... À l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Aminarit a signé, on nous a dit c'est le nouveau Payet, c'est la révolution. Doudou, tu peux c'est la révolution, ça et tout. Sincèrement, il est très loin d'être le nouveau Payet. Hein. Il n'arrive même pas à la cheville, quoi. Il n'arrive même pas à la cheville, sans déconner. Il a un crampon, à peine un crampon de Payet. Ah bah c'est clair. Alors, il est vrai que la blessure a joué beaucoup aussi dans sa carrière. Parce qu'au moment où il s'est blessé, il était à fond, il était bien. Et c'est vrai qu'on le voit, même maintenant, on a vraiment l'impression qu'il joue avec un frein. C'est-à-dire que des fois, il n'accélère pas vraiment comme il faudrait. Il a, je pense, toujours cette appréhension de rechuter. Pour moi, il joue pas à 100% à Harit, hein, depuis son retour. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ah bah oui, bien sûr. Ça, c'est sûr et certain. Ça, je l'ai déjà dit. C'est pour moi, quand même, quelque part, Harit continue toujours à jouer avec la peur au ventre de se re-blesser à nouveau. Ça, c'est clair et net. Hein. Quand un joueur pense qu'à sa blessure, et c'est très très difficile de revenir au meilleur niveau après. C'est ça. C'est compliqué. Et Sarr et Sarr et comment s'appelle et Klose. C'était encore trop juste. Ouais, c'était trop juste. Il voulait pas prendre de risque de les mettre aujourd'hui. C'est intelligent. Ouais, c'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. C'est des fois sur des matchs pas vraiment à enjeu, on prend des risques. Et là, tu joues quand même une demi-finale en ligue, en coupe. C'est quand même un match important. Là, tu joues pas ta 10e place en championnat. Je suis d'accord avec toi. Mais là, aujourd'hui, si tu passes, tu joues une demi-finale. Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir Klose en deuxième demi-finale avec ça plutôt que Bien sûr. Et tu aggraves la blessure et tu finis même pas dans les 10. C'est ça. Non, mais c'est vrai. En plus, tu auras la possibilité d'une demi-finale. Tu as des gros matchs en championnat qui arrivent aussi. Donc, tu auras besoin de ces joueurs-là, quoi. Exactement. Mmh. Bah, Lille joue en ce moment. Hein. Oui. Je ne sais pas. Oui. Ils ont pas mal, non? Ils sont à 2. 2-0. Aston Villa vient de marquer. Ouais. Aston Villa vient de marquer. Ça va partir en prolongation, cette histoire-là. Avec encore une erreur d'arbitrage, moi, je trouve. Parlons-en. Est-ce que l'arbitrage ce soir va encore être fausser encore les pronostics, les machins, parce que en ce moment c'est très compliqué l'arbitrage. Je parle de tous les matchs, que ce soit Marseille ou d'autres équipes. Hein. C'est compliqué. Ah oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de matchs où c'est l'arbitre qui décide du résultat. Hein. Exactement. C'est ça. Mais je crois qu'on a toujours pas l'usage de la VAR dans l'arbitrage. Oui, c'est vrai. Donc, c'est très compliqué. Je pense que les arbitres eux-mêmes ne savent pas quand est-ce qu'ils doivent l'utiliser. Et puis j'ai vraiment l'impression qu'on en a après nous parce que j'ai appris que Turpin revenait en Ligue 1 et en plus pour arbitrer Marseille. Oui, il nous arbitre le dimanche. Ouais. Marseille-Toulouse, oui. Toulouse-Marseille, je crois que sincèrement, on se fout de notre gueule. On se fout un peu de notre figure, de nous quand même. C'est clair. Tu peux te faire remonter, mais tu ne commences pas par Marseille. Il ne faut pas arrêter. On sait très bien qu'à chaque fois que tu nous arbitres, on gagne rarement. Donc, c'est une bonne blague. Quoi. C'est vraiment une bonne blague. Ça, c'est bon. Clac. D'après vous, ce soir, quelle va être la façon d'aborder le match? Est-ce qu'il faut y aller tambour battant? Il faut patienter et marquer le but au bon moment parce que faut pas avoir de joueurs expulsés non plus du côté de Benfica parce qu'en général, quand on joue à 10 contre 11, on perd. Donc, ce serait bien qu'il y ait des joueurs qui se fassent expulser. Et il faudrait pas qu'on aille au pénalty parce que on sait que si on va au pénalty, on est cramé. Donc, quelle va être la méthode, la tactique de Gasset, d'après vous? Est-ce qu'on va partir en tambour battant les 15 premières minutes ou on va d'abord gérer et puis voir comment ça évolue? C'est surtout que tu es à domicile, donc il faut commencer les 15 premières minutes à fond.
leur marcher dessus d'entrée de jeu, leur montrer que tu es l'Olympique de Marseille et que tu n'es pas le club du coin, tu vois. Et après, faut jouer tambour battant comme le match face à Villarreal. Faut faire un match c'est exactement comme ça. Ce que j'allais dire. Et ouais, voilà, c'est ça. Sur l'homme et tout ça, là. Et si tu fais ça, tu as tous les moyens pour remporter ce match et être qualifié. Ce soir, je t'explique. Il faut vraiment quand même quelque part que les joueurs sur le terrain ce soir comprennent que ce soir, il y a 66 000 personnes qui sont derrière eux. Exactement. Comptez les milliers qui sont derrière eux ce soir. Tu vois, il faut exactement refaire la même chose que face à Villarreal, le match aller. Voilà. Le même match. Exactement le même match. Voilà. Il faut mettre un but à partir de la 15e première minute, parce qu'après ils sont en plein doute et il ne faut pas les laisser nous marcher dessus d'entrée de jeu. Il faut que ce soit nous qui leur marche dessus direct. Oui, c'est ça. Il faut marquer vite et les éteindre vite. Exactement. C'est ça, exactement. On s'en est rendu compte au match aller. On s'en est rendu compte au match aller. Le problème qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas pris leur milieu de terrain en bloc. Exactement. On les a laissés jouer. Florentino Luis et João Neves, on les a laissés jouer. Et tu avais des fois Rafa Silva qui reculait. Et lui, jamais il a été pris. Jamais. Tu vois ? Je te le dis, la semaine dernière, je lui ai commenté le match. C'était une purge. C'était une purge à commenter ce match. Une purge. Tu vois ? Il faudra faire attention aux contre-attaques aussi de Benfica. Mais surtout, il faut que nos milieux de terrain, tu vois, prennent le dessus sur leur milieu de terrain. Exactement. On n'y arrivera pas. Le combat du milieu. Voilà. On n'y arrivera pas sinon. Hein, d'accord. Qu'on les prive de ballon. Non, mais c'est ça. Mais il faudra que Condombia il ait son niveau de jeu aussi. Hein. Longoria, appelle-moi pour la saison prochaine. Je suis un très bon coach, apparemment. Donc, Mais c'est ça, il faut arriver les ballons. La casquette, elle ne va plus pouvoir rentrer sur la tête. je prends Fredo avec moi en adjoint. Alors, on voulait aussi saluer notre cher. Notre cher actionnaire, qui aujourd'hui, c'est quand même une fête pour le club olympien. Il y a quand même pratiquement 70 000 spectateurs dans un stade qui va être en feu. Et notre actionnaire, lui, il est au steak en train de bouffer du McDo. Donc, arrive un moment, monsieur McCourt, cassez-vous, vous servez à rien. Il ne veut plus mettre d'argent. Il veut pas le vendre parce qu'il n'a pas assez, on ne lui donne pas assez. C'est qu'il s'en aille parce qu'il n'est même pas là pour un match comme ça. Il va être là quand alors c'est toujours vivant, actionnaire ou pas? Il n'y était pas. Tu veux que je te réponde ou comment ça se passe là en fait? Non, mais il est toujours vivant ou il n'y a pas eu d'avis de décès ou... Mais non, c'est quoi, même s'il est mort, je m'en bats les couilles en fait. Tu sais quoi? Parce que tu appelles ça un actionnaire, toi? Un actionnaire, c'est un mec qui est présent. Un mec qui est présent. Il est présent de quoi, lui? Il est présent de rien du tout. Ce mec-là, il faudrait qu'il y ait une troupe de Marseillais qui partent aux States, qui me l'attrapent par la peau du cul et qui me le foutent dans le Staten Island, là-bas, tu vois? Et qui le noie. Mais qui le noie, ce bâtard? C'est quand même catastrophique. Viens-le, le club. Quand même, que pour un match comme ça, on est en train de jouer une demi-finale de Coupe d'Europe, on se qualifie pour une demi-finale, et le mec, il est même pas là, quoi. On va se taper la burne dans les tribunes. Non, même pas, il vient pas. Oh. Il vient pas. Ah non, il vient pas, et il préfère être assis à côté de Nasser. Ah, quel pire. Il vient pas, De toute façon, je voulais dire, moi, je vous l'ai déjà dit, je la connais, la finale de la Ligue des Champions, si vous voulez que je vous la redise, c'est PSG-Real. Ça a été acté depuis le premier tour. Ah ben c'est sûr. Ah ben il faut la donner à Mbappé, comme ça, il la prend pour les Parisiens. Il s'en va en disant j'ai gagné la Ligue des Champions et l'année prochaine il va avec le Real. Voilà, c'est comme ça. C'est quoi ça me fait penser un peu au match de la Coupe du Monde face à l'Argentine. Il faut la donner à Messi parce que ça sera la Coupe du Monde. Exactement. C'est Netflix PSG. Vous allez voir, ça va se passer comme je vous le dis. Sauf si les Allemands, ils décident que ça se passe autrement. Bah, ça serait bien. Du coup, elle est où ta boule de cristal? Je ne veux pas. Il te le dira pas. Il n'aurait pas le score de ce soir. Il en a une ou deux, on ne sait pas, boule de cristal, mais en tout cas.
Deux, déjà. Quand on voit un peu le match contre le Barça, on a un peu compris tout ça. 20 minutes du coup d'envoi. Oui. On va tout de suite prendre les pronos avant d'en reparler d'autre chose. Lolo, le match pour toi, victoire, pas victoire, élimination, pas élimination. Moi, je te dirais. Je verrais bien le 3 buts à 1 ce soir pour nous. C'est vache, parce que c'est mon prono, ça. Merde. Écoute, on m'a demandé en premier. Excuse-moi. Ouais, hein. Ouais. Non, mais c'est pour ça, je vais on va demander à Fredo maintenant. Non, oui, 3-1 aussi. 3-1 aussi, et je pense que le scénario sera intéressant. D'accord. Vas-y, oui. Moi, je dis 2 buts à 1 et doublé d'Aubameyang. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Mais 2 buts à 1, ça fait aller en prolongation. Ouais. Malheureusement, je ne vois pas gagner en prolongation. Tu vois. Peut-être pas au tir au but, mais en prolongation. Camille ? Moi, je dis 2-0 pour l'OM, but d'Aubameyang et Ndiaye. C'est impossible. Vanessa ? Tout est possible. Moi, je dirais 3-1. Alors, doublé d'Aubameyang et un but d'Ndiaye. Moi, je ne dis pas l'Erdi, buteur. Oui, c'est vrai. D'habitude, je suis toujours un peu timoré. Hein. C'est vrai que j'ai des rêves. Je dis toujours. Là, ce soir, je ne vais pas être timoré. Je me vois bien faire le match qu'on avait fait quand Sakai avait marqué. Un 5-1 pour l'OM. Oh putain! Wow! Il se rappelle le match face à Leipzig. Avec un 3-0 à la mi-temps. Oh putain! 5-1, on vient en pré-match. Ma boule. Je vais te dire, si franchement, putain, ça arrive, tu sais quoi, je me fous à poil sur le live, moi. Voilà. Je tombe le haut, tout le monde verra mon tatouage, j'en ai rien à parler. Je peux te dire que Vanessa et Camille, ils attendent que ça. 5-1. Ils attendent que ça. Bon, moi, j'espère pas, mais on verra bien. Hein. J'espère pas. Et moi non plus, parce que je suis en dessous, hein, je vous remarque au niveau du live. Ça te tatouille la tête, c'est normal, hein, Fredo, c'est normal. Il y a un truc de la casquette. Si tu sens un peu la puissance d'une batte de baseball, c'est moi, c'est normal. C'est ça, exactement. Si jamais, non, l'OM va se qualifier, c'est sûr. Quand l'OM sera qualifié, ils peuvent tomber sur qui, là ? Il n'y a pas de prochain tirage, normalement, ils poussent sur la Atalanta, Bergame ou Liverpool ? Atalanta ou Liverpool. D'accord, le match se jouera comme on a payé. Là, c'est la même heure. C'est l'Atalanta qui reçoit. Chez l'Atalanta. Ça va être dur pour Liverpool quand même. Mais bon, ils sont capables de le faire. Et si jamais on passe, vous préfériez qui, vous ? Peut-être pour l'affiche Liverpool, bien sûr. Mais c'est mieux l'Atalanta quand même. Après, tu prends qui il y a. Ouais, de toute façon. On prend qui vient parce que les deux, ça sera chaud de toute façon. Mais le football anglais nous réussit. Ouais. Ça nous réussit. Et puis, ça serait une putain d'affiche quand même pour une demi-finale, quand même. Marseille. Voilà, ça serait une belle affiche. Ouais. Après, c'est sûr que si tu te tapes l'Atalanta, attention, parce qu'il peut y avoir danger. Parce que les clubs italiens, en général, on n'aime pas trop ça, les clubs italiens. Ouais, c'est vrai. Juste au Milan, on aimait bien. Ouais, c'est sûr. T'imagines après, ouais, la tiroir de l'autre quart. L'autre quart, il y a West Ham, Leverkusen et Rome-Milan. Leverkusen risque de passer. Donc, tu imagines, tu aurais Leverkusen, Rome ou Milan. Ouais. Imagine quand même. Ça peut être bien quand même. Un petit tour à c'est ce que je suis en train de penser. Milan. Elle sera magnifique avec les gros. Ouais, Milan, ça serait super. Alors là. C'est vrai, ça serait bien. Ça serait génial. Ce serait le merveilleux. Bon. Mais tu l'as pas vu, ça, dans la boule de cristal, Doudou? Non, mais elle n'a pas aussi loin. Pas assez de souplesse. Elle va pas aussi loin. Non, puis moi, je suis pas assez souple, ça, c'est sûr. Tu n'es pas assez souple. C'est pas assez souple. Est-ce que les tifos ont prévu quelque chose de spécial ou ce sera juste des tifos ou on a un peu d'indication ou pas? Ouais, il y aura des beaux tifos ce soir et une grosse ambiance.
Ouais, Vanessa, là, c'est tout ce qui se passe dans les tribunaux. Il y a des petites oreilles par-ci, par-là. Ouais. Donc, elle a des petites oreilles. Les oreilles, les oreilles. Il y a Younous qui attend qu'un truc, apparemment, c'est qu'on gagne 5-1. Hein. Apparemment, tout le monde va attendre que c'est le 5-1. Hein. Bah, tout le monde est pressé. Non, je pense que si ça arrive, on va cartonner le live. Ouais. Ou on cartonne, ou alors carrément Internet nous bloque. Hein. On est censuré. Ouais, ça va être ça. On va être bloqué. Non, non, mais à 4-1, il commence à trembler de l'autre, c'est sûr. Ah oui, bon, oui. Il sera là pour lui. J'ai mieux que ça. À 4-1, c'est quoi, je me porte malade. Tu déclares forfait. Ah, je m'en bats les couilles. Je fais tomber l'eau, j'en ai rien à branler. Et pareil, je voulais faire un petit remerciement à une personne que j'adore, c'est-à-dire Igor. Merci Igor, tu dors. Continue comme ça et Gendouzi va vite nous revenir en pleine forme. Ouais, continue, franchement. Mon ami, il va nous le ramener à la maison. Vas-y Igor, fonce. Apparemment, c'est très, ça serait très bien. Fun, apparemment, c'est super. Ouais, c'est tendu, ouais, c'est tendu. En c'est fait, très tendu. Je pense que quand elle a dû voir Igor Tudor arriver sur le banc, elle a dit « Oh putain, ça y est, la galère recommence. » Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis poursuivi par ce type. Ah ouais, non, ouais. Mais elle est combien l'option d'achat de Gendouzi? 20. 13. Ouais, 13. Non, il va revenir. Nous, on va se séparer d'Ounaï, il va revenir. On fait un échange. Ah ouais, bah oui. Ils s'y font, mais un chèque au bout, hein, c'est pas grave. Je préfère récupérer Gendouzi, hein, je te le dis. Hein. Ah bah c'est clair et net. Oui, bah, tout le monde, je pense que tout le monde préfère Gendouzi. Par contre, on sait toujours pas sur l'avenir de monsieur Gasset, en fin de compte. On sait pas. Il sera plus là. Il a dit que c'était juste pour finir la saison et qu'après, il laissait sa place. Donc, Galtier arrive alors. Oh. Lui ou un autre. Ou quelqu'un d'autre. Moi, j'aimerais bien foncer qu'à de Lille, mais bon, après. Moi, j'ai du mal avec putain. Ouais, bon, on peut pas avoir un Français qui bah, si, t'en as un qui a 36 ans, mais faut. T'en as un de français, mais quoi, il a pas les moyens. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est Zizou. C'est abordable. Abordable, on va reprendre Courbis. Il y a Courbis, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah bah t'as JPP, abordable. Non, mais on peut pas faire une petite offre à celui-là de Lens, par exemple. Ace. En case, ouais. Il quittera jamais Lens. Pourquoi ça ? Il quittera jamais. Pourquoi ? Il restera pas toute sa vie à Lens, hein. Faut qu'il évolue aussi. Hein. Mais ouais, il aime ce club, il partira pas. Je pense que non. Pas de suite. Pas. Non, je pense que Franck Ace, il part un jour, il irait en première ligue, mais pas dans la ligue. Une bêtise, mais Eric Roy, ça serait pas mal, non ? Oui, c'est ce que j'allais dire aussi, Fredo. Eric Roy, ouais. Ça serait pas mal du tout, Eric Roy. Ouais. C'est ce que je pense. S'il peut nous faire. Parce que si en venant avec Les Mélou, moi, ça me dérange pas du tout. Ouais, c'est clair. Et même Mounier, tu vois, même l'attaquant Mounier. Là. Mounier. Ouais. Ah ouais, parce que les joueurs de tête nous manquent. Hein. Et oui. Et ouais, il peut venir aussi avec Jakub Blachowski hein, aussi. Oh, il l'a placé, il l'a placé. Ouais, tu l'as dit. Eh, Doudou. Eh, ferme-la parce que sinon, je te mets le Thaïlande tout à l'heure. Attends, on va faire un petit jeu. Alors, tout le monde l'a prononcé, il n'y a que Fredo qui ne l'a pas prononcé. On va te mettre un joueur à l'écran, Fredo. On te lance le pari de savoir si tu vas arriver à nous dire son nom, c'est un Thaïlandais. Écoute, moi, je ne sais pas. Ah, tu vas voir, il est facile à dire. Ah ouais, il est facile à dire. C'est pas ton pote. Désolé, je ne peux pas. Je ne lis pas le Thaïlandais. Bon, ben j'espère qu'il ne verra jamais Gagan parce que t'es dans la merde, hein, sinon. C'est clair. Ouais, donc c'est toi, Gagan. Il va s'appeler Paton Paul. Et d'ailleurs, j'ai mis le nom du futur attaquant de l'Olympique de Marseille qui signera l'année prochaine. C'est Alexandre Chikandaou. Il signe l'année prochaine. Chikandaou. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez vous renseigner, c'est un très grand joueur. Il est roumain. C'est un roumain. Et puis tu racontes dans la question Aubameyang. Ah, il y a Younous qui nous dit, il y a Pascal Dupraz. Ah, j'adore, je suis fan. Ah.
Ah bah voilà. Et sinon, moi j'ai une idée. Hein. On a Doudou en tant que coach. Non, non. Ah, ouais. Et au passage, on prend Blas. Allez, vas-y, toi. J'ai rien dit, c'est pas moi qui ai dit. Hein. Mais je sais que c'est pas toi qui l'as dit, mais du coup, avec tes conneries, il te suit maintenant, tes conneries, toi, maintenant. Allez, bravo. Est-ce qu'on sait qui arbitre le match ce soir? Monsieur Zweier, Félix Zweier. Il a des bras, lui. Hein. Putain, c'est un Allemand. Ça va peut-être jouer un peu, il va laisser jouer alors. Alors, c'est un Allemand, mais c'est un Allemand mais avec une petite histoire de corruption dans les années, début des années 2000. Ouais, ouais. Pourquoi c'est Bruno à chaque fois? Benfica corruption, ça marche bien. Ouais, ça marche bien avec Benfica, ouais. Pourquoi c'est toujours ça? Monsieur Vata. Il n'y a pas d'arbitre normal? Pas pour l'OM, malheureusement. Si, Turpin, il s'appelle. Les amis, on vous sort des noms. Didier Digard, un entraîneur. Alors, Didier Digard vient de ma région, hein, les Gisors. Ou sinon, tu as Antonetti. Non, il sera Bastier. Il sera Bastier, donc c'est mort. Digard, ben, j'en sais rien. Il était à Nice pendant un moment. Oui. Bon, je ne sais pas. Il y a plein de noms. Enfin, vous voyez, il y a plein de noms. Pourquoi aller chercher des étrangers? Il y en a plein en France, des entraîneurs qui sont très bons. Et Deschamps. Domenech. Et au mois de juin, il y a l'euro au mois de juin. Non, il n'y a pas l'euro cette année. Deschamps, il se fait éliminer au premier tour. On récupère Deschamps, Zidane reprend l'équipe de France. Tout est réglé. Mon pauvre, tu crois bien que Deschamps, il ne prendra pas le risque de revenir à l'OM avec une équipe de chèvres comme on a à l'heure actuelle. C'est fou. Non, et puis ça s'était mal fini. Hein. Et ça s'était mal fini parce qu'il y avait le père Anigo aussi, d'ailleurs, qui mettait la pression. Exactement. Ouais, aussi. Marcel Rivière, c'est pas... Excuse-moi, Marcel, tu n'es pas le père d'un joueur de foot qui s'appelle Rivière aussi, non? Non, on ne sait pas, c'est peut-être. Hein. C'est Johan Rivière. Il avait joué à Guingamp, d'ailleurs, ce joueur. Johan Rivière. Ah non, commencez pas à le brancher sur Guingamp, hein, c'est mort. Il y avait Emmanuel Rivière aussi. Oui, Emmanuel Rivière. Oui. Il a joué à Montpellier, lui, non? Marseille n'a rien à voir. Monaco. Non. C'est pas de la famille Rivière footballeur. Il a dit non, le monsieur. Ah oui, je sais pas. Ah en effet, j'ai la compo devant les yeux, en effet. Bah oui, Unai est là, c'est bien ça. C'est bien 4-3-3 avec Unai. Il y a l'attaquant de Benfica ce soir. Doudou, il va se régaler à le balancer. Et surtout, Lolo, il y a le joueur que tu avais fait prononcer à Lolo, commence pas, s'il te plaît. Le numéro 8 de Benfica. Orsnesh. Commencez pas, il y a Tenkstedt aussi. Il y a Tenkstedt devant. Ça va aller. Otomendi, Antonio, Ba, Arnes, João Neves, Florentino, Di Maria, Rafa, Neres, Teng. Ouais, Tang. Il y a Tang. Je vais maîtriser, t'inquiète. Non, il va falloir surveiller Di Maria ce soir quand même. Même si c'est Di Maria d'avant, il va falloir surveiller Di Maria aussi. C'est Di Maria qui fait peur. Ouais. Di Maria, c'est. C'est sûr. Après, il y en a. Surtout voir Soglo comment il va se comporter face à Di Maria, c'est surtout ça. C'est ça. Bah, contre Di Maria, il ne faut pas se jeter tout simplement. Il faut rester debout, défendre ça, debout. Et le coller, mais pas le contrer. Parce que si tu mets un petit contrôle et puis tu ne revois plus, donc il va falloir que son gros soit intelligent. Mais j'ai confiance en ce petit jeune. Il a déjà prouvé qu'il n'était pas. Voilà. Donc, bah, écoutez, les amis, Di Maria va être à surveiller, mais bon. Di Maria, il ne va pas rester longtemps sur le terrain, il va se faire expulser, donc on va être tranquille. 54, il reste allez, encore 6 minutes pour ce match qu'on attend avec grand impatience. Les joueurs dans le couloir. Les joueurs dans le couloir, mais toi, tu es sur Canal. Non, je suis sur M6. Ah, tu es sur M6.
Bon, bah, les amis, nous, on vous souhaite un bon match. À tout à l'heure. N'hésitez pas, vous montez quand vous voulez. Gros bisous à tous. Et puis, bisous, allez, à plus. Allez, l'OM. Allez, l'OM, on y croit. Bye. On y croit. Bon, alors, moi, comment je fais? Alors, mon Lolo, je vais faire comment? Donc, toi, tu as les jambes en couleur. Moi, j'ai les, je les ai aussi, la joie gigot, mais moi, il y a très longtemps, un gros portrait sur un genre Benfica. Alors, attends, là, moi, j'ai la vue de Di Maria et Aubameyang à côté de lui. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'arrête. Je mets sur pause. Okay. Dès que tu as, tu me vois les deux, je te le dis. Voilà. On voit les deux en même temps. Bah, moi, je vois Di Maria qui fait des gestes avec ses jambes, mais je vois Aubameyang au fond. Di Gigot, là, je vois la tête de Gigot. Top. Voilà. Là, j'ai Di Maria qui fait des mouvements à côté d'Aubameyang. Là, moi, là, ça rentre. Là, là j'ai Gigot. Ah, moi, ça ne rentre pas. Hein. Moi, ça vient de rentrer. Voilà. On, revient, je vais, on va revenir, t'inquiète. Là, le petit, il a pris le ballon. Non, pas encore. Attention, il arrive. Moi, il arrive. Et top. Voilà, il a pris le ballon. Allez, c'est bon. Voilà, c'est parti, mon ami. Allez, bienvenue à tous pour ce match commenté par Doudou et Lolo sur un. Sur ce quart de finale de l'OM contre Benfica, un but à remonter pour revenir à la hauteur de Benfica. On voit, oh, c'est magnifique, encore les tifos, mais ce public, ces supporters, mais tous les clubs rêveraient d'avoir ces supporters. Un super, en plus, ils ont fait un super drapeau au fond. Ouais, le maillot de la Provence et de Marseille. On voit Di Maria qui priait les dieux du foot pour être avec lui ce soir. J'espère que les dieux du foot, ils ont choisi le bleu et le blanc et que ce sera pour nous ce soir. Là, on voit la caméra qui défile sur les joueurs de Benfica. Attention, moi, je suis pas trop football portugais, donc je vais un peu de mal à me retrouver au début. Les trois arbitres, et là, on voit Gigot, t'inquiète pas, je suis là. Mbemba, Soglo, Ndiaye, Unai, Veretout, Kondogbia, Harit et Aubameyang. Gros plan sur Aubameyang. Allez, mon grand, on compte sur toi ce soir. D'ailleurs, c'est le c'est pas lui qui a le plus de buts en coupe. Ah si, mais c'est lui, le meilleur buteur, c'est le meilleur buteur de l'Europa League. Ben, il va falloir qu'il améliore encore ses statistiques ce soir. Hein. Ça serait intéressant, ouais. S'il pouvait être bien inspiré, nous en mettre deux, ça nous suffirait. On n'en prend pas, on en met deux. Et voilà, et tout passe bien. Et ça sera là, officiellement terminé, quoi. Et là, on pourra être qualifié et on affrontera le vainqueur de l'Atalanta contre Liverpool. Tout à fait. D'ailleurs, je vais me mettre en arrière-fond le score de ce match pour que justement je puisse être un jour. Abdullah. Allez, on espère ce soir, en plus, on a plein de choses à fêter ce soir, c'est-à-dire bah déjà, on espère la qualif du fond du cœur de nos Olympiens, et puis bah, peut-être nos 7000 abonnés dès ce soir. Ce serait magnifique, mon Lolo, et si on nous avait dit ça, oh là là, quand on a ouvert la page, je pense que même nous, on n'y aurait pas cru, surtout aussi vite. En l'espace depuis novembre 2022 qu'on a créé cette page, arrivé à 7000 abonnés, vrais abonnés en plus. Voilà. Je pense qu'on a fait fermer des gueules à beaucoup de monde. Ouais. Mais voilà. Nous, on se fait plaisir. Voilà. Et encore chaud. Allez, ça, c'est la petite poignée de main entre les arbitres, les joueurs, les deux capitaines qui s'embrassent. Un gros bisou. Ils ne sont pas sur la bouche. Hein. C'est Gigot qui a été serré la paluche, la petite photo habituelle. J'espère que cette petite photo, on la verra demain dans l'équipe avec la qualif au bout. Allez, moi, j'attends beaucoup d'un joueur ce soir que j'ai énormément critiqué, je l'avoue. J'attends beaucoup de Ndiaye. Je veux qu'il soit le joueur percutant et qu'il la mette au fond. Voilà, qu'il arrête ses petits dribbles, ses machins, qu'il se mette pour l'équipe. Voilà, qui travaille pour l'équipe. Ndiaye, pour moi, je pense que ce soir, il va tourner autour de Aubameyang. Tu vois, il va tourner autour de lui, tu vois, en faux neuf. Donc ça peut être intéressant parce que c'est vraiment son poste préférentiel. Mais quelle ambiance. On aimerait être là-bas à commenter le match en direct, là-bas avec vous, mais directement en étant dans le stade, quoi. Ce serait magnifique. Ça serait merveilleux. C'est un truc de ouf. Allez, l'arbitre qui est allemand, j'espère qu'il va laisser jouer.
qu'il ne va pas y avoir de mauvais arbitrage et que les deux équipes vont être arbitrées tout à fait normalement et équitablement. Impartialement. Voilà. Allez, ça va bientôt commencer. Le Benfica à droite. Je crois que c'est ça. Hein. On n'a pas encore le plan large. Les Marseillais, bah, habitués, couleur habituelle, hein. blanc avec les petites bandes bleues. Et bien sûr, Benfica rouge avec les petites bandes blanches. Allez, Benfica qui joue à droite. C'est les Marseillais qui jouent à gauche face à l'écran. Et c'est eux qui vont engager avec Ndiaye. On attend le coup de sifflet de l'arbitre. Allez, allez. Gigot qui fait les mouvements. Ouais. Ah. À chercher la bruit, Ndiaye. Ouais. Harit. Harit qui va mettre sur le côté. Ah, très mauvaise passe. Il faut la prendre. Là, il y a faute de Kondogbia. Mauvaise passe de Harit, la première. Ah là là. C'est pas grave, allez, c'est rien. Allez, c'est les joueurs du Benfica qui vont récupérer le ballon. Ça joue tranquillement derrière. On est dans leur moitié de terrain. Otamendi, Orsnesh. Orsnesh. Allez, il faut jouer avec Paul Lopez. Attention, il ne peut pas. Il laisse sortir intelligemment. Mbemba, bien joué. C'est pas à lui de faire la touche. Ah bah si, il joue à droite ce soir. Ah mais je suis tellement habitué à le voir dans l'axe que c'est pour ça. Jolie couleur hein, avec les numéros dorés et tout. C'est magnifique dans leur dos. Ah, il faut la prendre cette balle. Unai, premier ballon. Attention, pas de faute. On va la récupérer. Ouais. Ndiaye. Toujours Ndiaye. Ah, Ndiaye. Ah, il a perdu le ballon. Attention à Arshnesh qui avait récupéré le ballon. Là. Il faut le prendre. Pas de faute, Gigo. Ah, tranquille. Joué, Samuel. Allez, c'est pour les Marseillais. On l'a récupéré. Ça ne sert à rien de se précipiter. Là, on va aller vite, là, même pour faire la touche. Ça ne sert à rien. On est dans notre camp. Il faut prendre notre temps. Voilà, relancer proprement. Le match, il est long, le match. Hein, 90 minutes, on a le temps. C'est pour ça. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Mbemba, il faut construire. Il faudra m'expliquer pourquoi c'est Harit qui est venu faire la touche. Non, c'est pas grave. Je sais pas. Allez, c'est là-bas pour Balerdi qui met en retrait pour Paul Lopez. Oh là là, putain, pas ça. Oh là là, pas ça. Pour Mbemba, il me fait peur, lui. Il me fait peur, le Paul Lopez. Unai, à la passe d'Mbemba, il était bien appuyé, hein, putain. Allez, ça retourne de l'autre côté pour Paul Lopez. Paul Lopez, petit ballon au-dessus. Bien joué pour Aubameyang. Pour Soglo, pardon. Soglo qui est contré. Attention, c'est Di Maria. Di Maria qui a le ballon. Attention, route tranquille pour Paul Lopez. Il ne faut pas prendre un but dans le premier quart d'heure, nous, par contre. Aubameyang, Soglo. Ouais, bien joué. Tranquille. Veretout. Kondogbia. Allez, Unai. Oh là, la passe. Kondogbia qui est obligé de reculer. Elle n'a pas bien donné la passe. Pour Gigot. Allez, il faut demander le ballon là. Mbemba. Et on va reculer pour Paul Lopez. Non, ce soir, il n'y aura pas le petit jingle. On va le laisser un peu tranquille, Paul Lopez. Pour Kondogbia. Merde. Allez, Kondogbia, qu'est-ce qu'il fait? Kondogbia, il va chercher qui là? Oh là 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 là, part pas le ballon là, mon ami. Pour Veretout. Oh, il m'a fait peur. J'ai cru qu'il allait perdre le ballon. Kondogbia. Toujours là-bas. On est sur le côté gauche. Long ballon pour essayer de changer de côté. Il ne va pas y arriver. Elle n'est pas bien arrivée là, la balle. On va la récupérer. Non, on ne la récupère pas. Gigot, pas de faute. Moi, j'ai peur, c'est des cartons là. Parce qu'il y a peut-être des joueurs en plus marseillais en cas de qualification qui sont sous le coup d'un carton. Oui. Ah, pour ça, Unai et Gigot. Unai, c'est pas grave. Alors, c'est reparti derrière pour Porto. Non, Porto, pour Benfica. Quel attention dans la profondeur, faut y aller là. Attention, Arshnesh. Sortez-moi ce ballon. Harit. Attention, les Portugais, là, d'entrée, là. Kondogbia, Unai. Il ralentit ce joueur. C'est un truc de ouf. Pour Soglo. Allez, il faut aller vers l'avant, là. Oh, gamin, là. C'est à toi de montrer, là. On te laisse ta chance. Balerdi. Ah, dommage. Ah, ça bouge pas trop, hein, pas trop de solide. Oh, descend en bas, là. Il y a Mbemba qui demande des ballons. Veretout. Allez, il faut la jouer, là. Voilà, pour Mbemba. Tranquille. Pour Harit. Mbemba. Ah, on va reculer, putain. Allez, c'est reparti avec Paul Lopez. Faut bouger, faut demander. Faut demander le ballon. Allez, Balerdi, on va franchir la ligne médiane, côté marseillais. Allez, c'est pour Unai. Unai, qu'est-ce qu'il va nous en faire? Pour Ndiaye. Oh, la passe.
pour Gigot. Balerdi, on n'arrive pas à se sortir pour l'instant. C'est les Portugais hein, qui pressent. Gigot, pour l'instant, on ne se sort pas de ce coin-là. On est dans notre moitié de terrain, on n'arrive pas à en sortir. Je pense que Paulo Lopez, il va allonger. Même pas. Faux espoirs pour Balerdi. Oui, Ndiaye, il se fait prendre le ballon. Ah, les Portugais sont bien en place. On a du mal. On a du mal pour l'instant. On a du mal. C'est compliqué. Allez, ça revient derrière pour le gardien de but, Trubin. Joao Neves qui a été quand même pour moi l'homme du match la semaine dernière. Vraiment. Attention, pas de faute. Il faut s'intervenir. Ouais, bien joué, Gigot. Oh, il n'y a rien là. La faute sur Tengstedt. Tengstedt, Tang, ouais. Tengstedt, ouais. Il n'y a rien du tout là. Il faut arrêter là, Tengstedt là. C'est très bon le Tang d'ailleurs. J'en buvais quand c'est quand même limite. C'est limite quand même, Doudou. Allez, on va dire qu'on peut la siffler. Bon, je me suis emporté où il y avait peut-être une petite faute. Allez, on est reparti avec les Portugais qui repartent avec leur gardien. Trubin qui ne sait pas trop quoi en faire pour l'instant. Il faut aller le presser, oui. Oh putain, j'ai cru qu'il allait avoir Aubameyang. Allez, il faut s'imposer dans les airs. Ça ne sort pas pour... Mbemba, le gardien, il a mis un temps à dégager. Et d'un seul coup, Aubameyang, il a accéléré. J'ai cru qu'il allait lui prendre le ballon. Balerdi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi oui. Je vois ça. Mais j'ai l'impression que ça se schématise en 3-5-2. Ah bon? Parce que je vois Harit à droite. Il est tout le temps à droite. Ah non, il est à droite, c'est ça, en bas de l'écran. Il est à droite. Ouais. Oh là là. Oh, ce gardien, ça devient une catastrophe, ce gardien. Tiens, ça. Ce gardien, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Ah, ça, c'est sûr. Il va falloir vraiment trouver une solution l'année prochaine, autre que celle-ci, parce que là, c'est pas possible. Kondogbia, on la récupère. C'est une touche pour les Marseillais, tout en haut du terrain, là-bas, côté gauche. Allez, Veretout qui m'envoie ce ballon un peu dans les airs, là. Il va la récupérer. Allez, Ndiaye pour Unai. Allez, non, il ralentit le jeu. Et voilà, ah, garde putain. Il ralentit le jeu. Unai, toujours Unai. Là, il accélère. Là, il accélère. Au fond. Ouh, frappe. Oh, ça passe à ça, le gardien qui intervient. Aubameyang qui récupère dans la surface pour Veretout. Allez, ah, corner. C'est contré corner. Premier corner de la partie. Elle était bien partie, là. Bah, il ne peut pas l'appuyer comme il veut, sa frappe. Il la prend, il n'a pas trop d'élan, il la prend comme elle vient là, tout de suite il enchaîne, paf, pied gauche, elle n'est pas assez fort. C'est bien. Bon, par contre, le gardien n'est pas très sûr. Hein. Double contact et la frappe derrière enchaînée, c'est parfait. Allez, c'est un corner pour les Marseillais avec Harit, avec Unai, il recommence de là, avec Veretout. Ah, c'est contré, c'est pas grave, c'est Aubameyang qui va la récupérer. Allez, Auba. Allez, clac, il faut la remettre dans le paquet, il va les provoquer, il est plus rapide. Non, il va faire une faute, dans l'arbitre qui signale rien. Ah, il va signaler le 6 mètres. Ah, 6 mètres. C'est sorti. Ah, il a été un peu gourmand là, Aubameyang sur le côté. Là, il pensait qu'il allait passer en vitesse. Ah, il n'a pas réussi à passer. Aïe, déjà de l'autre côté. Déjà de l'autre côté, déjà 1-0 pour Liverpool. Ah ben, mon ami, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils y aillent. Hein. Allez, c'est Tanchkumarchen là qui est. Une touche pour Kondogbia. Prenez votre temps, les mecs. J'ai l'impression qu'on veut aller trop vite là. On veut à tout près aller trop vite et on confond un peu la vitesse et la précipitation. Allez, Balerdi. Attention, Balerdi, pas d'erreur, s'il vous plaît, les amis. On arrête les buts de gag, on en a assez fait toute la saison. Allez, Paul Lopez, qu'est-ce qu'il fait pour Balerdi? Paul Lopez qui n'allonge plus. Hein. C'était ça depuis le début de saison avec Gasset. Maintenant, il est revenu à l'ancienne méthode. Gigot, je ne sais pas si c'est la meilleure. Mbemba, bien joué. Il ne faut pas qu'elle sorte. Ah ouais, mais il est tellement rapide, lui, la gazelle, là. Faut pas l'avoir le ballon. Allez, Ndiaye, il faut aller presser là-bas, il peut pas lancer proprement. Allez, c'est pour Trubin, le gardien qui dégage. Pour Gigot qui met de la tête. Putain, j'ai eu peur, je croyais que la tête elle était plus dans l'axe. J'ai dit, t'imagines, il fait une tête de là, il marque but. C'est le but de l'année. Allez, Orsnesh. Ouais, c'est pour nous, Unai. Ouais, bien joué. Derrière, pour Balerdi. Mais il n'y a personne, c'est ça le problème.
Balerdi, Unai qui essaie d'aller dans l'axe, NGI, ça passe pour Unai. Il récupère le ballon. Unai, toujours Unai, encore Unai. Ça a été un peu un petit jeu de billard là devant la surface. Attention, ça dégage loin, mais Gigot, il va y au grain. On va la récupérer. Aubameyang. Ouais, pour Unai qui n'a pas pu la prendre. Ouais. Contrôle ta balle au bas. Ben ben ben, super. Pour Harit. Oui, Chancel, bien joué. Allez, on part dans l'axe. Oui. Pour mettre le feu. Allez, ouais, pour Aubameyang. Ah, il ne peut pas la mettre. Ouf. Ah, c'est dommage. Attention, il faut l'intervenir. Ouais. Ils sont là. Ils sont là, nos Martins. Ils sont là. Ils sont sérieux. Il y a un retour de hors-jeu, non? Ah, Unai, c'est dommage. Il avait passé avec NDI, là. Il la récupère derrière. C'est dommage. Ouais, bien pris par Horsnesh, quand même. Hein. Faut le dire. Ouais, Horsnesh qui a bien pris. Horsnesh. Bien. Allez, ça y est. Tu t'y mets. Valerdi, tu vas. Mais lui. Ouais, superbe. Allez, un peu fort pour Soglo, dommage. Allez, il faut les garder là-bas. Touche près du point de corner, là, tout en haut à droite. Côté portugais, il faut les garder là-bas. Allez, il faut essayer. Et par contre, les amis, on en profite aussi, les amis. N'oubliez pas de mettre les pouces bleus, le partage. Et sur tous les abonnements, ce soir, on veut passer ce soir les 7000. 7000 ce soir sur la page. Touche portugaise. Gigot derrière pour Mbemba. Allez, il y a autre chose à faire, Mbemba. Tu n'es pas obligé de repasser par Paulo Lopez. Hein. Allez, pour Polo. Polo pour Balerdi. Balerdi, qu'est-ce qu'il va nous faire de beau là pour Verret? Non, il la garde. Allez, petite balle au-dessus pour NDI. C'est un peu fort, mais il va y aller, NDI. Il va y aller. Et récupère la touche. On a gagné quelque chose. Allez, il faut pousser. Allez, les petits. Allez. Il n'y a qu'un but de retard. Hein, c'est faisable. Au moins pour revenir à la hauteur de Benfica. Tuer les vieux démons là. Allez, c'est parti. Gigot. Balerdi. Toujours Balerdi. Petit passe en jambe. Pour Gigot, c'est propre. Balerdi. Attention, Balerdi. Pas trop jouer comme à ça quand même. Gigot. Mbemba, alors on remet derrière pour Paulo Lopez. Allez, fais balance un peu aussi devant là. Gigot, il va rejouer avec lui, ouais, c'était sûr. Allez, Paulo Lopez. Ah, Harit qui fait plusieurs fois les appels en bas à droite là. On lui donne pas. Il part, on lui donne pas. Non, mais il part pas assez bien. Unai, il va chercher Harit. Non, Unai. Plusieurs fois qu'Unai, là, il fait du mal pour l'instant, Unai. Mets la barre. Bien joué. Pour Soglo. Le petit Soglo qui remet pour Veretout. Ouais, qui cherche Unai. Toujours Unai. Ouais, super. Ah, il faut bien la mettre là. Ah putain, il y a toujours une tête, il y a toujours un pied portugais qui nous fait chier là. Allez, il faut la récupérer. Kondogbia, Unai. Il siffle quoi là? Il a sifflé quoi? Position de hors-jeu? Retour de hors-jeu, non? J'en sais rien. Ouais, je ne sais pas ce qu'il siffle. Ah, il siffle une faute. Ouais, éventuel. Ah, et c'est les Portugais. Qu'est-ce qu'il a encore? Qu'est-ce qu'il va encore siffler, là? On voit Michel Platini en dessous de Longoria. Ouais. Et l'ancien international portugais, Rui Costa, à côté de Pablo Longoria. Ouais. Allez, les Portugais, qui essayent de relancer. Ils sont toujours dans leur moitié de terrain. Ouais, Soglo qui vient en contact, bien joué. Attention, ne pas laisser partir. Il faut revenir à sa place. Et ouais, attention, ça peut être dangereux. Oh là là, l'autre, il vient chercher la faute là. Il n'y a rien du tout. Allez, c'est Polo qui peut récupérer le ballon. Pokémon, Pikachu. Pikachu qui nous a récupéré le ballon avec ses gants jaunes à la Pikachu. Ah, il a toujours du jaune sur lui. Mbemba. Allez, pour Harit. Harit, pour l'instant, on ne voit pas trop sur le côté là. C'est bizarre son positionnement. Mbemba, Kondogbia, Mbemba. Mbemba, c'est lui qui joue le rôle de piston ce soir. Ouais, super, pour Harit. Ah, il n'a pas pu la prendre. Il joue encore avec cette blessure dans la tête, là. Putain. Unai qui va faire la touche, non? Non, je ne pense pas que c'est Unai qui va la faire. C'est Unai qui la joue pour Gigot. Allez, Balerdi, il faut la prendre. Voilà, c'est fait. Allez, on est au milieu de terrain, là. On est pour l'instant dans le milieu du terrain. Ouais, Balerdi qui accélère. Balerdi. Ouais, bien joué pour Aubameyang. Il faut y aller, Soglo. Il n'y va pas. Ah, il ne veut pas prendre des risques, Soglo. Veretout. Ah, la faute. Ah, la faute. Oh, monsieur Soglo. Ah, merci. Putain. T'inquiète, mon Lolo. Oh. L'arbitre, pour l'instant, il tient son match. On refait le match.
Ouais, mais pas comme M. Kovac, là, il y a deux jours à Barcelone, hein. Monsieur Kovac. Allez, voilà. C'est Gigot la baguette ? Non, ça va être Veretout. Ça m'étonnerait que ce soit Gigot. Gigot, lui, il est venu juste faire son rôle de capitaine, mettre un peu la pression à l'arbitre. C'est normal. Ça fait partie du jeu. Allez, on recule, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Di Maria, on recule, s'il vous plaît. Voilà. Allez. C'est Veretout la baguette. Eh, il est 15 minutes de jeu, pratiquement, ce serait le bon moment, là. De nous en caler un petit peu, un petit au fond, là, ce serait sympa. Ça serait magnifique. Allez, qui va aller couper ce ballon ? Mbemba, Gigot, qui va couper ce ballon ? Il y a Balerdi au deuxième poteau, là-bas. Allez, il faut bien le mettre, par contre. Eh bien, Chiré. Ouais. Oh là là. Mbemba qui se loupe. Pourquoi il fait une tête plongeante, là ? Il ne peut pas mettre un plat du pied. Non, pas bon. Pas bon. Non, il ne pouvait pas faire plat du pied, c'est pas possible. Orsnesh, t'as mis quand même 40 mètres d'avance, quoi. Putain. Allez, Neres, le centre de Neres, attention. Les Portugais, c'est passé au-dessus. La reprise de Rafa Silva, attention. Ils avaient bien joué le coup, là, les Portugais, ça a été rapide. Et Veretout qui a lâché le marquage de Rafa Silva aussi, par contre. Hein, attention, hein, en trois passes, ils sont arrivés dans la surface. Hein. Ça va très très vite aussi, hein, côté portugais. Ils ne payent pas de ligne comme ça, mais attention, ils jouent bien les coups. Et Rafa qui nous met le ballon au-dessus. Allez, Gigot, tant mieux pour nous. Petit avertissement pour les Marseillais. 16 minutes de jeu, toujours 0-0 pour l'instant. Benfica toujours devant sur le total des deux matchs avec un petit but d'avance. Et Paul Lopez. Oh, putain, il m'énerve, il me stresse le Pikachu là. Balerdi. Gigot. Pikachu. Calme. Mbemba pour Ndiaye. Ndiaye, pour l'instant, que je vois pas trop. Ouais, bien joué. Il faut y aller, Harit. Allez, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rentrer à surface. Il va rentrer. Ouais, il a voulu la remettre en retrait. C'est mal joué. Allez, Soglo, faut la prendre. Oh. Le gamin, il va pas. Putain, il y a faute quand même. Heureusement qu'il n'y a pas le ballon. Mais on voit qu'il s'arrête. Joue-le. N'aie pas peur. Tu joues un grand match, garçon. Joue-le. Marque des points. C'est aujourd'hui qu'il faut marquer des points. Ah, arrête. Il a mal joué le coup, là. Putain, il avait embarqué tout le monde avec lui. Et la petite passe, hein, au dernier moment. Mais non, tu ne sais pas les faire, les extérieurs. Payet n'est pas là. Ah oui, faute sur Soglo. Rien à dire. Par contre, coup franc un petit peu loin. Mais bon, s'il le met bien au-dessus, ça peut être joué par des joueurs de tête, là. Il va falloir s'appliquer parce qu'il est presque dans l'axe, le coup franc, donc c'est pas évident. Refaire exactement la même que tout à l'heure, mais si possible avec un plat du pied, cette fois-ci. Et si possible, au fond. Ça serait mieux aussi. Soit c'est parti et non. Est-ce que quelqu'un est bloqué sur la chaîne M6 ? Je comprends pas. Je comprends pas. Pas ta question, Coco. Allez, c'est reparti avec les joueurs de Benfica. De côté là-bas, on change de côté. Allez, il faut aller la chercher. Aubameyang qui va aller presser. On va aller presser là-bas. Ndiaye aussi qui va faire le pressing. On fait tous le pressing là. Orsnesh, qu'est-ce qu'il fait ? Il remet en retrait. Oui, bien joué, Harit. Oui, Harit. Ah, putain, dommage. Il s'est arrêté pour jouer avec Unai. Ndiaye. Ah, Ndiaye, il perd le ballon. C'est pas. Unai sur Trubin qui dégage le plus loin possible. Ça revient sur Gigot. Bah, pour l'instant, c'est un peu une attaque défense quand même. Hein, Doudou. Ouais. Trubin. Oui. Quoi, Trubin ? C'est comme ça qu'il s'appelle. Bah, moi, je veux dire Trubin, je dis Trubin. Unai, Ndiaye. Allez, il va pouvoir déborder. Allez, il y va, Ndiaye. Il y va. Ah, oh là là, il n'y a rien, relève-toi, il a cherché la faute. Trubin qui avait dégagé, Arsnesh qui dégage. Allez, oh là là, il y a faute pour Balerdi, l'arbitre il n'a rien dit, ça joue, s'il a sifflé. 19 minutes de jeu, toujours 0-0. Sur l'ensemble des dommages, toujours Benfica qui est devant avec un but d'avance. Allez, Kondogbia, ouais. Ah, ça commence. Arsnesh, allez, il faut le jouer là. Il faut aller les presser. Putain, on n'a pas l'impression qu'on a un but de retard. C'est ça le pire. On dirait qu'on a peur.
On l'avait dit tout à l'heure, il fallait commencer le premier quart d'heure tambour battant, on l'a pas vraiment fait. Hein. Allez, attention, c'est Soglo qui va aller au contact. On va la récupérer avec Balerdi. Balerdi, ouais, pour Verretou, on la récupère. Toujours Balerdi. Pour l'instant, très bon début de match de Balerdi. Hein. Verretou. Ouais. De toute façon, Balerdi, depuis un petit moment, il est vraiment. Il fait vraiment ce qu'on lui demande. C'est vraiment le taf qu'on lui demande. Il est ça appliqué, devient le patron de la défense. Il devient vraiment un défenseur parce qu'un indispensable. Harit. Pour Gigot qui se retrouve là. Unai. Toujours Unai. Ouais, pour Gigot qui se retrouve ailier droit, latéral droit. Ouais, c'est pas son poste, on le voit. Unai. Gigot. Ah, il loupe le ballon. On va le récupérer. Kondoga. Ah, allez, putain. On va récupérer. Gigot, verrez tout. Ah, il a voulu changer de côté. Allez, Soglo, allez. Faut accélérer, mon ami. Bien joué. C'est sûr. Il s'est fait avoir à l'expérience. Eh oui. T'as la jeunesse, hein, c'est Di Maria à côté quand même. Champion. Di Maria, il a l'expérience quand même. Hein. Allez, c'est parti pour Benfica. On fait là-haut, tout la touche tout en haut, là, près de la ligne médiane. Allez, score cumulé là, sur les deux matchs pour l'instant. 2-1, toujours pour Benfica. Allez, Balerdi. 20 minutes de jeu. 0-0 toujours au stade Vélodrome. Allez, Balerdi, il faut donner ton ballon. Allez, il patiente, il temporise. Allez, c'est parti avec Mbemba. Voilà, il le met dans la merde complet. Unai. Harit. Harit qui va essayer de provoquer. Qui va jouer avec Unai. Allez, il faut y aller. Non. Il va s'enfermer où? Ouais, bien joué. Bon Soglo. Là, il faut s'appliquer. Oui, pas mal ça. Bon centre. Harit. Ah, mais non, ça joue trop petit, NDI. Mbemba, il faut la mettre. Comme elle vient. Verretou. Oh, il n'y a personne. Mal, mais... Il va encore la jouer, Verretou. Allez, Verretou, dans la surface. Toujours Verretou. Encore Verretou. Il revient derrière. Allez, il a voulu la mettre au deuxième poteau. Il va la récupérer. Ah, il se bat, il est là-haut. Il gauche. Il joue, le bon centre. Oh, allez, comme elle vient. Mais putain, mais tire, bordel! Mais tire! Il n'a pas tenté! Harit, elle lui arrive au deuxième poteau! Tente la reprise de volée, mon ami! Tente la reprise! Allez, les Marseillais, ont eu une bonne phase de jeu là, avec Verretou là, qui n'a rien lâché! Allez, Polo, là-bas pour Soglo! Allez, Soglo qui est pour l'instant, bon petit début de match aussi pour l'ami Soglo, là, le petit jeune, pour son petit baptême là! Attention, Gigot, Mbemba, Kondo, il faut aller vers l'avant, Kondo. Allez, il va la donner. Bien voilà, joué. Bien joué. Harit, on recule. Allez, c'est reparti. Repart de l'autre côté. Voilà. Ah non, il retourne. Unai. Ah, Unai, il cherche Harit. Il est là, il est en bas. Non. Allez, pour Balerdi. Balerdi, Soglo. Ah, il faut s'appliquer. Ouais. Verretou. Superbe. Ouais, joli. Ah, bien joué. NBI. Mais laisse-la passer. Ah, bien joué pour Harit. Ouais, là, c'est pas possible. Il y a toujours un pied qui traîne. Putain, on est dans leur surface. Coupez-leur les pieds. Tu me diras, pour jouer au football, c'est pas évident. Mbemba. Pour Harit. Unai, il va lui mettre. Non, Unai, qui va provoquer. Pour l'instant, Unai provoque bien. Hein. Il provoque très bien, il passe bien. Il emmerde les Portugais, hein, Unai, ce soir. Allez, il va la récupérer. Ah non, dommage, 6 mètres, dommage. Il est dans son match, Unai. On l'a assez critiqué. Moi, je peux le dire aussi. Match intéressant là, dans cette première mi-temps. 23 minutes de jeu pour ceux qui arrivent. 0-0 contre l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Et Benfica, pour l'instant, sur les deux matchs cumulés, c'est toujours Benfica qui est en tête avec un but d'avance. Ah, je pensais qu'il allait la tenter. Ah, il aurait pu. Hein. C'est dommage. Ça se tente. Ah, c'est vraiment dommage. Tu sens le joueur qui est pas. Le joueur qui n'est pas tellement en confiance, tu le vois à ce moment-là. C'est ça. Allez, il faut le jouer, Ndiaye. Ouais, oui, allez. Il va taper, il va frapper. Ouais. Oui, oh, Aubameyang, une passe en retrait d'un Portugais très mal donné. Aubameyang, un parti de la poitrine, il se retourne juste après le rebond. Boum. Là, ça passe 2 mètres au-dessus, c'est dommage. Ah. Allez, c'est pas grave, ça se rapproche. Allez, Turbine, qui dégage comme il peut. Turbine, pas mal, lui, quand même, ce soir. Attention, pas de faute, il n'y a rien du tout. Ça joue, bien joué. Mbemba, bien joué, monsieur l'arbitre. Allez, Chancel pour Aubameyang. Allez, qui avec Soglo, Soglo l'accompagne.
Ah, il va y aller. Il la laisse à Soglo. Soglo qui remet à Unai. Unai un peu partout là ce soir pour l'instant. Verretou fait un bon match. Kondogbia. Mbemba, bien joué. Verretou. Ah, attention. Ça piquait sur contrôle, Verretou. Ah, il ne va pas lui mettre, c'était sûr. Ah, il y a aussi s'il lui met. Pour Harit. Ouais, bien joué. Allez, il faut la prendre, Harit. Ah, tranquille. Il faut gagner quelque chose. Ouais, bien joué. Il va rentrer, il va rentrer. En retrait, et c'est corner. Ah, il n'est pas passé, dommage. Wouh. Bien joué. Les amis, il y a de la place. Il y a de la place ce soir. Il y a la place. Il y a possibilité. Il y a possibilité. Allez, c'est un corner. Ils ne vont pas le jouer à deux cette fois-ci. Non, j'espère pas. Harit, qui la joue avec eux. Verretou. Verretou. Ah, il faut la lever aussi la balle. C'est... Tu ne lèves pas le ballon, c'est compliqué, mon ami. Winamax, hein, c'est un truc de Paris. J'allais dire, qu'est-ce que ça fait une publicité pour un site chelou. Kondogbia. Doudou se réveille. Allez, Kondogbia. Non, mais j'étais surpris parce que c'est fini, ça, ça finissait par un X, j'y suis causé. Allez, Kondogbia pour Balerdi. Allez, Balerdi, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le milieu de terrain pour l'instant. Allez, on joue un peu la baballe là. Gigot. Allez, on essaie de faire sortir les Portugais, c'est pas évident. Allez, Verretou. Verretou, Verretou. Pour Unai. Il faut essayer d'accélérer là. Mbemba, Gigot. Il faut à tout prix qu'il y en ait un qui accélère, qui fasse le décalage. À tout prix, il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Allez, Mbemba qui tente. Pour Ndiaye. Ouais, oh, oui, ouais, ah, ouais. Ah, je croyais qu'elle était vers Unai. Elle était trop. Et ouais, moi aussi. Putain. Ah, c'est l'effet optique. C'est optical effet, l'opticien optique. Ah, j'ai enlevé mes lunettes, du coup, je ne vois plus. Quoi. Ah ouais. Eh ben oui, ben ça, c'est un tort, il faut les remettre. Allez, les joueurs portugais qui essaient de se sortir de leur moitié de terrain. Ça fait un petit moment là qu'ils ne sont pas venus dans la surface marseillaise. Et tant mieux. Ochner, Ochnesh, Ochnesh, Ochnesh. Pour. C'est un régal. Pour, c'est un régal pour mes oreilles ce soir. Pour Trubin. Ah, il a failli chier. Putain, imagine, il trébuche. Trubin qui trébuche, ça aurait été marrant. Alors, là, prends ça là. Gigot, ouais, il l'a pris. Super pour Aubameyang. Ouais. Unai, attention. Attention, Unai. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mon ami. Ah, mais il a fait n'importe quoi. À nous. Ah non, la récupère. Elle a été contrée. Et c'est Harit qui va faire la touche. Ça, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi, mais bon. Harit qui fait la touche. C'est vrai qu'Harit, il serait mieux à la distribution que d'aller faire la touche. Unai, pour Kondogbia. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il y a bien. Je pense qu'il doit jouer, il doit jouer dans un rôle un peu de piston droit ce soir, Harit. Allez, Balerdi. Ah, mais Soglo, faut attaquer ton ballon, mon ami. Ah, la jeunesse, la jeunesse. Hein. Attention, Alexander. Ça va aller très vite. C'est allez, bon, bien voilà, récupérer l'expérience. Okay. Bien joué. Allez, ça sert à rien de courir, Tang. Tu l'aurais pas eu. Denkstedt. Allez, Pikachu, il a le ballon. Ah, la frappe d'Aubameyang, on la voit. Ah, il la prend trop de l'extérieur, c'est dommage. Ouais. Il l'aurait juste pris sur le dessus du pied, ça aurait été intéressant. Mais bon, il est là, il est présent. Je sens que il va en avoir d'autres, des plus belles encore. Allez, pour Lopez, il faut allonger. Voilà. C'est ce qu'il fait pour Oba. Oh, ça passe pas. Ouh, j'ai cru qu'elle allait passer. Attention au Portugais. Oh, attention, j'aime pas ça. Di Maria. Di Maria avec son pied gauche, attention. Allez, c'est pour Harit. Allez, Horsnesh. Qui a failli faire une faute, non. Unai, voilà, pour Kondogbia. Allez, il apprend Kondogbia. Ouais, bien joué. Bien joué. Allez, viens et tout. Faut emmener. Allez, il faut que ça bouge maintenant. Ça va là-bas sur le côté. Pour Aubameyang. Aubameyang, il y a Soglo qui arrive sur son côté. Il va jouer avec lui. Non, il joue avec Verretou. Allez, il ne joue pas trop avec Soglo, je trouve. C'est dommage. Soglo. Ah, qui remet à Verretou. Il faut la mettre dans le paquet, la balle, là. Allez, pour. Balerdi, Soglo, on s'est arrêté de jouer là. Verretou, je ne sais pas pourquoi. Pour Ndiaye. On ne joue pas les coups à fond. Hein. On ne joue pas les coups à fond. Ça me fait un peu peur, ça. Il y avait beaucoup mieux à faire le coup d'avant et on s'est arrêté de jouer. Allez, c'est pas grave. C'est reparti là-bas pour avec les Portugais. Heureusement, les Portugais, pour l'instant, ils ne sont pas trop dedans. Ah, peut-être qu'ils ne peuvent pas faire mieux aussi, hein, je pense. Hein. Allez, Portugais, toujours avec le ballon. Alors, on essaye de gagner du terrain, mais c'est compliqué pour eux aussi. Allez, Di Maria, qui a changé de côté, tiens. Avec Orchnesh. Ouais, Doudou, bien joué. Il va perdre le ballon pour Kondogbia pour Balerdi. Di Maria qui est descendu en bas. Hein. Il était sur le côté droit, là-haut, côté Benfica. Il a perdu avec David Neres.
C'est ça, Balerdi, Aubameyang. Aubameyang, il joue pas trop avec Soglo, hein, j'ai un peu l'impression. Ah, te fais pas bouffer comme ça, putain. Je pense que c'est encore un peu fragile pour cette compétition. Ah, c'est sûr. C'est encore un petit peu fragile, hein. C'est jeune. Ça apprend, hein, c'est normal. Ah, c'était à nous, la touche. Hein. Ah, t'es à nous, là, c'est bon. Allez, j'y vais. Pour Lopez. Oh là là, attention. Oh là là. Là. Les sueurs froides qu'il nous donne. Kondogbia pour Unai. Allez, qui va essayer d'emmener. Allez, l'un des meilleurs pour l'instant, côté marseillais. Allez, Harit. C'est pour qui? Pour Ndiaye. Ndiaye bien bas. Pour Soglo. Allez, là, il faut la mettre dans la boîte. Non! Pourquoi il n'essaye pas? Putain, Ndiaye. Il croit pas en lui. Balerdi, on va reculer. Voilà. Alors qu'il y avait une possibilité de centrer, là. C'est ça, c'est notre défi. Risques, cette saison. Il c'est faut notre défaut cette saison. Putain. Allez, Balerdi. Arrivé au 30 mètres, on défend en recul. Alors qu'on en prédit. Il faut lui parler. Un Kondogbia qui fait une percée. Allez, Ndiaye. Il va rejouer derrière. Non, ben il va le payer. Il veut dribbler tout le monde. Il retourne dans ses travers, putain. Donne-la ta balle. Il casse les couilles. Joueur de futsal, il recommence. Putain, le mec, il veut dribbler les 11 Portugais, putain. Jamais vu ça de ma vie, moi. Donne ton ballon, Kondogbia, il est juste derrière. Le mec, il veut dribbler 10 joueurs. Putain! Excusez-moi pour mon coup de gueule. Ça m'a fait du mal. Non, mais t'as raison. Non, mais t'as raison. Il joue toujours dans ses pieds. Il retombe dans ses travers. Putain! Il roide ses pieds. On le sait. Hein. Putain, le mec, il va avoir fait dans sa saison 2 bons matchs. Faut arrêter un moment. Hein. Putain! Kondogbia. Kondogbia, il se fait chier à percer le milieu. L'autre, il nous fait des cagades derrière. Mbemba, loin devant. Pour Ndiaye, qui l'aura pas s'il l'a. Pour Aubameyang qui va entrer sur face. Ah, il n'a pas pu la prendre. Pas de mais non, mais qu'est-ce que tu siffles ça, toi? Oh, ce voyeur de mes couilles, là. Putain. Je ne sais pas s'il y a faute. Allez, Aubameyang qui met le petit ballon dessus. Regarde ça. Otamendi, c'est à l'expérience qu'il le prend à la faute. Il fait pas une grosse faute, quand même. Il met la main sur les boules, mais voilà, c'est quoi. C'est les deux, quoi. Même Otamendi, il le pousse aussi. Il faut arrêter. Allez, c'est parti. Les Portugais qui récupèrent le ballon. Allez, il faut continuer. 32 minutes de jeu, toujours 0-0. C'est pas bon pour les Marseillais, tout ça. Les minutes qui passent. Il faut à tout prix le mettre, ce but, en première mi-temps. Il faut à tout prix le mettre. Même si on ne met pas le deuxième, au moins revenir déjà à la hauteur. Allez, on va la récupérer. C'est pour nous. Allez, Soglo. Tang, il a eu du mal, là. Soglo, ouais, bien joué pour Veretout. Voilà, Unai. Oui. Unai. Oh, Harit. Ouais, putain. Toujours Harit. Ouais, mais non, ça, c'était sûr que ça n'allait pas arriver. Attention, Di Maria, ça va aller très vite. Non, c'est bon. On a réussi à bloquer. Ou pas. Pas encore. Allez, Soglo, faut s'imposer. Oh, ouais, bien joué, Soglo, bien joué. Allez, il a été chercher la faute, il l'a récupéré. Un peu à l'expérience, c'est marrant de dire ça pour un gamin. Ouais, il s'appuie. Ouais. Harit, putain. La petite passe au-dessus, c'était mort d'office. C'était sûr que ça allait être récupéré. Il y avait deux Portugais dans l'axe. Veretout. Allez, ça joue côté Marseille. On a récupéré le ballon, joue coup franc, Gigot. Balerdi. On assiste beaucoup là-haut. Hein. Balerdi pour Gigot. Il y a Kondogbia dans l'axe. Voilà. Kondogbia. Ouais, bien joué. Aubameyang. Mais là, pour Ndiaye. Allez, Ndiaye. Allez. Ah, putain, il est trop court. Allez, c'est une touche pour les Marseillais. On est presque au point de corner là-haut. Pour Veretout. Allez, Veretout, qu'est-ce qu'il va faire? Allez, il faut lui donner des solutions. Allez, Gigot. On est à l'arrêt. Veretout, Balerdi. On va reculer. Ça va revenir à Paul Lopez. Non. Balerdi qui décide de changer complètement de côté pour Harit. Superbe. Bien joué le contrôle, toujours Harit. Unai. Ouais, oh la faute. Il est carrément balancé. Ah, c'est une blague. Il est carrément balancé avec la main.
On dit rien. Bon, d'accord, ok, pas de problème. Pour Lopez. Allez, pour Balerdi. Allez, Balerdi, tranquille. Qui l'a remis à Paul Lopez derrière? Allez, il faut bouger devant les trois devant, là. Allez, il faut demander le ballon. Allez, Soglo, emmène. Emmène. Voilà. Soglo, toujours Soglo. Ah, c'est dommage. On récupère la touche, quand même. Allez, Soglo, derrière, pour Verretou. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire, Verretou? Ah, il y a, c'est quand même... c'est bouché, hein, c'est bouché. Les Portugais qui ferment bien la porte, hein, ça va être le problème. Tant qu'on ne va pas en mettre un, de toute façon, ça va être très compliqué. Verretou, Aubameyang. Ouais, pour Soglo. Soglo, derrière pour Verretou. Ouais, Aubameyang. Aubameyang pour Soglo. Il n'y a personne au centre. Unai. Tu veux faire non, bah personne non. Au centre. Unai, toujours Unai. Verretou. Ah, on est arrêté, on ne produira rien. Balerdi. On est trop arrêté. Bien joué pour Ndiaye. Oh putain de sa mère, le contrôle. Kondogbia, on la récupère. Ah putain. Il y a toujours un petit pied. Allez, c'est les Portugais qui ont réussi à récupérer le ballon. Mais ils sont toujours dans la moitié de terrain. Ils n'arrivent pas à en sortir. Fallait le chercher, Ndiaye, hein, parce qu'il va t'attendre, lui. Ils ont le temps. Hein. En cas, vous ne sauriez pas, les mecs. Ils nous font marquer des buts hein, ce soir. Dis ça comme ça, hein, au passage. Hein. Parce qu'avec ce score-là, on n'y est plus. Hein. On rentre chez nous. Hein. On reste à la maison, on ne sort plus. Hein. Allez, Trubin. Trubin, petite balle au-dessus. Alors, ça va être pour nous, ça. Oui, bien joué. Oh, il siffle faute là-dessus. Mais il prend le ballon. Pied en l'air. Il siffle quoi, là? Ben, il n'y a rien. Il y a quoi, là? Les gars, toujours aussi nuls et soi-disant, ils feront tout pour. Ouais. Allez, c'est parti. Reparti côté portugais. Allez, on tente pas assez. Malheureusement, on ne tente pas assez pour moi, je trouve. C'est malheureux. Non, hein, on doit rentrer dans le but avec le ballon, c'est tout. On veut non, être mais c'est ça le problème de cette équipe, c'est que tu vois, tu as des mecs quand même comme Verretou, comme Kondogbia, même comme Unai qui peut des fois frapper. Ça frappe pas, non, c'est statique, ça bouge. Alors, pas, c'est des plots, les mecs. Allez, les Portugais qui essayent de relancer proprement. Ah, ils ont du mal quand même à venir jusqu'à chez nous, là. Harry, t'as 15 mètres, il ne tente même pas une reprise de volée, c'est bon. Quoi. Allez, il a raison, malheureusement, Clément, il a raison dans son commentaire. On dit que soi-disant on va tout faire pour gagner, mais c'est la vérité. On dit toujours qu'on va tout faire pour gagner, mais on ne fait pas ce qu'il faut. C'est la vérité. Attention au Portugais. Ça déboule côté gauche, il va rentrer à surface. Ouh, merci pour Paul Lopez. Allez, Paul Lopez qui envoie loin là-bas. Pour Aubameyang. Ouais, mais voilà, on est à 2 contre 4, contre 5. Aubameyang, toujours Aubameyang. Ouais, il y a faute. C'est un carton, ben oui. Monsieur Antonio, il se tient la tête, monsieur Antonio, mais je vous jure, monsieur l'arbitre, je ne l'ai pas touché. Et tu l'as pas touché, mon vieil. Touche. Bien sûr que tu l'as touché, carton jaune. Non, ton vieil, il n'a pas touché. Non, ça, c'est allez, 38e minute de jeu. Toujours 0-0 entre l'Olympique de Marseille et Benfica. Premier carton jaune de la partie pour le joueur portugais Antonio. Pas Banderas. Hein. Non, Silva. Ouais, Silva. Allez, Aubameyang qui se relève. On est loin du but portugais. Pas coup franc qui va forcément être dangereux. Voilà, c'était joué par Mbemba. Mbemba avec Harit. Harit qui cherche qui? Qui cherche quoi? Je ne sais pas, je suis perdu. Balerdi. Pour Verretou. Pour Soglo. Verretou. Allez, Verretou. Qui emmène? Ouais, pour Soglo. Mais Soglo, il y va, mais pas... Il y va sans vraiment y aller, encore, en fin de compte. Allez, c'est parti, côté portugais. On va pouvoir la couper, cette balle. Mbemba, elle a tombé. Bien joué. Eh, Aubameyang qui la récupère. Qu'est-ce qu'il va nous faire pour Unai. Ah, mais le flamant rose, il n'a pas les cannes assez longues. Rodrigo, tu as dû dire quelque chose qui n'était pas bien, Rodrigo. Ah, c'est dommage. En plus, il fait l'effort, là, Aubameyang. Il fait l'effort. Il voit pas Ndiaye dans l'axe. Ah, c'est énorme, c'est dommage. Ndiaye, il est arrivé dans l'axe, la balle. Dommage. De quoi tu disais, Rodrigo? Bah, je sais pas, il a été bloqué.
Ah, mais parce qu'il a, il lançait une pub. Okay. Il lançait une pub. Allez. Voilà. Rafa, pour l'instant, qu'on ne voit pas trop, tant mieux. Trubine, qui dégage. Allez, 5 tirs contre 2. Bah oui, mais 5 tirs, mais voilà, mais on n'en met pas un seul, que, un, ni cadré, ni dedans. Alors, allez, c'est Balerdi qui met en touche. Allez, ballon pour Benfica. Bah, ils vont prendre leur temps, hein, c'est normal. Mais bon, on n'en est qu'à la 39e, ils jouent déjà la montre. Ça va, le match va être très long. Ouf. Allez, Portugais qui vont essayer de jouer ses touches rapidement, sans papier ça rapidement. Allez, ça repart de l'autre côté. Allez, Ornesh. Ornesh. M'en fous. Par la droite là-bas. Allez, les Portugais qui ont toujours le ballon. Ils égalent le ballon hein, pour l'instant. Bah, ils ont raison. Hein, de toute façon, là, ils sont devant. Hein. Au cumul des deux c'est matchs, bon. Ils sont devant pour l'instant. C'est pas eux de faire le jeu. En plus, on fait des fautes à la con. Faute bête, ça. Faute bête. Eh oui, faute bête. Eh oui. Bah, faute de jeunes, hein. La jeunesse. Hein. C'est la jeunesse. Oh, il ne fait pas non plus. C'est bon, il ne fait pas non plus. Voilà, il lui prend le bas de la jambe, mais il ne le fait pas volontairement. Hein. Eh oui. Attention, je pense que Soglo ne va pas faire tout le match. Hein. À mon avis, à un moment, Murillo, on va voir sa petite bouille. Qu'est-ce qu'il y a ? L'arbitre, il a été appelé. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, 0-0. 40 minutes de jeu. Bientôt 41 minutes de jeu. Toujours 0-0. Benfica, bah, qui est sur les deux matchs, pour l'instant, est toujours en tête. On voit Klaus, on voit Rongier. On voit bah, tous les joueurs. Hein, Marseillais. On en a Merlin. Ouais. Bon, il va se relever, lui. Oh là 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 là. Oh là là, le cinéma, toi. Le cinéma qui nous fait. Oh là là là. Un moindre truc, ça y est, ils vont tomber, ça va durer 10 minutes l'histoire. Oh là là. Ça y est. Bon, par contre, il a perdu sa jambe. Et dans 10 secondes, il trotte comme une gazelle. Ah putain. Je crois que dans tous les sports que je connais, je crois que les footballeurs, c'est les pires. Oui, ben ça c'est sûr. On continue à dire à nos abonnés quand même de partager le live. Ah ouais, partage à max, mettez les petits pouces, mettez les petits cœurs, mettez les petits sourires comme vous avez fait. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous. Allez, il faut atteindre les 7000 abonnés ce soir, on n'en est pas loin. Papa d'un côté, Basile de l'autre. Les anciens de l'OM. Ravanelli au milieu. Fabrizio, il croit qu'il se cache derrière les lunettes. Attention, il faut se sortir de là. Voilà, c'est fait. Je l'ai reconnu. Tu l'as reconnu ? Allez. Je l'ai Arshnesh. Reconnu. Allez, Arshnesh. Allez, pour le grand blessé là qui court comme une gazelle, c'est ce que je disais. Di Maria. Ah, c'est mort. Bah, là, je pense à la pause avec ce score de 0-0. Putain, on fait pas. Moi, pour moi, on ne fait vraiment pas ce qu'il faut pour l'instant. On n'en fait pas assez. Est-ce qu'on garde un peu de jus pour la deuxième mi-temps ? J'en sais rien. On fait pas. En plus, le pressing, on ne le fait pas ensemble. Oh là 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 là, ça passe au-dessus. Orchnesh. Pas se jeter, Mbemba. Attention. Joe Neves, attention. Mbemba, allez, c'est le moment. Il reste 2 minutes. Dans le temps réglementaire, allez. NGI, toujours NGI. Et voilà, il va provoquer. Putain, mais merde! Putain, c'est un truc. Putain, mais c'est pas possible! Putain, mais. Un truc de ouf. Ce mec, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Allez, Tengstedt, là. Putain de sa mère. Alors, on la récupère. Unai. Heureusement. Allez, mets-lui. Allez, pour Veretout. Faut emmener Veretout. Allez, Aubameyang qui fait un appel. Il s'est arrêté. Veretout qui emmène. Il est tout seul. Aubameyang, on entre la surface. Du gauche. Ah, ça passe au-dessus. Eh ben oui, mais putain, mais mets-toi dans l'axe aussi, arrête de jouer sur le côté. Putain. Le problème, c'est que tu vois, là, on se retrouve, ils sont 6 Portugais, on est 2. L'autre, mais ouais, mais au lieu de nous faire ses dribbles, au lieu de nous faire ses dribbles qui servent à rien, il est même pas devant, Stan. Putain.
Il veut faire des dribbles, il perd le ballon. Ils étaient 5 sur lui, il essaye encore de dribbler le mec. 5 sur lui, il va même pas essayer de chercher une touche ou d'obtenir quelque chose. Ils sont à 5, il essaye de les dribbler. Mais son cerveau, il tourne normalement à ce mec ou pas? Oh, le bobo. Balerdi, petit retourné. Acrobatique qui ne sert pas à grand-chose. En plus, j'ai peur qu'il se fasse mal. Verretou, pour Kondogbia. Ounaï, il faut que ça joue vite. Ounaï, qui lance là-bas? Aubameyang. Mais Aubameyang va être trop esselé. Il va pouvoir la prendre quand même. Non, il n'a pas pu. Et c'est les Portugais qui vont pouvoir repartir. Oui, on la récupère. Ah, il a failli la récupérer. Aubameyang, il ne l'a pas eu. Kondogbia, elle la récupère quand même. Verretou. Allez, il faut changer de côté. Ouais, superbe. Ah, non, pas bien joué directement sur le gardien. Trubin qui a pu mettre les genoux au sol pour prendre le ballon. Allez, il y a 2 minutes d'arrêt de jeu dans cette première mi-temps, toujours 0-0 entre les Olympiens et les Portugais. Pas vraiment grand-chose à se mettre sur la dent. Pour l'instant, pas vraiment d'action hyper dangereuse. Côté marseillais, enfin, contre les actions les plus dangereuses ont été portugaises. Hein. Mbemba n'ont fait des semblants d'action en fin de compte. Allez, Orchnech qui dégage pour Balerdi. Attention, ça arrive vite sur Balerdi. Verretou. Pourquoi il se recule dans ce sens-là? Kondogbia. Balerdi. Là, il ne bouge pas, Soglo. Doudou, il bug. J'ai cru qu'il allait allonger. Non. Verretou. Kondogbia. Toujours Kondogbia. Ouais, encore Kondogbia, il faut falloir la donner, Kondogbia. Gigot. Balerdi, putain. Pour Soglo, c'est un peu fort. Soglo, il la prend quand même. Bien joué. Bien battu. Ounaï. Il faut frapper. Ounaï. Il faut frapper. Ah là là, frapper cette balle, bon sang. Oh putain, Gigot. Putain, mais c'est pas possible. Il va y avoir du carton. Oh là 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 là. Elle-même, c'est pas vrai. Mais putain de pourquoi vous frappez pas, bordel de putain de merde. Arrêtez de chercher les fautes, putain. Ouais, Gigot, c'est limite. Là, ça peut être un rouge. Hein. C'est très, très limite. Il a laissé l'avantage. Heureusement qu'Mbemba, il en fait une autre derrière. Mais là. Encore, il ne le touche pas. Hein. Il ne le touche pas. Ouf. Il ne touche pas. Chaud, hein. Hein. Non, mais c'est ça rime à quoi de se jeter comme ça? Il y a faute sur Ounaï en plus. Hein. Il a raison. Hein. Il a raison. Après, ça sert à rien de chercher la faute et de chercher le défense. Allez, va siffler l'arbitre. Allez, va siffler la mi-temps. Ouais, allez, siffle. Ça sert à rien. Là, on a déjà dépassé le temps réglementaire. Alors, Je veux juste dire à notre team, ceux qui peuvent monter un max, Vanessa, Fredo, si Jojo nous écoute, qui peut monter aussi. Voilà, n'hésitez pas à monter. Allez, c'est la mi-temps, 0-0 pour l'instant. L'OM n'est pas qualifié. Tout est à faire. Heureux, les amis. Ouais, heureux. Jean-Louis. Bon, tout est à faire. On n'a pas pris de but, c'est déjà ça. Ouais, mais bon. On n'en marque pas non plus, c'est pas mieux. Exactement. Tu vois, j'aurais eu un peu plus d'envie, peut-être, chose comme ça, je te dirais. C'est un 0-0, mais ça, la deuxième mi-temps va être difficile pour Benfica, mais pour l'instant, on a l'impression qu'on joue une qualification pour une demi-finale, quoi. On est vraiment timoré. Hein. On prend aucun risque, même devant le but, on ne frappe pas rien, on ne prend aucun risque. Bah oui, c'est ça qui est chiant. Il n'y a qu'Aubameyang qui essaye de frapper quand il peut, mais c'est pas évident. Et je ne comprends pas le positionnement de Harit. Je n'arrive pas à comprendre son positionnement. Bah, il a voulu le mettre là parce qu'en gros, le défenseur Ornesh, là, il n'est pas piston de base, il n'est pas défenseur gauche. Du coup, il a voulu le mettre là. Pour que Harit il lui fasse mal avec ses dribbles et tout. Ouais, mais c'est pas la solution, je pense. Là, je vais te dire sincèrement, dans un match comme ça, Mumbanya nous ferait du bien. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Parce qu'en plus, là, le défenseur central a pris un jour. Il bloquerait deux défenseurs à lui tout seul.
Mais c'est peut-être ce qu'il va avoir à faire à la mi-temps. Par contre, Unai, à part ses frappes qu'il ne fait pas, je t'ai trouvé très actif, intéressant, les bons décalages. Unai, c'est son frère sur le terrain, non ? Je sais pas, mais je l'ai trouvé bien en forme ce soir. Parce que c'est différent des matchs qu'il nous a habitués. Hein. On n'est pas les seuls à le dire. Younous nous dit, hein. Ce serait bien que Faris rentre. Ce serait intéressant, je pense. Ça pourrait être un bon point d'appui, en fin de compte, jouer en appui avec lui. Ça pourrait être sympa. Maintenant, attention, voilà notre spécialiste footballistique. Oui, bonjour Vanessa. Comment vas-tu, vois, bizarrement, mais un message de Younous, bizarrement, tu vois, il y a Vanessa qui débarque. Elle a fait tomber le maillot de l'OM, en tout cas. Bon. Bon. Moi, je veux pas dire. Hein. Je veux pas dire. Ah, dis pas, mais je pense quand même quelque part qu'on peut faire quelque chose d'intéressant. Oui, oui, il y a moyen, il y a moyen de faire quelque chose. Non, mais c'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. Regardez votre écran. Ouh On les en a atteints. Bon, bah non, c'est ça qu'on reste à faire, hein, 8000. Ah bah du coup, oui, est parti maintenant. Ah bah oui, là, ça y est, là il va être lancé. Là, sincèrement, si on fait encore une mi-temps comme ça, on passera pas. Il faut vraiment passer le turbo maintenant. Il faut vraiment passer le turbo. Il manque les petites accélérations, quoi. Voilà. Il faut prendre beaucoup plus de risques. Je suis désolé, on n'en prend pas assez. C'est ça. Bah, en fait, il manque plus d'accélération devant et puis plus de justesse sur le dernier geste, quoi. La dernière passe, le dernier centre. On a encore un peu trop de déchets sur ça et c'est dommage. Le seul truc qui manque, c'est un peu plus de courage et de réalisme dans les ambitions de frappe. Voilà. C'est ça. Dans les 30 derniers mètres, on ne tente pas du tout, c'est ça. Il faudrait tenter beaucoup plus. Le problème qu'il y a, c'est que si tu veux, c'est que tu te retrouves, par exemple, avec un Harit qui pourrait faire une reprise de volée, qui préfère encore jouer. Exactement, c'est ça. C'est trop collectif. Les deux seules actions où on a tenté, c'était la frappe d'Enjay et la reprise de Oba. C'est tout ce qu'il y a eu, quoi. Après, il n'y a rien. C'est des gens qui passent. Enjay, il te l'a dit durant la mi-temps. Hein. Enjay, le problème, c'est qu'il recommence à tomber dans ses travers, hein, malheureusement. Hein. Bah, c'est ça. Ouais. C'est à cause d'un mec comme lui, tu vois. C'est un peu dans son jeu comme ça. C'est un peu à cause de son jeu en première mi-temps à Enjay qu'on peut ne pas gagner ce match, quoi, en fait. Quoi. Ouais. Mais par contre, je trouve le match d'Unai assez bon quand même. Franchement, il apporte beaucoup dans le. Il fait son match, je le trouve bien par rapport aux deux. C'est son frère. Par rapport à Ndiaye et Harit, je le trouve très bien parce qu'il casse les lignes, il est aux bons endroits, il arrive à prendre les espaces qu'il y a. Quoi. Moi, je te parie ce que tu veux que Fredo va nous dire que Ndiaye fait un match de ouf. Je ne commenterai pas Ndiaye. Non, je dirais qu'en fait, on est pauvre techniquement, voilà. Exactement. On voit les lacunes techniques qu'on peut avoir dans la précision, dans les derniers gestes, dans les choix devant le but. C'est là que tu vois un gars comme Dimitri Payet manque dans cette équipe, tu vois. Bien sûr. Et puis un mec qui te fait des appels de balle en profondeur, qui a envie d'aller toucher la balle. Enfin, voilà, comme un Alexis Sanchez l'année dernière. C'est ça. Ou même Younder à droite, ça te manque aussi. Hein. Je pense que vraiment que Faris, sur ce genre de match, il a la solution. Faris peut être un gros apport dans la surface. Ah bah oui. On peut s'appuyer dessus. En tout cas, il peut bloquer les deux centraux déjà. Ça libère Aubameyang après. Et tu vois, je vais te dire, tu me parles de Faris. Il n'y a pas de problème, Faris Moumbania, il n'y a pas de problème. Mais moi, je tenterai un coup de poker. Tu fais rentrer le petit jeune ou puis Abdallah? Je fais rentrer Correa, mais je le mets derrière Moumbania en 10. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Après, il faut tenter le tout pour le tout si tu veux te qualifier. T'as pas le choix. Hein. C'est une illumination que j'ai. Moi, j'ai quand même la sensation qu'ils sont pas venus pour jouer au foot, Benfica. Ils sont juste venus pour se faire perdre.
et te faire ton petit 0-0 comme ils ont fait à Toulouse. C'est ça. Et toi, ça, si tu n'es pas capable de mettre un niveau un peu plus haut, bah, tu vas te casser les dents et tu peux jouer jusqu'à minuit, 2h du matin. Et tu ne marqueras jamais, ouais, c'est clair. Il faudra monter d'un cran pour pouvoir remporter le match, sinon ça va être compliqué. Ça, c'est sûr. Il faut sortir les crocs. Oui, vous avez vu quand même, ils ne jouent même pas les contre à fond, hein, les mecs. Hein. Non, bah ouais. Ouais. Non. Donc, même Di Maria, on ne l'a pas vu du match. Hein. Il a été obligé de changer de côté, Di Maria, tellement qu'il n'arrivait pas sur côté à Soglo. Ouais. Ah, il se faisait chier devant Soglo, tu m'étonnes. Mais Soglo, il a pas été mauvais, je trouve. Il fait son match, Soglo. Hein. Il est léger, ouais. C'est frêle, mais ça prend du temps. Non, Soglo, c'est frêle, mais après, Balerdi, il assure beaucoup quand Soglo, il monte devant. Je trouve que Balerdi, il a un bon positionnement derrière aussi. Ah, après, Soglo, il a de la vitesse aussi. On n'a que Veretout qui arrive à faire des passes précises. Même ses coups francs, c'est dommage que la tête d'Mbemba elle est hors cadre sur le coup franc. Là, parce qu'il était le plat du pied là-dessus, le plat du pied est malheureux. Moi, je pense vraiment qu'Ndiaye, il faut qu'il sorte à la mi-temps. Il faut sortir Ndiaye. C'est le maillon faible pour l'instant. Le maillon faible, c'est Harit aussi. Il y a Harit aussi. Harit. Ouais. Harit, moi, j'en peux plus d'Harit, c'est bon. Non, mais là, l'envie qu'il a de se retourner vite, ça a été dingue quand même, là, sur la passe qu'on lui fait. Il se retourne très vite quand même. Hein. Vous avez vu la vitesse où il se retourne ? Même moi, à mon âge, je retourne plus vite que lui, disons. Non, mais c'est là où tu te dis, putain, tu dois frapper sur cette balle-là. Tu dois te retourner vite et claquer. Et tu dois pas ce qu'on disait, c'est plus le Harit qu'on a connu, hein. Ça a manqué de spontanéité. Il joue sur la retenue, Harit. Il ne se lâche pas. Exactement. C'est ça. Mais là, il faut vraiment trouver la justesse technique. C'est ce qui nous manque. Hein. On n'a pas de technicité dans notre jeu. Là. C'est ça, il manque ça, ouais. Le problème, c'est que ça va se passer comme dans beaucoup de matchs. On va encore attendre pendant une demi-heure, on va rien faire. Pendant 40 minutes, on va rien faire. Et puis les 5 dernières minutes, on va courir dans tous les sens pour essayer d'aller marquer. Et ça sera trop tard. On va faire un contre et puis va terminer. Adieu, au revoir tout le monde. C'est possible. C'est ça. C'est possible. Là, c'est pourtant, tout à l'heure, dans la boule de cristal, tu as vu 5-1. Mais là, tu dis 0-0. Ouais, je te rassure, Lolo, t'es pas prêt de te foutre à poil. Hein. Moi, tu vois, je suis bien là. Je te rassure, Fredo, tu vas rien sentir dans ta casquette. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, mais là, faut donner. Mais il est plus en dessous de moi, Fredo. Là. C'est très bien. Là, tu joues quand même la quart de finale, retour. Tu sais que tu dois à tout prix gagner, au moins, minimum, tu dois gagner au moins 2-0. Et tu fais pas, tu mets pas les ingrédients pour le faire. Et arrive un moment, il faut se bouger. Hein. Et pourtant, Benfica a joué ce week-end et pas Marseille. Donc, normalement, tu devrais être plus frais physiquement déjà. Non, mais surtout quand même, on va décaler. Non, chose. Mais. On nous a sorti quoi là ? Depuis quelques jours, on nous a sorti ce qui s'est passé en 2018 avec Leipzig. Il faut arrêter. On n'a pas la même équipe. Exactement. C'était pas le même effectif. On avait une équipe qui était plus forte. Tu vois. Pour moi, je trouve qu'on avait une équipe qui était plus forte. Bien sûr. On était en feu parce qu'on avait envie. Là, moi, première mi-temps. Oui. Et puis, excuse-moi, à la baguette, tu avais un maestro qui s'appelle Payet. Exactement. Qui a fait pour moi peut-être un de ses meilleurs matchs. Quand tu vois le joueur allemand, il aura mis la misère. Et encore, on retient un but qui était magnifique. Mais tu avais Mitroglou, tu avais Amavi, ça, c'était des joueurs de ballon, ça. Mais en fait, j'aurais pu jouer avec Ndiaye, ces gars-là. Ah oui. Nous, on a eu un joueur qui s'appelait Payet ce jour-là et qui, à lui tout seul, a gagné le match. À lui tout seul, il a gagné le match. C'est lui, hein. C'est sûr. Tu as dit, Vanessa, mais Unai sur ce match-là, il n'est pas ridicule, hein, techniquement. Non, et moi, je l'ai trouvé très bon. Ah, moi aussi, je l'ai dit, il fait un bon match. C'est juste sa dernière passe, comme tout le monde, où il a du mal. Mais... Voilà, c'est les dernières passes qu'on a du mal. C'est ça qui est dommage. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi ils ont du mal comme ça dans la dernière passe. Parce qu'il n'y a pas de plan devant.
Il n'y a pas oui, de monde devant Aubameyang. Aujourd'hui, on le voit bien. C'est pas la peine. La dernière action, quand Veretout donne le ballon à Aubameyang, ils sont deux contre six. Mavendia, il n'a pas suivi. Qu'est-ce que tu veux faire? Et en plus, la plupart du temps, on revient dans l'axe. Dans l'axe, c'est bouché. Bah oui, exactement. Il faut jouer sur les côtés. Il faut prendre plus les côtés, ouais. C'est là que Jonathan Klaus, il manque, tu vois. Oui. Surtout que le côté de bas, là, le défenseur de Benfica, là, il est assez faible, donc il faut appuyer plus de son côté encore. C'est là qu'on regrette la blessure de Merlin, parce que Merlin, c'est un joueur qui aurait centré. Mais c'est pour ça ce que dit Doudou est intéressant. Tu fais rentrer Faris Moumbania, tu décales Aubameyang sur le côté gauche, et bas, là, il prend l'eau. Ah oui, mais parce que bas, il est très fragile. Hein. Parce qu'il te manque un joueur qui fasse des accélérations en fait devant. On n'a pas ça là actuellement, c'est ça qui manque. Oui. Il a la encore... balle, il faut le passeur, voilà. Là on n'a pas le passeur, on a la balle. L'avantage avec Faris, c'est que c'est un joueur de surface. C'est-à-dire que le mec, tu peux t'appuyer dessus. Rien qu'à lui, il va déjà aspirer deux défenseurs centraux. Rien qu'à lui, il va aspirer deux joueurs avec lui. Donc, il va laisser de l'espace après aux autres. Exactement. En tout cas, ça serait le changement que je ferais à la mi-temps. Bon, en tout cas. Moi aussi. Il faudra enlever Ndiaye et mettre Moumbadia, je pense. Et il reste 45 minutes pour tout essayer, de toute façon. De toute façon, là, la deuxième mi-temps, il faut tout donner. Il n'y a pas à chercher à comprendre. Hein. Si tu fais rentrer Faris à 10 minutes de la fin, je ne vois pas l'intérêt, hein, sincèrement. Il faut sortir un match au fou la deuxième mi-temps, sinon c'est même pas la peine. Ah ben, tu sais, je vais donner ma vulgarité légendaire, mais il va falloir mettre nos couilles sur le terrain en seconde mi-temps. Exactement. Ah oui, mais c'est ça. Là, il faut aller au combat, il faut y aller, il faut pas. C'est bon. Si tu veux, quelque part, tu vois, c'était au départ à moi qui devait me foutre à poil si on devait gagner 5-1. Mais je pense que ça doit être maintenant à eux de se mettre à poil pour gagner ce putain de match. Oui. En tout cas, non, mais là, ils n'ont pas le choix. Je pense que Gassé, il va trouver les bons mots qu'il faut à la mi-temps. Il va aller. Et peut-être faire des changements qu'il faut aussi, j'espère. Ben, ça serait bien. Ouais. Il y a Murillo qui s'échauffe. Je ne sais pas si c'est fait ou pas, mais même dans un match comme ça, normalement, tu vois, Longoria, il quitte sa place, il descend dans le vestiaire à la mi-temps. Qu'est-ce que tu veux qu'il parle, lui? Mais normalement, un vrai président, dans ces cas-là, il vient aussi, il vient compléter ce que va dire le coach. Il est comme il faisait Tapie. Oui, mais là, on n'est plus dans le même contexte. C'est fini cette période-là. On est dans t'as plus de Pape Diouf pour le faire, quoi. C'est fini. C'est le football moderne, j'ai oublié. Mais en tout cas, je vois l'entrée des joueurs, il n'y a pas de changement pour l'instant. Là, il y a Bourillon qui s'échappe, il va rentrer en deuxième mi-temps. Écoutez, on verra bien. J'espère, un bon match à vous. Et puis, bonne deuxième mi-temps. Bonne deuxième mi-temps, les amis. Bisous, ciao. Bisous. Ciao. Jean-Marc Ferreri fait la gueule. Hein. Pour l'instant, il n'a pas pu donner de but pour. Antonio qui a le premier carton jaune portugais. Côté olympien, il y a Mbemba qu'on a pris aussi. Quand même, à 7000, c'est pas mal quand même. Si tu m'entends, les deux abonnés. Les deux abonnés, ils ont fait des petits. Ça devait être un mal. Ils ont fait plein de petits. Allez, c'est reparti pour ce match. Deuxième mi-temps entre les Olympiens et Benfica. Toujours 0-0. Donc, sur le cumul des deux matchs, pour l'instant, Benfica est toujours devant avec un petit but d'avance puisqu'ils avaient remporté le match aller 2-1. Allez, Marseillais, maintenant, d'aller chercher ce résultat. Ce sera certainement pas en ayant fait la première mi-temps qu'ils ont fait. On attend beaucoup plus d'eux. Donc, à eux de nous montrer qu'ils sont capables. Apparemment, il n'y a pas de changement, malheureusement. Je pensais vraiment que les gars, il y a une Murillo.
Ah oui, bon, c'était sûr, on l'avait dit, hein, Soglo, c'était un peu... Ouais, c'était un peu fragile quand même. Alors, la place de Chancel Mbemba ? Oh ! Il est fou ! À la place de Chancel Mbemba ? Alors, Chancel a quelque chose. C'est pas possible. Là, c'est un putain de pari, alors qu'il fait là. C'est un putain de pari qui tente là. Ah, il doit y avoir une explication. Non, il doit y avoir une explication, c'est pas possible. Le carton, certainement. Oh, attends, il ne va pas sortir un joueur comme ça parce qu'il a un carton jaune. Il faut arrêter quand même. C'est un de tes meilleurs défenseurs. Il faut arrêter. Kondogbia. Allez, c'est reparti. Veretout. Pour Balerdi. Oula, qui dégage loin. Attention à la passe là. Bandia, il ne prendra pas le ballon de toute façon parce que lui, je ne sais pas ce qu'il fait encore sur le terrain. Allez, c'est reparti pour les Portugais qui repartent bien de l'avant. Là, par contre, Balerdi en défendant, c'est difficile. Soglo, bien la belle intervention en touche pour les Portugais. Di Maria qui a retrouvé son côté droit. Fait toujours peur, lui, parce que lui, sur un seul éclair, ouais, des fois, il n'en faut pas beaucoup. Ouais, allez, Soglo qui met la tête. Veretout qui dégage. Allez, ça passe pour Aubameyang. Ah, il n'a pas pu la récupérer. Pas de faute, Soglo. Ndiaye, bien joué pour Unai. Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, pour Aubameyang. Aubameyang qui va. Ah, ça a peut-être un peu fort. Non, il la récupère. Il est tout seul, par contre. Il est tout seul. Il va entrer à la surface. Ah, c'est un corner. Il a frappé ses corners contrés. Il a cherché une frappe au premier poteau. Mais il n'avait pas le choix. De toute façon, il était tout seul. Ça n'avait pas suivi derrière. Ah, on ne suit pas les actions. Bien. Donc, regarde, ils sont quatre autour de lui. Il n'avait pas un seul Marseillais avec lui dans l'axe. C'est un truc de ouf. On veut gagner un match, mais on ne met pas les éléments qu'il faut. Donc, pour gagner un match, il faut des joueurs devant. Hein. Sinon, ça ne sert à rien. Allez, Veretout, corner. Est-ce qu'on va débloquer la situation sur un coup de pied arrêté? Allez, coup de pied de coin, là, Veretout. Ah, oh, dommage. Comme Ndiaye, Ndiaye. Ça va être revisionné. Ça va être revisionné, je pense. Ça réclame beaucoup. Oula, ça réclame. Ah, attention. Il a été appelé. Oh putain de sa race. Oh, je crois qu'il a dit non. Là, un rebond, deux rebonds. Bah, il y a un. Le ballon, il va en direction du but. Hein. Le ballon, il va en direction du but. Potentiel pénalty. Check. Normalement, attention. Attention. Mais bon, Shootez-lui la paix, l'arbitre. Laissez-le entendre ce qu'il a à entendre. S'il va voir la VAR, il y a la VAR. Point barre. Chaud quand même. Nique ta mère, il n'y a rien. Ouais, Allez, c'est bon. On a compris, allez. C'est bon. Allez, il ne faut pas compter sur lui. Allez, c'est reparti. Unai. Ah, putain. Il faut que ça les bouge, les gars. Là, il faut que ça les bouge. Maintenant. Parce que tu vois quelque part que là, tu ne seras pas aidé, là. Murillo, putain de c'est léger quand même. Hein, il aurait peut-être pu trouver quelque chose. Hein. Kondogbia, allez, on la récupère avec Ndiaye, qui va encore vouloir dribbler tout le monde. Il ne sait même pas faire une passe. Putain, mon Dieu. Il ne sert à rien, ce mec. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il revient sur une faute sur Murillo. Non, sur Kondogbia. Allez, c'est une faute pour les Marseillais. On revient sur la faute. Balerdi, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, merde! Kondogbia, allez, pour Gigo, il y avait deux ballons sur le terrain. Kondogbia pour Balerdi. Est-ce que ça va nous réveiller un petit peu tout ça? Balerdi, derrière pour Gigo. Allez, c'est dommage, on avait une belle action là. Allez, Murillo. Unai, Murillo. Ah, ça y est, sa petite passe à 10, c'est reparti. On ne propose rien. C'est pour Paulo. Putain, je m'en ai qui faisait la passe. Pour Paulo Lopez qui va allonger. C'est perdu d'avance. C'était pour Harit. Unai qui la récupère pour Harit, mais Harit va pas la chercher. Vite. Mais non, il n'y va pas. Murillo, c'est pour nous. Allez, pour nous. Il faut la jouer vite. Bien joué. Pour Kondogbia. Qu'est-ce qu'on est lent. Qu'est-ce qu'il est lent, lui, surtout. Ndiaye. Veretout, change. Bien joué. Pour Harit. Pour Unai. Ndiaye. Harit. Harit. Toujours Harit. Ndiaye. Unai, on frappe pas, putain. Oh, allez, c'est un corner qui va être joué par Unai. Veretout, non, c'est Veretout qui va la jouer. Non, là, le jouez pas, deux, putain. Lève ton ballon, Jordan, putain, lève ton ballon. Allez, on a des joueurs de tête, on a des buteurs de tête entre Gigo, Balerdi.
Allez, il faut s'appliquer, il faut bien le lever. Veretout. Lève ton ballon, Jordan, je t'ai dit. C'est mal tiré. Harit, Ndiaye, Aubameyang qui va pouvoir la récupérer. Ouais, toujours Aubameyang. Qu'est-ce qui revient ? S'il revient sur une position de hors-jeu. Putain, les amis, je pense que ce soir, on va encore devoir dépendre de nous-mêmes. Hein. Allez, les Portugais. Ouais, parce que même là, sur la frappe, ils se tournent. Bon, là, elle est collée au corps. Hein, donc là, c'est difficile de la siffler. Ouais, elle était bien collée, mais par contre, celle d'avant, elle n'était pas collée. Hein. Aubameyang, allez, de l'autre côté. Allez, faut y aller, Ndia, il y va pas, il fait semblant de courir, la feignasse. Il fait pas son match, Ndia, je suis désolé, il fait pas son match. Murillo, ouais, bien joué. Unai, allez, faut lui mettre là-bas. Bien joué. Ouarit. Ah, mais il faut s'appliquer, putain. Ah, yes, il est le futur Payet. Hein, c'est moi le futur Payet de l'Olympique de Marseille. Hein. Putain, Payet, jamais fait ça. Hein. Déjà, Payet, il essaie de dribbler, déjà. Elle est facile à faire, putain, en plus. Allez, c'est reparti. 50e minute de jeu. On a déjà passé 5 minutes des jeux. Putain. Ça va aller trop vite, le chrono. Balerdi. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Oh, le temps qu'on perd. Mais le temps qu'on perd. Mais c'est un truc de ouf. Ah, il doit y avoir une explication pour la sortie du Mbemba. Il y a quelque chose, forcément. Sogo qui récupère. Aubameyang, ouais, bien joué. Pour Kondogbia, Unai, qui va se renfermer. Et voilà. C'est vrai qu'il n'y avait pas de ballon à donner. Bah ouais, bien sûr. Ah, c'est bon, il va la récupérer. Il va faire une photo passage. Non. Monsieur l'arbitre qui dirait. L'arbitre, il laisse le jeu et il revient. C'est un truc de ouf. Il siffle quoi ? Il siffle quoi ? De la merde. Ah, c'est les Portugais. Attention, ils sont dans notre moitié de terrain. Avec Di Maria sur son pied gauche, il va rentrer. Non, il revient. Allez, Soglo qui ne lâche pas. Bien joué. Il défend très bien Soglo là, Veretout. Par contre, il ne faut pas laisser Di Maria comme ça. Hein. Pas avec autant d'espace. Ah, les Portugais. Non, avec la frappe qu'il a, il ne faut pas s'entendre là, lui. Bah non, hein. Allez, c'est les Portugais qui essayent de relancer. Di Maria qui va perdre le ballon. Non, il le garde quand même. Toujours avec son pied gauche. Toujours avec son pied gauche. Allez, Balerdi, bien joué. Balerdi. Toujours Balerdi. Toujours Balerdi. Il va où ? Ouais, super. Allez, il envoie. Il envoie là-bas, c'est Harip. Ça va être trop fort. Ah, c'est dommage. Allez, il faut monter. Putain, il n'y a personne devant. On n'a pas envie de marquer. C'est un truc de ouf. Oh, putain. Attention ! C'est reparti de l'autre côté, les Portugais. Attention, il y a un jeu. Putain, je le voyais partir là, à grandes enjambées, mon ami. Il était hors jeu. Il est hors jeu. Kondogbia, par-dessus, pour qui ? Si, ils envoient Aubameyang au casse-pipe. Attention, c'est reparti. Les Portugais, là, qui ont un peu plus d'espace en ce deuxième mi-temps. Ouais. Rio, Unai. Oh là là là. Intercepté par les Portugais. Ça va aller vite. Ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite. Super, Murillo. Bien joué. Belle relance. Pour Veretout pour l'instant. Murillo, il est rentré dans son match. Belle rentrée. Allez, Veretout. Qui s'appuie sur Aubameyang. Putain, il y a toujours un truc, je te dis. C'est pas possible. On joue pas les coups. On joue pas. On joue pas. On ne met pas d'intensité. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Di Maria, c'est les Portugais, moi, qui me font peur parce que je trouve qu'ils sont bien rentrés dans cette deuxième mi-temps. Ils me font peur. Bien joué, Balerdi. C'est à nous. Et c'est un petit mec. Bien joué, Balerdi. Tacle parfait. Ah, il le retouche, en effet. Allez, Murillo. Match encore de Balerdi ce soir, je trouve. Unai, Harit, Murillo, Unai, allez, putain, emballez ce match, putain, emballez-le ce match, Unai, Harit, toujours Harit, Murillo, allez, derrière pour Paul Lopez, allez, Paul Lopez, qu'est-ce qu'il va nous faire ?
Allez, l'allonge. Pour personne. Pour personne. On n'y est plus. On n'y est pas. On n'y est pas. On n'y est pas. On n'est pas. On n'est pas. La deuxième mi-temps, elle est pire que la première. Elle est pire que la première. Oh là. Soglo, Balerdi, Kondogbia. Kondogbia toujours. Toujours Kondogbia. Unai qui lance. Aubameyang. Allez, bah, allez, ah, s'il aura déjà le contrôle lui aussi. Salut Hugo. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Ça va être compliqué, ça va être compliqué ce soir. Ça va être très compliqué. 55 minutes de jeu, toujours 0-0. Benfica qui pour l'instant est toujours qualifié. Et on voit pas, les Marseillais combatifs qui ont vraiment pas l'impression qu'ils sont là pour gagner le match. Ça, c'est pareil. Putain, elle sort. Non, elle sort pas. Murillo. Mais Murillo, elle n'est pas facile. Pour Balerdi. Allez, Balerdi. Il n'y a que Balerdi qui essaye un peu d'emmener les choses, là. Pour Veretout. Veretout. Pour Soglo. Achète-toi des crampons. Soglo pour Balerdi. Non. Très pas bonne idée ce qu'il allait faire. Gigot. Il s'est ravisé, heureusement. Murillo. Il n'y a pas de solution. Putain. Paul Lopez, on ne bouge pas, on est tous arrêtés. Balerdi, on ne propose rien. Unai, oh, la passe d'Unai. Tu sais pourquoi, tu sais pourquoi. Une bonne mi-temps, ça y est, derrière, c'est une merde. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le problème qu'il y a, c'est que les Portugais jouent bloc bas. Et ils nous cassent les couilles comme ça. Voilà, c'est tout. Voilà. Leur milieu de terrain est en train de nous faire mal encore. Allez, Soglo, faut la mettre. Un bon centre. Oh, putain. Il n'y a personne. Et là, il faut frapper, là. Kondogbia, Veretout. Aubameyang, Kondogbia. Oh, t'as pas foutu. Oh, putain. Oh, quand il faut, quand je le dis, putain, qu'il faut frapper. Ah, Kondogbia qui met à Veretout. Veretout qui remet à Aubameyang, qui remet en retrait. Kondogbia. Oh, il la prend trop sur le dessus. Et elle part. Cadre, il faut choper ce putain de cadre. Il veut la forcer. Alors récupère Balerdi, Kondogbia, Gigot. Allez, il y a moyen. Déjà revenir. Murillo, Harit. Ah putain, Harit, c'est plus possible, Harit. Hein. C'est plus possible. Quand est-ce qu'on va comprendre, putain, que ce mec, il a encore. Attention, c'est pas sorti! Benfica, oh là là, heureusement. Unai. Là, on revient de. Oh là, putain, là, il ne voit pas le mec devant lui. Il y a mis de putain de. Il y a mis de dans la gueule, là. Attention, Orchnesh. Oh putain. Putain, elle passe au-dessus. Et par contre, Unai lui a mis une patate dans la gueule. Je pense que là, il a moins de dents. Oh putain, j'ai cru que Orsnesh il allait marquer. Eh ouais, mais c'était pas loin, hein. Putain. Ouf. Ah, ça va rentrer, Luis Enrique. Luis Enrique. Place de Soglo. Va... Oh, et Mumbanya qui va rentrer. Alors là, je vais voir à la place. Mais pas Aubameyang, hein. Qui me sort pas Aubameyang, hein. Là, par contre, je vais péter un câble. Je te le dis direct. Et Mumbanya, la place. Il va sortir Harit. Unai. Il sort qui? Unai. Putain. Je sais pas si j'aurais sorti Unai. Hein. Il était dans son. Bon, il était un peu moins bien en deuxième, là, en début. Mais Harit, pour l'instant, Harit, c'est le plus mauvais. Hein. Après, si Luis Enrique prend le côté de. Oui, Harit va revenir dans l'âge. Voilà. Arsenal, là, je pense qu'il va souffrir, par contre, parce que là, c'est rapide. Hein. Peut-être donc un ça peu va, rapide ça, pour ça, lui. Ça peut mettre éventuellement Harit côté gauche. Dans l'axe. Et mettre éventuellement Ndiaye en 10, peut-être son meilleur poste. Allez, Kondogbia, allez, ça va aller vite maintenant. Allez, il faut s'appuyer avec Faris. Il peut nous faire du bien, Faris. Ouais, bien joué. Allez, direct pour Enrique. Enrique déjà va prendre. Ouais, allez, comme elle vient. Oui. Ouais. Allez. Oh putain, j'ai cru qu'il la reprenait. Verrez tout. Ah, allez contrer. Allez pour nous.
Ah, Kondo, il a loupé. Oh, c'est pas grave, on la récupère. Balerdi. Et la main. La main. La main. Voilà, il a vu, il a joué. L'arbitre. Et en plus, il va prendre une petite biscotte. Et allez, une biscotte au passage. Voilà, une petite biscotte de chez Chris Paul. Doudou, t'aimes ça les biscottes, toi, en plus. Hein. Voilà. Une petite biscotte de chez Chris Paul. Hop là, Mister Di Maria. Bon, lui, il craint rien avec les dents en avant, là, il craint rien. Non, c'est sous les oreilles décollées. Ah oui, c'est les oreilles en avant, c'était Ronaldinho. Verretout. Allez, Verretout. Ah, un changement côté portugais. Deux changements du portugais. Ah, c'est dommage, là, putain, le contrôle, la frappe. Ah, elle était bien cadrée. Oh, je crois qu'elle revenait sur Enrique, la frappe. Voilà. Mais surtout, en plus, tu le vois. Trubin, il n'est pas serein avec ses mains ce soir. C'est là où il faut jouer. Il bloque aucun ballon. Hein. Il se contente juste de les repousser. Hein. Et Joe Allez, Mario qui rentre à la place de Neres. Et je crois qu'il y a Kouchkou qui va rentrer. Kouchkou à la place de Tenchtet. Kouchkou. Ah bah Tanguy, ça. Tanguy est sorti. Ah, c'est con pour toi, ça. Oh bah là, ça annonce qu'il cherche le résultat nul. Hein. Il ne vient pas chercher le résultat. Kouchkou avec Tenchtet. Oh, c'est pas mal ça. Allez. Oh, c'est pas mal. Oh putain, tu peux pas la louper, t'as pas le droit. Il est tout seul, t'as pas le droit. T'as juste à la pousser, putain. Ah, la tête de Balerdi, putain. Allez, c'est pas grave, les Portugais qui repartent. C'est bon, c'est récupéré. Allez, on a retrouvé le bon sens du jeu, j'ai l'impression. Ça va un petit peu mieux. Là, on a eu un petit démarrage difficile en début de première mi-temps. Et là, on est revenu. Meilleures intentions. Pour Lopez, bah, qui ne voit pas les joueurs qui sont libres en bas. Mais bon, lui, de toute façon, Pikachu, il ne voit jamais rien. Allez, il faut y aller. Accélération. Deuxième accès. Allez, touché. Allez, bien joué. Non. Allez pas au bon endroit. Mais oui, faites pas n'importe quoi, les mecs. Tu vois, on confond vitesse et précipitation. On fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi, le mec il fait la touche 20 mètres plus loin. C'est obligé que ça revienne. Kondogbia, Luis, Enrique pour Lopez. Allez, joue tout de suite. Voilà, pour Gigo. Gigo, qu'est-ce qu'il va nous faire? Là-bas pour Murillo. Attention, Murillo. Pour Gigo. Ouais, mais il faut venir l'aider, Gigo. Pour Lopez. Ouais, il va mettre 3 heures, putain. Pour Lopez, qu'allonge là-bas pour Faris. Allez, Faris. Voilà, contrôle. Allez, contrôle, il n'est pas bon, contrôle. Ouais, allez, ouais, pour Harry. Allez, Harry, pour Verretou. Il va où? Il n'y a personne. Mais oui, mais il n'y a personne à gauche. Balerdi. Murillo, il faut bouger là-bas. Ah, l'enculé. Pour Paul Lopez, on a reculé côté marseillais. Balerdi. Ouais, pour Enrique. Allez, faut s'appliquer. Bien joué. Là-bas, sur la droite, Murillo. Allez, pour Harit, bien joué. Allez, sur le côté pour Gigo, qui se retrouve latéral droit. Là-bas pour… Ah oui, il n'y a personne. C'était un centre de Ndiaye. Il est toujours là, lui. J'ai cru qu'il était sorti, il aurait bien aimé. Allez, c'est parti avec Murillo. Balerdi. Kondogbia. Je retrouve mon doudou. Balerdi. Oh, joli. Balerdi a pris des risques. Kondogbia. Voilà, Kondogbia. C'est bon, on revient à la faute. Mais la balle que tu lui mets, elle n'est pas évidente, hein, quand même. Non, mais excuse-moi, mais Tchélan, tu as 3 charrettes dans le cul, Kondogbia. Allez. Harit. Métronome du milieu de terrain, putain. Balerdi. Enrique. Allez, il faut provoquer. Ouais, bien joué. Ouais. Pour Harit. Harit, toujours Harit. Oui, pour Verretou. Oui, oh. Beau centre au premier poteau, mais c'est dévié par Antonio Silva. Allez, c'est Verretout qui va tirer le corner. Allez on lève le ballon, c'est trop hostile, Jordan. Mieux que les deux autres. Les deux autres, ils étaient à chier. Oui. Ouf, bien sorti, le gardien. Il n'y a rien. Putain, on ne peut pas les toucher, c'est un truc de ouf. Allez, c'était Faris qui était monté là sur Trubin. Trubin, pardon.
Allez, c'est reparti. Faute sur le gardien. Ça rejoue directement. Les Portugais vont essayer de se sortir de là. Faut y aller, Veretout. Faut y aller. Voilà, faut les empêcher de sortir proprement. Bien joué. Enrique. Aubameyang, mal joué. Oui, la passe, putain, Louise, doucement. Allez, Ndiaye, faut aller. Du coup, c'est Ndiaye qui est parti de l'autre sur le côté là-bas. Oh là là, ouais, des deux côtés, là, c'est. Techniquement, c'est faible, hein, des deux côtés, là. Je viens jouer Veretout. Ouais. Bon, 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 ce qu'il nous a fait à Veretout, il ne faut pas juste perdre à la con derrière. Kondogbia. Kondogbia. Non, il n'a pas suivi. Veretout change de côté. Balerdi, voilà, bien joué. Pour Gigot. Gigot, qu'est-ce qu'il va faire? Harit. Ah ouais, mais Harit, il est long. Il est long aussi. Ah, Murillo, il se fait prendre le ballon. Allez, on va dégager. Joao, il dégage. Ouais, Balerdi. Ouh là là. Oh, attention, comme il vient. Ndiaye. Ouh là là, putain, il n'a pas pu la prendre. Orchnech. Corner. Allez, c'est corner. C'est reparti. Allez, on pousse. Allez, il reste 25 minutes de jeu sans le temps complémentaire. Sans le temps additionnel. 25 minutes, c'est possible encore au moins de revenir au score sur les deux rencontres. Allez, il nous faut un petit but pour continuer à espérer. Allez, Harit. Oui, non, sur Trubin. Oh, il lâche le ballon. Il n'y a rien du tout, ça joue. Veretout, ouais. Oh, je l'ai vu dedans, mon Dieu. Mais non. On n'a pas de cul en plus. Ah, il attire bien Veretout. Hop, c'est un joueur de Porto qui la dévie. Très c'est mauvais. Trubin qui lâche le ballon. Par contre, sur ce Balerdi, ça. Sur Balerdi, quoi Regarde sur Balerdi. Regarde Trubin sur Balerdi. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, il joue pas le ballon. Hein. Il joue pas le ballon, c'est pas faux. Ça sera pas checké. Apparemment, c'est pas checké. C'est pas checké, ça joue. Allez, Veretout, on pousse, on fait ce qu'on veut là. Allez. Tu vas me chercher. Ça passe encore à côté, c'est encore un corner. La frappe d'Aubameyang. Non, il ne siffle pas corner. Oh, Aubameyang, belle frappe. Là. Ah non, c'est pas corner, putain. Si, c'est touché. Hein. Non, c'est pas touché. Ah, là, regarde. Non, c'est pas touché. Hein, ça passe juste à côté des petites fesses à Antonio. Pas possible. Allez, il faut continuer. C'est pas grave, il faut insister. Balerdi, Enrique. Allez, ça va rentrer. Il y a encore du temps. Il y a encore du temps, ouais, j'allais le dire. Lopez. Allez, Faris. Pour Faris. Ah, Faris. On va la récupérer. Balerdi, super. Allez. Retourne en jeu. Gigot. Balerdi. Harit. Enrique, on t'a fait rentrer pour essayer de déborder là-bas, hein, avec ta vitesse. Enrique, toujours Enrique. Bien joué. Murillo. Ah, mais là. Ah, bien joué. Enrique encore. Ouais, allez, comme elle vient. Il y a quoi là? Il y a pas mal, hein? Ah, là, attends, ça va être checké. C'est bizarre que Faris le réclame quand même. Il y a main là. Penalty. Oh non, la balle va au but. Penalty. Non. Eh oui. Eh non. C'est un fils de pute. Attends, mais c'est pas possible. Allez, Veretout, c'est pas bien tiré encore une fois de plus. Ndiaye, Murillo. Ça passe par-dessus. Il n'y a personne. Allez, il faut essayer de la récupérer. Gigot. Ouais. Ouais, Murillo, dommage. Comme elle vient, mets-le sur le côté, voilà. Veretout. Allez. Oh, arrêt sur la ligne de Trubin. Oh. Il arrête sur la ligne, mon Dieu. Putain, on la tape pas assez fort, cette balle. C'était bien écarté, là, par Harit. Veretout en retrait. Oh, Kondogbia. Pour une fois que Trubin, il la relâche pas. Ah, putain. Allez, ça se rapproche encore. Allez, on y croit, allez. Balerdi, parce qu'il fait peur, c'est juste sur un coup.
Kondogbia. Ouais, sur Gigo, un contre, ils peuvent le faire sur un contre. Hein, des cons, Paul Lopez. Ouais, bien joué pour Kondogbia. Hein, si Paul Lopez commence à bien dégager, Arion. Harit. Murillo. Si Paul Lopez commence à bien dégager, on va gagner l'Europa League. Murillo. Allez, allez. Allez, il faut patienter. Allez, il faut construire. Allez. Allez, Louis. Il provoque pas. Il provoque pas. Putain. Kondogbia, allez, bien joué, ça. Allez, faut provoquer maintenant. Louis, toujours Louis. Enrique. Derrière, oui. Kondogbia. Ah. Oh, l'enculé. Ah. Voilà, c'est ça le problème de Kondogbia. C'est ce que j'arrête pas de répéter. Attention, faut terminer. Ah, tranquille, pour Murillo. Faris. Oh là là. Ça joue. Ah, ouais, ici pour les autres. Ok, d'accord. Là, il siffle. Ouais, il y a quand même ce soir, sur les deux mains, il y en a quand même une qui est litigeuse, quand même. Hein. Là, quand même une, il y a quand même une qui aurait pu. Oui, parce que le ballon, il prend le sens du but, hein, il va au but. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que le fait que Alexander Bas se tourne, tu sais, il doit jouer avec son corps, justement, poté quand même quelque part. Que, voilà, il a du mal. Hein. Orsnesh, il a du mal. Mais Orsnesh n'est pas un latéral de base. C'est un milieu défensif. Murillo pour Kondogbia. Allez, Kondogbia pour Balerdi. Allez. Là, tout de suite pour Veretout. Ah, il a attendu trop. Enrique, voilà. Obligé, ben oui, c'est obligé. Pour Lopez. Ouais, toujours pour Lopez. Balerdi. Enrique, toujours Enrique. Attention, la perd pas là! Réveille-toi, garçon! Oh! Putain! On rentre pour qu'il apporte quelque chose, il apporte rien, putain! Et après, ces mecs-là, ils viennent se plaindre parce qu'ils n'ont pas tant de jeu. Oh là là, attention! Oh là 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 là! Faut pas le toucher! Enrique, c'est pour qui ça? C'est pour qui ça? Il a le temps! C'est pour qui? Il a le temps! Il reste 20 minutes de jeu, putain. Pas y arriver, on va pas y arriver, c'est un truc de ouf. Ah, un problème là sur M6, non, c'est bon. C'est reparti. Allez. Faut la prendre, Murillo. Il y a faute. Allez. Hop, faut la jouer vite. Pas trop vite non plus, pas faire n'importe quoi. Allez, Marseille, qui vont pouvoir repartir. Allez, Balerdi. Pour Enrique. Enrique, sérieux, il commence à me péter les couilles. Allez, toujours les joueurs portugais là qui sont devant notre surface. Gigo, oh, qui dégage. Allez, Faris. Allez, impose-toi un peu, Faris, là. Ouais, oh putain, il a fait glisser. On la récupère, Faris. Ndiaye. Arrête, mais la passe, elle est merdique, la passe. C'est mort, lui, là. Oh, l'année prochaine, mais pas réfléchir sans cette année l'année prochaine. On ne les joue pas, techniquement, on ne les joue pas, putain. Un coup à jouer, la passe, là, elle est simple à faire, on n'est pas capable de la faire. Réfléchir sans cette année. Premier recrutement l'année prochaine, il faut recruter un joueur créatif. Hein. Faut arrêter maintenant les conneries là. T'as super NDI, Superman NDI. Non, mais faut arrêter avec lui. Bon. Putain, attention, ils vont en avoir qu'une. Attention au pied gauche. Allez, pas de faute. Laisse-le jouer. Ah là, putain, ils me font peur. Attaquez-moi les putains, attaque! Oh là là. On va s'en prendre un! Merci Pikachu! Putain, pas possible. Il faut vraiment qu'on s'en prenne un pour réagir. C'est ça le pire. On est une équipe qui joue en réaction. Comme si on ne savait pas qu'il n'y a jamais d'enjeu sur une touche. Mais non. Allez, Enrique, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il n'a pas de pied gauche, donc ça va en touche. Aïe, c'était sûr. Même pas. Ah ben, yo. Si, elle était sortie. Un changement.
Allez, Correa. Et Correa à la place de qui? Bonne question. Heureusement que Pikachu les réactive vite fait. Hein, parce que deux tirs d'affilée, là, il s'est relevé très vite, heureusement pour nous. Parce que Di Maria, il la met au fond. Hein. Elle était cadrée. Eh bah ben oui, il était dedans. Hein. Allez, Correa est sorti à la place de qui? On n'a même pas vu parce qu'on nous montrait le ralenti. Ndiaye. Attention. Bien joué, Murillo. Voilà. Allez, pour Faris. Contre. Allez, va, je l'accélère. Allez, accélère. Pour Correa, mais Faris, alors je t'explique. Correa, c'est pas la peine de lui mettre de jouer à la vitesse avec Correa, il n'en a pas. D'accord? Donc, tu devrais le savoir, tu le verras, tu dois le voir à l'entraînement normalement. Allez, Murillo. Pour Gigot. Valerdi. Mec, il a un boulet au cul. Alors, Gigot. On est arrêté. On reconstruit rien. Là. Balerdi. Qu'est-ce qu'il y a? Deux ballons sur le terrain. Putain, ça fait deux fois qu'il y a deux ballons. On va le perdre à la con. Là. Putain. Balerdi. Et Kondo Ibia, il regarde même pas le ballon. Il est même pas dans. Eh, ils font exprès les remplaçants de balles ou quoi? Ils font exprès là. Kondogbia. Pour qui? Pour qui? Pour qui? Pour qui? Putain. C'est Harit qui fait la touche, un coup de malade. C'est Harit qui fait la touche. Non mais on croit rêver. Bientôt c'est Aubameyang qui va venir faire la touche ou Faris. Faut arrêter là. Aubameyang, bien joué. Ouais, bien joué. Kondogbia. Gigot. Pour Murillo, allez, un surnom, là, allez. Ouais, bien joué. Bien joué. Ouf. Putain, dommage, c'était pour Aubameyang, mais Trubin, il avait bien senti le coup, bien sorti. Ah, il valait mieux qu'il sorte. Hein. Bah, de toute façon, il était trop court, là, Aubameyang. Un poil trop court. Un peu trop profond. C'était pas pour lui. Allez, c'est Di Maria qui repart. Attention, pas de faute, Correa, pas de faute. Pas de faute. Ça ne sert à rien. Valerdi. Kondogbia, bien joué, Faris, bien joué, allez, on la récupère, Correa, il y a faute pour nous, allez, il reste 15 minutes, allez, 15 minutes là, il faut tout donner pour revenir, Veretout, toujours Veretout, pousse-toi à l'arbitre là, pour Harit, ouais, pour Enrique, putain, ils ne savent pas lever un ballon, c'est un truc de ouf. On va la récupérer. Balerdi, Harit. Veretout. Il faut frapper. Kondogbia. Ça Faris. C'est pour qui? C'est n'importe quoi. Arrêtez de mettre les têtes aux 16 mètres. Putain, vous êtes cons. C'est pas possible. Quoi. Qu'est-ce que c'est, ça? Mais c'est quoi, ça? Il a juste à faire une toute petite tête pour Gigot. T'as juste à faire un truc plus simple. Une reprise de volée. On ne sait pas aller faire les reprises de volée. C'est comment une reprise de volée? Ah, putain. Ouais, bah Longoria, t'as chaud au cul, mon ami. Eh ouais, tu peux souffler. Hein. Eh ouais. Enrique. Avec Paul Lopez. Ouais, ça va être que des grands ballons comme ça balancés maintenant. C'est sûr. Parce qu'il faut faire vite maintenant. Eh oui, le temps presse, les amis. Enrique qui va prendre son temps. Qui lui, bah dégage. Pour qui, je ne sais pas. Allez, on laisse le ballon pour Balerdi. Tranquille. Allez, Balerdi. Veretout. Ouais, bien joué. Pour Aubameyang. Allez, il y a du monde dans la surface, j'espère. Aubameyang, merci de rentrer. Oui. Oh oui. Oui. Goal. Oh putain! Oh! Ça y est, c'est dedans! Oh, c'est le meilleur moment, je pense. Oh, je pense que c'est le meilleur moment. Oh, à 10 minutes de la fin. Oh, que c'est bon. À 12 minutes de la fin du match, l'Olympique de Marseille qui ouvre le score à 0, on revient à égalité avec les joueurs de Benfica.
2-2 sur l'ensemble des deux matchs. Et encore, Trubin, il a failli l'arrêter. Trubin. Hein. Oh, Trubin. Oh, ça passe entre les jambes de Trubin. Ah, bah, c'est Trubin qui se le met en plus. Il se le met du talon. Parfait. Oh là là. Bon, il en prend un peu dans les couilles à la base. Mais il doit avoir une coque. Hein. Ah, elle fait belle, là. Elle est belle, là, une image. Là. La rage de vaincre. On y allait, gros but. Allez. Maintenant, il faut aller la chercher. Il ne faut pas les prolongations. Maintenant. Allez. Je ne veux pas être honnête, hein, je vous le dis, je ne veux pas être honnête, les mecs. Hein. Moi, je vais péter un câble. Hein. Allez, 80 minutes de jeu. Basile Boli qui sert les points. Allez, allez, oui, Basile. Allez, Basilou. Eh oui. Allez, on est revenu à 2-2. C'est plus la même chose maintenant. Eh ouais, les Portugais le savent. Ils sont venus pour chercher allez. Le 0-0. Et les supporters sont en train de se lever, sont en train de sauter, mon doudou. Tu sautes pas. C'est eux qui vont dormir. Hey, c'est eux qui vont mettre pas le pas à Marseillais. Hey. Attention, allez, Enrique. Ah, il y avait une faute un peu sur Enrique là. Attention, attention, ça va plonger. Attention, ils vont frapper. Il faut sortir dessus. Ouf. Oh non. Oh putain, je l'ai vu. Mon cœur, il s'est arrêté. Oh, il vient de faire du bouche à bouche. Mon cœur, il s'est arrêté. Oh putain. Faites un coup. Tu l'as mis où ton défibrillateur? Je l'ai vu dedans, putain. Allez, les mecs, faites pas des frayeurs comme ça. Vous arrêtez pas de jouer. Vous avez fait le plus dur. Vous arrêtez pas de jouer, les mecs. Le premier aux armes qui est lancé. Allez, Faris. Les joueurs. Allez, Faris, lâche pas mon bonhomme. Allez, il ne faut pas faire de faute là. Par contre, attention, j'ai peur qu'on s'arrête un peu de jouer. Allez, Faris, il faut presser. Il faut presser. Ils sont tout en jeu. Qu'est-ce qu'il siffle, lui? Eh, arrête de siffler. C'est normal qu'il siffle à fond. Eh, siffle pas, c'est bon. Allez, aux armes. Ah, c'est pas de la danse, merde. Nous sommes les Marseillais. Et nous allons récupérer. Mais non, mais qu'est-ce qu'il siffle? Pourquoi il siffle? Il va te faire enculer, putain d'arbitre de merde, là. Allez, l'OM. Allez, l'OM. Allez, l'OM. Corner pour les joueurs de Benfica. Balardi rentre pas dans le jeu, la provocation. 1-0 pour l'Olympique de Marseille, 81e minute, 82e minute de jeu. Les équipes sont à égalité sur le cumul des deux matchs. 2-2 des deux côtés. Et ils savent comment faire avec Balardi, ils savent qu'il faut le faire dégoupiller très rapidement. Très bien. Jetez pas les projectiles, les supporters. Soyez pas cons, les mecs. Soyez pas cons, qu'on n'ait pas de sanctions. Ils attendent que ça. Eh ouais, voilà, eh voilà. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, putain. Ils sont cons des fois, mais ils sont cons. Voilà, laisse tomber. On va encore jouer, on va encore être pénalisé pour le match le prochain tour si on passe. On va encore être pénalisé à cause de 2-3 abrutis, putain. Le sait, hein, le pire. Putain, mais c'est quoi ce putain de monde où il y a des cons comme ça? Putain, c'est quoi ce putain de monde? Putain. Il n'y a pas ces 2-3 abrutis. Il ne peut pas y avoir des supporters qui leur sautent sur la gueule et qui leur brûlent le mou, là. Non. Putain. Pas normal, ça, de voir des stewards avec des boucliers. Mais on se croit en temps de guerre. C'est inadmissible. Allez, dis Maria, on se sort de là. Veretout. Allez, ça ne sort pas. C'est sorti. Dommage pour Harit. Allez, touche pour les Portugais. Allez, Portugais, qui vont la jouer assez rapidement. Non, ils prennent leur temps. Allez, ils vont jouer tranquillement. Je pense qu'ils vont aller chercher la prolongue. C'est ce qu'ils attendent. C'est déjà à la base. Ils étaient venus chercher le 0-0 à la base. Hein, donc, ça modifie un peu leur plan. Allez, pas de faute, pas de faute. Et couche. Ah, c'est un corner. Putain, on n'arrive pas à sortir de ce coin-là. Et ça va encore être des jets. Ça va encore être des jets d'objets. Putain. Doudou, je t'apprends. Coq-chou. Ouais, Cuchu. Allez, Cuchu qui va. Non, c'est Di Maria qui va tirer. Bah, mais on est au premier poteau. Pour intervenir avec la tête. Attention, pas de faute, les mecs. Di Maria. Oui, bien joué. Ouais, parfait. Faris, qu'est-ce qu'il y a? Faute sur Paulo Lopez. Ok, allez, on se relève. Polo. Allez, Pikachu. Voilà. Il reste que 6 minutes. Quand il sort, voilà, ça peut provoquer des fois des joueurs adverses. Mais ça, il faut qu'il fasse plus souvent. Il met un coup de poing dans le bidon. Allez, il faut jouer là.
Allez, c'est reparti. Murillo. Il reste 6 minutes pour faire la différence avant les prolongations. Murillo. Ah, mais là, il n'a pas le choix. Il est obligé de reculer. J'aime pas trop cette passe. Pour Gigot. Pour Paul Lopez. Parce que là, ils vont presser, là. Et forcément, ils vont presser. Allez, Paul Lopez. Ah, c'est trop fort. Ah, c'est pour Veretout. Veretout qui la met à Correa. On met lui. Voilà, pour Veretout. Hein, dommage. Ah, il a pas fait ce qu'il voulait. On met vers l'avant, toi. Enrique. Allez, va provoquer un peu. Putain, il a la vitesse en plus pour passer. Bien joué. Correa. Elle frappe. Correa. C'est Correa qui frappe. Correa. Hein. Ben, c'est Correa hein, en même temps. Ah oui, c'est pour ça. Faut pas s'attendre à des miracles, hein, les mecs. Hein. Bon, la talonnade était magnifique. Elle était belle. Là, en plus, il y avait Harit qui lui demandait le ballon. Putain. Allez, c'est Trubin qui va pouvoir dégager. Il se touche les cacahuètes depuis tout à l'heure. Je crois que le ballon, quand il l'a pris, ça lui a fait tout drôle tout à l'heure. Bah forcément, tu penses. On a un ballon dans les couilles. Okay, la gauche et la droite qui vont être toutes bleues ce soir. Il va mettre les deux dans un bloc à glace. Veretout, non. Balerdi. Allez, c'est en touche pour les Portugais. Allez, 5 minutes. Par contre, pas prendre de but maintenant. Putain, ce serait vraiment trop con. 5 minutes dans le temps réglementaire. Allez, faut au pire, garder ce score jusqu'à la fin. Au mieux, elle est en claquant. Sors pour Lopez, putain. Balerdi lui dit de sortir. C'est la folie, hein, ce gardien. Ça change pas, ça. Allez, c'est les Portugais qui ont le ballon. Les Benfica qui a le ballon. C'est B-A-H. Le numéro 6, ça. Attention. Pas de merde là, pas de merde dans les dernières années. Bon, il a fait sa touche ou il a fait pas? Oh, là, là, là. Tout le monde est passé à travers. Petite tête portugaise, heureusement que Paul Lopez, il était sur la trajectoire. Il n'y a pas cru, dit Maria. Heureusement. Allez, petite faute sur Kondogbia. Heureusement, parce que s'il y croit, là, on est mal. Hein. Putain, on a eu chaud. Kondogbia, allez. Et il n'y a personne devant. Correa. Enrique. Ouais, bien joué. Qui repart vers l'avant. Ça, c'est bien joué. Pour Kondogbia. Enrique. Voilà. Allez, on combine. Ouais, Enrique. Pour Aubameyang. Il y a Faris au deuxième poteau. Aubameyang. Toujours Aubameyang. Petit ballon dessus. Ah, j'ai personne. Pas de faute, Veretout. Ouais, Veretout, superbe. Attention, ça va aller très, très vite. Enrique, faut accélérer. Bien joué. Bon, bien joué. Allez, Enrique qui joue la touche pour Lopez. Allez, Paul Lopez qui dégage. Pour personne. S'il prend un rouge. Ciao. Attention. Attention à Di Maria. Attention à Di Maria. C'est bon, Murillo. On peut se dégager. Allez. Ouais, allez, ouais, le contre. Allez, Faris. Bon, Aubameyang. Ah, putain, il s'est loupé. Ah, putain, il s'est loupé. Harit. Pour dire tout. Décale Aubameyang. Ah, Aubameyang, j'ai l'impression qu'il est cuit. Ah, il a du mal. Putain, allez, il faut à tout prix le mettre ce deuxième but. Il ne faut pas aller au prolong. Allez, Veretout. Ouais, du gauche. Voilà, tout le monde passe à travers. Faris. Sincèrement, je ne vais rien dire parce qu'il met quand même le but. Mais il est brouillon quand même. Il est brouillon. Hein. Dans tous ses contrôles et tout, c'est un ours. Hein. Sincèrement. Ah bah oui, forcément. C'est un brouillon quand même. Il joue dos au but, mais il a beaucoup d'imperfections à ce niveau-là. Carton pour Harit. J'espère que ça ne va pas pénaliser en cas de qualif. Les Marseillais sont cuits. Hein. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est dur. Hein. C'est très dur. J'espère qu'on ne va pas le payer. Parce que les Portugais n'ont pas fait tant d'efforts que ça, en fin de compte. Hein. Ils sont contentés de défendre. Même si défendre, c'est difficile. Allez, il faut la récupérer. Allez, c'est pour les Portugais. Pas de faute. Oh, Gigot. Pourquoi il fait ça, Gigot? Eh ben voilà, Gigot suspendu. Eh ouais. Eh ben voilà. Mais tu es con. Pourquoi il fait ça? Ça sert à quoi de faire ça? Tu es con, Samuel. Mais que tu es con, c'est pas possible. Putain, pourquoi il fait ça? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Putain, il n'a rien dans la tronche, sérieux. Putain, en plus, il n'y a rien là-bas. Maintenant, on va penser que tous les Avignonnais n'ont rien dans la tronche, quoi. Bah non, mais sérieux, là, pourquoi il fait ça?
Le mec, il est par terre. Il a la touche à jouer. Pourquoi il va le percuter comme ça? Mais putain. Mais ils réfléchissent pas, les mecs. Ils ont rien dans le ciboulot. C'est pas possible, sérieux. Gigot suspendu. Voilà, ça sera allez, on a déjà pas assez de joueurs comme ça. C'est vrai qu'on a un effectif tellement platonique, tellement énorme à l'Olympique de Marseille. Bon, il y a des joueurs qui vont revenir, mais bon. Faut pas se jeter. Attention, il va frapper peut-être lui. Putain, non, j'aime pas ça. Derrière, Joao Neves. Pas de faute. Il a failli faire encore une faute, putain. Arrête là. Attention. Bien joué, mérité cette fois-ci. Il faut pas qu'elle sorte. Il avait armé. Hein. Bien joué, Veretout. Oh, ah, il a donné mal. Non, c'est non. Reste couté ou pas. Reste couté, tu vas la récupérer. Allez, bas. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, il change de l'autre côté. Attention, les Portugais poussent là en cette fin de match. Ils poussent fort. Ils poussent très fort. Ah, il n'y a pas de faute là. Balerdi, pas de faute là. Il n'y a personne qui lui parle. Enrique. Veretout. Enrique. Dans tes 16 mètres, par contre, ça, j'aime pas trop ça, moi. Allez, attaque, Faris. Faris, il va l'avoir. Non, il ne va pas l'avoir. Trop court. Allez, il la récupère. Il reste. On est dans les arrêts de jeu. Il reste 3 minutes 20 dans les arrêts de jeu. Murillo. Et si on le marquait maintenant, ce ne serait pas une bonne idée, ça? Ben, ça serait allez, la Murillo. Merveilleuse idée. Ça serait pour affronter l'Atalanta Bergame en demi-finale. Ils ont gagné ou ils ont perdu, mais ils sont qualifiés quand même? Ils ont perdu, mais ils sont qualifiés, là. Ok, ça peut faire un Marseille-Atalanta si on passe. Allez, voilà. Faut la prendre, Gigot. Voilà, allez, Gigot. De toute façon, Gigot, tu peux y aller à fond. De toute façon, tu es suspendu pour le prochain match. Oh oui, bien joué. Verretou. Ah putain, ça passe pas. Arrête, change. Oh, ah, il y a faute. Voilà, il y a faute. Ouais, là, il est intéressant. Ah là, il faut bien le jouer. Il reste 3 minutes. Ah, celui-là, c'est la balle de match. The ball of the match. The ball of the match. Attention. Allez, il faut s'appliquer. C'est qui la baguette? Ça va être Verretou. Il faut pas le frapper direct. Hein. Ah, c'est Aubameyang qui va la tenter direct. Ah, c'est mort, ça. Allez, j'allais dire Turpin, non. Rubin. Turpin, on se tape la semaine prochaine. Putain. Dimanche. Merci, hein. Merci la Fédé. Hein. Merci, la Ligue de football. Merci. Merci, monsieur Labrune. Merci, monsieur Labrune. Vous vous rappelez que vous avez quand même été président de l'Olympique de Marseille une fois dans votre vie, non? Ça ne vous dérange pas de nous enfler sur chaque match, hein, ça ne vous dérange mais pas. Il fait tous les déplacements avec Nasser maintenant. Il fait tous les déplacements avec Nasser. Ouais, oui. Qui c'est qui finance la Ligue 1 d'après toi? Eh oui. Aubameyang s'est écarté. Ouais, il a laissé le ballon. Il y a Veretout. Allez, il faut suivre. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée de suivre, là, par exemple, parce qu'il relâche tout en plus. Et si c'était la bonne idée de Jordan Veretout? Et si c'était la bonne idée de Jordan Veretout? Allez, il faut savoir. Lui qui est tellement décrié. Il faut suivre. C'est pour qui? Personne. C'est comme si j'avais rien dit. Mal joué. Allez, reste 1 minute 30. 1 minute 30 dans les arrêts de jeu. On va partir pour des prolongues. Hein. Ouais. Ça faisait longtemps. Ça, je ne les sens pas parce que j'ai trouvé que Benfica est beaucoup plus en jambes en cette fin de match. Ouais. On tire un peu la langue. Aïe. Il reste 1 minute. Allez. En 1 minute, il peut s'en passer plein des choses. Veretout qui a voulu prendre le ballon, il ne l'a pas eu. En plus, il y a des joueurs qu'on ne voit plus du tout, comme Kondogbia qui a disparu de la circulation là, depuis quelques minutes. Allez, tranquille. Il faut la poser. Ouais, tranquille, Kondogbia. Veretout, allez, il faut la jouer. Ouais. Allez, on va tout doucement vers ces prolongations. Il reste 40 secondes. 40 secondes dans le temps additionnel. Allez, Portugais qui lance. Hein. Ils veulent, eux, peut-être en finir aussi, mais pas en prolongation. Allez, Paulo Lopez, dégage-moi ça, loin devant. Allez, Kondogbia. Allez, c'est la dernière action. Il faut la jouer. Allez, Kondogbia. Pour qui? Pour Aubameyang, Faris. Mets-toi dans le centre du jeu, Faris. Mets-toi dans le centre du jeu, mon garçon. Face au but, bordel. Face au but. Voilà, bien récupéré. Oh, putain. Bah, voilà, attention. Hein, relance, Murillo. Allez, c'est la dernière. Harit. Faut la jouer. Ça joue. Ah, elle a sifflé. Putain, il ne peut pas laisser finir l'action.
Non. Oh putain, mais, tu me laisses le putain. Mais laisse-le. Et Fatih de Cornwall. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Alors, on pourrait dire, ouais, on a gagné le match. Bah ouais, mais on n'est pas encore qualifié. Bon, là, l'officialisation l'élimination de Liverpool. Ok, bah écoute, hein. Bah, l'équipe qui va gagner, qui va se qualifier ce soir, aura l'Atalanta au prochain tour. Est-ce qu'on sait déjà l'ordre? C'est-à-dire qui reçoit en premier? Ça, je ne sais pas. Je peux te le dire, mais je ne sais pas. Je vais chercher. Je vais chercher ça. Alors. Ah, on a fait le plus dur. On passe pas, on a fait le plus dur. On est revenu. Maintenant, ça va être long, une demi-heure. Très, très long. Et j'aimerais bien qu'on n'aille pas au pénalty. J'aimerais bien qu'on n'aille pas au pénalty. L'Atalanta reçoit retour. Monsieur Mout nous a dit merci Mout. Donc match aller à Marseille. Merci. Ouais, mais match aller à Marseille. Donc là, il faudra vraiment mettre le. Et là, il faut déjà d'abord d'une se qualifier. Et puis après, ben. Oui, déjà. Parce que pour l'instant, on n'y est toujours pas. On est revenu à la hauteur de Benfica, mais on n'est pas caca. On n'est pas caca. On n'est pas qualifié. Merci. Merci Thierry. Il suit, mais il a du mal. Hein. Un peu fatigué. Allez, aussi. Petite pause. Normalement, il n'y a pas un quart d'heure. Hein. C'est juste, on boit un petit coup et on change de côté. Allez, on est reparti pour encore une demi-heure de football, en espérant que ça va tourner du côté olympien. Ben, ça a encore été une histoire un peu de main aussi, ce match. Hein. Ça a toujours été une histoire de main entre Benfica et l'OM, mais là, on va dire que sur les deux, il y en a quand même une qui est litigieuse. Hein. Il y en a une qui est litigieuse, quand même. Mais bon. Pour que ça soit checké comme ça, c'est quand même litigieux. Ah, ça frotte les mollets, les cuisses. Je pense quand même que côté Marseillais, on est un peu plus fatigué. Alors, tout à l'heure, oui, disait, ouais, mais nous, ce qui est bien, c'est que nous, on n'a pas joué ce week-end. Mais je ne sais pas si c'est forcément bon, justement. Parce que ça coupe un peu la compète. Hein. Et le corps, bah, il faut qu'il. Tandis que Benfica a joué ce week-end, donc. Bah, ils sont toujours dans la compète, le corps il est toujours dans la compète, donc on est peut-être en train de le payer, peut-être. Bon, bah, il va falloir y aller, hein, il va falloir les poser une fois de plus sur les. Mbemba est là, hein, c'est ça que je ne comprends pas. Il n'a pas l'air blessé. Je pense que c'est par rapport à son carton jaune. Ouais, je pense que c'est le carton. Il n'a pas voulu prendre de risque. Bon, Murillo fait le boulot. Hein. En même temps, devant, on ne peut pas dire non plus que Benfica, c'est des foudres de guerre. Benassia est descendu, par contre. Il est descendu. Il descend, lui, par contre. Ouais, parti voir Gassé. Il a été lui dire quelque chose. Gassé a fait un peu un signe comme ça, style, ouais, t'as raison, laisse-moi faire. Il a dû lui dire, ouais, je te fais un contrat. Merci, Cédina. Je rêve où c'est le jeune Max U19, très bon défenseur droit. Max? Hein? C'est Marcel qui me dit ça. Je sais pas. Max Murillo, c'est ça qu'il veut dire? Bah non, c'est Mickaël Murillo. Mais, ah oui, c'est pas un U19. Mais c'est pas un U19, Murillo. Bah non, on l'a pris cet hiver. Allez, c'est reparti. Le petit host qui engage. Allez, on a lancé la petite pièce. Ah putain, Gigot, c'est con ce putain de carton qu'il a pris. Ah non, je pense qu'il doit parler de Mmadi. Ah, sur le banc. Je pense qu'il doit parler de Mmadi, je pense. Je viens de regarder le groupe, je pense qu'il doit parler de Mmadi. Allez, on change de côté. On rattaque comme on a fini la deuxième mi-temps. Les Portugais à gauche, les Marseillais à droite. Ah, je vois quand même pas mal de Marseillais qui ça grimace un petit peu quand même. Allez, il y a le public derrière. J'espère que ça va insuffler un peu d'énergie encore un peu. Ils nous en font encore un peu. Pendant au moins plus d'une demi-heure, il va falloir de l'énergie. Il faut aller la chercher, cette qualif. Elle est proche. Elle nous tend la main, cette qualif. Il faut aller la chercher. Ce sera une belle demi là, contre l'Atalanta. Une équipe qui est jouable. Hein. Vaut mieux avoir peut-être l'Atalanta que Liverpool quand même.
Donc, ça peut être intéressant aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est ce système qu'ils nous font là? Ils nous font quoi là? Ah, c'est tout à l'avant là. D'accord. Allez, Paul Lopez, droit devant. Bon, Aubameyang, non, il apprend pas. Allez, Di Maria qui est toujours sur le terrain. Allez, il faut rester concentré, pas partir n'importe comment. Bien garder ses places parce que là, un but, ce serait catastrophique. Ah, Enrique, il faut coller plus près Di Maria. Faut coller plus attention, près. Alexander. Ah, là. Bas. Ah, c'est bon, Murillo. Ouh, merci, Murillo, pour Aubameyang. Oui, Aubameyang. Allez, au bas. Première accélération. Allez, qu'est-ce qu'il fait dans l'axe? Dans l'axe, c'est Harry. Oh, bien joué. Ah, ouais, pour Correa. Mais il est tout seul. Il est tout seul. Il n'y a personne là pour le ballon. Il est où, il est où le défenseur droit là-bas? Putain, il n'y a personne. Ah, c'était bien joué cette action, ça avait été vite. Très très vite. Allez, c'est les Portugais qui repartent avec Ba. Non, il n'a pas donné à Di Maria, il recule pour Antonio. Pff, voilà, ils vont nous faire craquer jusqu'au bout, ces Marseillais. Di Maria. Et Kondogbia. Ah, il doit s'imposer, Kondogbia. On la récupère. Non, on ne la récupère pas. Elle reste portugaise. Kondogbia très fatigué. Hein. On le voit très peu là, en deuxième mi-temps. Là. Il a besoin de souffler. Attention, Gassé, pas qu'il prenne un carton. Ce serait con. Oui, en plus, c'est pas Kondogbia qui la met. Hein. C'est les Portugais. Allez, Enrique, laisse sortir. Voilà, laissez pour nous. On la récupère. Allez, Enrique à la manœuvre pour la touche. Ah, mais là, il n'y a pas de solution. Il va peut-être falloir bouger, lui en donner. Parce qu'il n'a pas non plus. Il ne s'appelle pas non plus l'homme qui valait 3 milliards. Il n'a pas un bras bionique. Di Maria. Alors, on va la récupérer. Ah là 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 là. Harit. Balerdi. Allez. Paul Lopez. Oh, il me fait peur quand il dégage. J'ai toujours l'impression qu'il va tomber. Veretout. Mister Pikachu. Allez, les Portugais qui ont décidé de monopoliser le ballon. Ah bah eux, de toute façon, je pense qu'ils ne cherchent qu'une chose là. Hein. C'est la séance des tirs au but. Ils savent qu'en face, ils ont un gardien qui en arrête très très peu. C'est ça. Avec ses plongeons de CM2, donc compliqué. C'est pour ça que nous, il faut vraiment qu'on marque, qu'on gagne ce match avant les pénaltys. Allez, Di Maria. Un pied droit. Bien joué, Balerdi. Balerdi corner. Ah, peut-être que je vois. Ah, j'essaie de voir qui c'est de qui il parle. Je pense qu'il doit parler de Gaël Lafont. Il parle pas de Mmazi. Parce qu'il marque avec une coupe à la Guendouzi, blond bouclé. Je pense qu'il doit parler de Gaël Lafont. Très certainement. Les mecs, avec le filet, vous servez à rien. Vous savez même pas vous mettre correctement. Putain, les mecs. Ils servent à rien. Allez, Di Maria, au corner. Attention avec son pied gauche rentre. Non, il la joue vite avec Joao. Joao Mario. Di Maria, le centre. Attention. Attention, il faut s'imposer là. Aubameyang qui dégage le plus loin possible. Allez, faut. Ah putain, il n'a pas joué, Farid. Il n'a pas joué, Enrique. Enrique, il ne joue pas le match à fond. Hein. Excuse-moi. Et parce qu'il faut qu'il se replace à son poste de latéral gauche, hein, surtout. Bah oui. Ben ouais, c'est reparti. Ça, c'est les Portugais qui ont le ballon. Antonio, Di Maria. Putain, Di Maria, il est à la baguette là. On le voit un peu plus. Pour Arsnesh. Ouais. Attention, pas de faute. Allez, tranquille. On la récupère. Sans faute, sans faute. Allez, pour nous. Qu'est-ce qu'il y a? Il siffle quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, putain, Balerdi. Ah non, mais c'est là, c'est... Ouh, j'ai eu peur. Ah non. Oh, putain, c'est mort. Non, il enlève son bandage. Ouh, j'ai eu peur, je crois qu'il était blessé. Putain, ça m'a fait peur. J'y ai cru aussi, tu vois. Gigot. Allez, ça va loin. Tellement loin qu'on n'a pas le ballon. Arsnesh. Toujours Arsnesh. Allez, il faut la prendre, cette balle. Là, les Portugais, ils nous baladent, là. Ils nous promènent, là. Attention. Ah, ils vont nous faire courir. Ah, ils sont forts techniquement, en plus. Attention, c'est bien connu. Hein. Très fort, les Portugais, hein, techniquement. Là, ils vont nous faire courir. Hein. Ils vont nous faire courir. Ah oui, il garde le ballon, il le monopolise. Allez, ça change de côté. Aubameyang, il y va. Pour bas. Le problème, c'est qu'il n'y a que Aubameyang qui fait le pressing. Donc, on n'y va pas. Même Correa, il ne le fait pas. Alors, en même temps,
Gagner un match avec Correa, c'est compliqué. Allez, c'est parti de l'autre côté. Orchnesh, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il recule. Attention, ça joue bien, il se trouve. Les petits décalages et tout. Attention, le palais laissé jouer. Veretout, et on fait que se dégager, putain. Ça va être de l'attaque-défense maintenant. Ah ouais, c'est compliqué, on est cuit. Au moins pour moi, on est cuit. Hein. Physiquement, on est claqué. Attention, il ne faut pas le lâcher. Eh ouais, le mec, il est tout seul, putain. Attention, il ne faut pas que ça rentre, faut pas que ça rentre. Merci, Balerdi. Aubameyang, Balerdi. Ça, c'est pas une bonne solution, ce qu'il vient de faire. Enrique, allez, on va rendre le ballon à Faris. Très bien. Allez, c'est compliqué. Là, sincèrement, c'est compliqué, Faris. Hein. C'est pas faire un contrôle, c'est pas faire un amorti. Ça devient compliqué, là. Hein. Je vais tout casser à Marseille. Hein. Pour l'instant, tu casses pas les briques. Hein. Ah, Gigot, c'est mort. Une crampe. Il y a des crampes. Non, c'est des crampes. C'est rien, c'est des crampes. Ça s'étire. Putain, regarde, mais c'est même pas faire un amorti, sérieux. Et il glisse. Achète-toi des godasses, mon ami. Hey, à 400 000, 500 000 euros par mois, tu peux te payer une paire de godasses, hein. Peut-être pas lui, Doudou, par contre. Hein. Je vais pas le défendre, mais tout lui. Attends, tu vas pas... Qu'est-ce qu'il lui fait avec des moulets là-dessus, lui? Fais 10 fois qu'il glisse, va t'acheter des godasses, mon ami. Ou enlève les cartons. Putain. Wow. Hey, si tu veux, on t'en achète une paire à une Vermont Team 13, on te l'envoie. Hein. Putain, oh, il va faire rentrer un petit jeune. Oula. Il faut d'abord que je donne mon accord quand même. Hein. Gentil, toi. Il va faire rentrer qui, là? Le numéro 49. Un défenseur à la place de Gigot. Peut-être le petit M. Oh là là. Paul Lopez. Ça, c'est pas une bonne idée, Paul Lopez. Ça, c'est pas une bonne idée, ça. Pourquoi il fait ce dégagement-là au lieu de la prendre à la main? Attention. Oh. Pourquoi il n'a pas laissé le ballon venir dans la surface et la prendre à la main? Ouais, ben, va savoir. Il a voulu jouer vite. Jouer vite. Corner, putain. Oh là là. Il me fait peur, ce goal. Allez, corner pour les Portugais. Portugais qui m'inquiètent, hein, parce que ils prennent leur marque, là. Nous, on n'y est plus. Physiquement, on est mort. On est claqué. On est mort. On n'y est plus du tout. Allez, 98e minute. Di Maria à la manœuvre. Bon, l'arbitre, allez, c'est bon. Se dégage dans l'axe, jamais faire ça, non, c'est pas grave. Orsnesh qui change de côté et qui y arrive très bien. Ah, on court après cette balle. Jean-Mario, Di Maria, super. Mais Balerdi qui sort. Enrique, Aubameyang. Oui, arrête. Allez, emmène. Faris, ouais, mais il est tout seul. Allez, attention, en plus il glisse, alors. Pour qui? Oui, ils vont se gêner. Je l'ai vu gros comme une maison. Enrique, Harit, ça recule. Faut gagner le match, hein, les mecs. Faut pas aller au pénalty. Hein. C'est pas une bonne idée. Hein. Correa. Ouais, Correa, là, il a la technique de ma grand-mère dans sa tombe, lui. Veretout. Je sais pas ce qu'on lui a trouvé à ce joueur. Kondogbia, sincèrement, je vois pas ce qu'on lui a trouvé. Faris, allez, faut dédoubler, là. Oh, la passe de merde. La passe de merde. Mais la passe de merde. Tu sais, c'est quoi ça aussi? Moi, je vais vous le dire sincèrement. Ça, c'est des mecs qu'on ne fait jamais jouer. On ne peut pas leur demander de faire des miracles. Les mecs, ils jouent jamais. Ils jouent des 5 minutes, des 6 minutes, des 5 minutes, des 6 minutes. C'est Gigot qui sort. On ne peut pas leur demander de faire des matchs exceptionnels. Ce n'est pas possible. On ne leur donne pas assez de temps de jeu. Kondogbia capitaine. Ouais, bon, c'est bon. L'habit, ce sera plus tard, J.O. Allez, dehors. Daou qui entre. Ah, c'est Daou. Daou.
Daou, daou. C'est risqué le choix de Gassé. Mais ah, bah ouais, mais Gigo, bon, il est cuit. Gigo, il est mort. Cuit. Il est claqué, il est mort. Donc là, il s'est reposé. Là, il est cuit. Allez, un petit jeune, hein. Ah, c'est ça le problème, c'est que ces petits jeunes-là, si on les avait essayés sur d'autres matchs, ben, ils auraient un peu d'expérience. Voilà, aujourd'hui, on les met sur un match qui est un quart de finale de Coupe d'Europe. Je ne dis pas la responsabilité qu'ils ont sur les épaules, les mecs. C'est clair. Eh oui, eh oui. Parce que nous, on ne sait pas faire les choses correctement à Marseille. Au lieu de leur donner du temps de jeu, ben non. Donc, on les jette, allez, en pâture. Ah putain, bah Meillon saute en l'air, mais quand le ballon est là. Allez, c'est pour nous ça. Kondogbia. Daou, bah, il va être dans l'axe. Hein. Balerdi, il va falloir lui donner un peu le ballon pour qu'il l'essaye. Parce que le ballon, parce que. Allez, vers l'avant, Enrique, là. Allez, il va replier. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est joli. Ça, c'est joli pour Aubameyang. C'est joli. Il a tenté le petit lob. Ouh, elle est passée à côté du but de Trubine. Ah, ouf, il était battu. Hein. C'est un cadré, il est battu. Hein. Oh putain. C'était bien putain. Tenté. Là, ah ouais, c'est un cadré, il est battu. Hein. Oh la vache. Alors là, si elle est cadrée, mettre un but comme ça, la 102e, putain, ça c'est un exploit. Oh putain, elle n'est pas passée loin. Allez, allez. Ça veut dire qu'il y a peut-être encore un petit espoir. D'aller le mettre ce deuxième but. Qui c'est qui est rentré côté Benfica? Je crois que c'est Arthur Cabral. Ouais, c'est Cabral. C'est Cabral. À la place de Rafa Silva. Allez, c'est reparti. C'est Trubine qui va dégager. Turbine. Elle va sortir. La joue pas. Allez, c'est Balerdi. Fou. Là, c'est vraiment, c'est, on se dégage le plus loin possible. Balerdi Correa bah, dans le zig, hein, parce que lui, de toute façon, il ne sait rien faire d'autre. Pff, regarde, il court et il court dans le vide, le mec. Regarde, il marche. Le mec, il marche. Il faut y aller, Paul Lopez. C'est bon, il va pouvoir la prendre. Polo. Allez, Pikachu, qu'est-ce qu'il va nous faire? 102 minutes. Faut peut-être penser à jouer. Allez, Paul Lopez. Allez, pour Kondogbia. Et voilà, comme c'est mes Kondogbia dans la merde. Il fait. Oh, j'ai cru qu'il allait mettre à Daou. Oh, j'ai eu peur. Kondogbia. Balerdi. Allez, il faut remonter tout le terrain. Allez, Balerdi, il a encore un peu de jus. Emmène-toi, Enrique. Voilà. Emmène encore. Enrique. Aubameyang. Harit. Qui éteint Harit, pour l'instant, on ne le voit plus. Murillo, Harit. Ah, c'est mal joué, on va la récupérer quand même. Daou, il ne faut pas se précipiter, gamin. Kondogbia, Balerdi. Allez, on a récupéré, on remet un peu le pied sans le ballon. Enrique, va sur ton côté. Ah, mais il m'énerve. Enrique m'énerve. Verretou. Ben surtout quand même qu'il est encore un peu frais, quand même, Enrique. Il a quand même l'opportunité de mettre encore un coup de rein, quand même. Ben oui. Harit, c'est sûr même. Balerdi. Ouais, Correa, Daou, bien joué. Bien joué. Allez, emmène. Ah, sa grand-mère. Ah, c'est bon, c'est ça. Paris. Ah. Oui, non, oh, putain, il était cadré, mais Trubine était là. Bien gêné par Orsnesch. Ah oui, bien, Orsnesch, il était dans le bon coup, là. Ah, c'est Orsnesch qui le contre. Il ralentit le ballon, du coup. Allez, Trubine, qu'est-ce qu'il va... fais-nous une petite connerie, Trubine, ce serait sympa. Bah, un petit ballon dessus. Il n'a pas encore, il a pas un peu encore mal à la couille, Trubine. Il a joué Balerdi. Oh là là, il s'emballe. Voilà, il s'emballe. Ouais, Daou. Bien joué. Balerdi, ça ne sert à rien à ce que tu as fait. Tu fais un super truc et derrière, tu fais une cagade. Il s'emballe, le mec. Allez, il ne faut pas faire des fautes comme ça, on n'a pas le droit. Kondogbia, Harit. L'Argentin, il s'est pris pour un Brésilien pendant 2 secondes. Ah ouais, t'as vu le passement de tir. Putain, Balerdi, c'est le nouveau Dimitri Payet. Je me suis cru avec Zidane. Kondogbia, Harit. Faute. Oh, la faute. Le carton là.
au Fatch. Mais le carton là Veretout. Gros con que tu es. Balerdi, Veretout. Allez, Veretout. Une minute encore de ouais, plus. Allez, viens. Là, par contre, il faut la lâcher, Veretout. Ah, mais tu la donnes à Harit, Harit, il ne sert à rien. Donc, il ne donne pas à Harit. Pas de faute, Balerdi. Bien, ouais, bien joué. Il en peut plus, Di Maria. Il a plus rien dans la casserole. Allez, Daou. Voilà, le petit jeune. Allez, la petite jeune n'est plus que la jeunesse marseillaise. Ouh, Murillo. Pourquoi de bien. Pour bon, Lerdi. Ça y est, Ça y est, je le perds. Kondogbia, Balerdi. On va nous faire ça toute la soirée. Kondogbia, Balerdi. Hein. Veretout, Balerdi. Kondogbia. Mais le coup de rein. Voilà, le coup de rein. Côté, voilà. Allez, va provoquer. Oui, ça passe. Oh, ça passe pour Faris. Oh, bouge-le-moi, lui. Ouais. Faris. Ouais, pour Harit. Harit. Ah, il n'a pas pu se l'emmener comme. Ah, c'est Archnesh qui n'a pas pu prendre le ballon. Archnesh. Ah, on s'en fout, c'est pareil. Allez, longue touche de Murillo. Allez, faut que t'ailles. Ah, il le siffle encore. Putain, ça fait deux fois qu'il me fait le coup, lui. Ah, ça fait deux fois. Excusez-moi, les amis, excusez-moi. Putain. Je me recoiffe en direct, hein. Excusez-moi. J'ai les cheveux qui transpirent. C'est que toujours à zéro. On va attaquer la deuxième prolongation avant la fameuse séance. J'espère qu'on ne va pas y aller parce que c'est là on est mal barré. Sinon, quoi qu'on ne sait jamais, peut-être avoir un petit exploit de Pikachu. Allez, on va aller boire un petit coup. Côté Marseillais, on est cuit. Le problème, c'est que il y a un autre joueur qui va rentrer. Un blondinet. Ah bah ça va peut-être Gaël Lafont alors. Je crois que j'ai vu un joueur parler avec Pancho. Ouais, il y a un joueur qui parle avec Pancho. Je pense que c'est le petit blondinet. Putain, t'imagines, on va finir avec 3 millions qui n'ont jamais joué le problème. Avec des gosses, t'imagines, toi. Ah oui, il parle avec. Regarde, il est derrière là-bas. Ouais. Quel poste lui? C'est un peu milieu un peu offensif. Okay, là on jouerait le tout pour le tout. Là. On veut pas aller on annonce la couleur, on veut pas aller au pénalty. Donc on joue le tout pour le tout. Je pense que Harit il est claqué. Hein. Ouais, je pense que ce sera Harit qui sortira. Harit il va sortir. Gassé, il est obligé de faire aussi avec ce qu'il a. Malheureusement, il a plus grand chose sur le banc. Ouais, Harit. C'est Harit qui n'est pas bien. Ah, Di Maria reste sur le terrain. Pourtant, Di Maria, il n'est pas bien aussi. Allez, Lafont qui va rentrer. Et si c'est les Minots qui nous le faisaient? Et si c'est les Minots qui nous le faisaient? Elle ne serait pas belle une histoire? Des Minots à qui on ne croit pas? Et ouais, à qui on ne laisse jamais la chance de prouver ce qu'ils savent faire. Ah, c'est Veretout qui sort. C'est très risqué. Hein. Ah, c'est Veretout. Ah, Veretout qui sort. C'est chaud. Attends. On ne sait pas. Ah, on ne sait pas. Il rentre pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il rentre pas pour l'instant. Est-ce que Gassé se ravise? Non, il rentre pas. C'est quoi ce délire? Faut pas le changement. Ouais, je comprends. Ils attendent peut-être un petit peu. Et il se ravise. Oh, il doit être dégoûté. Oh, il doit être dégoûté, le mec. On attend de voir si Veretout. Faut pas qu'il se blesse, hein, Veretout. S'il est mort, il est mort. Hein. Là, j'ai des fourmis, j'ai des crampes dans les jambes. Hein. Allez, Benfica, c'est reparti. Deuxième prolongue. Allez, maintenant, c'est ça ou les pénaltys. Donc, faites le boulot avant, les amis. Il y a faute sur Balerdi. C'est pas sifflé. Non, il pourrait revenir à la faute. Hein. Benfica, qui a toujours le ballon. Benfica est à droite. Maintenant, l'Olympique de Marseille est à gauche. Par contre, bon, Aubameyang, ça sert à courir dans tous les sens, de toute façon. Ça sert à ne s'user non plus. Allez, Archnesh. Attention. Ouh, la combat pour Paul Lopez. Paul Lopez. Ouh, super Paul Lopez, il n'a pas fait exprès. Pour Murillo. Daou, bien joué. C'est posé. Harit. Remets-lui. Oh, et putain, pourquoi il ne lui donne pas? Putain. Harit, il est cuit. Il pourrait sortir.
Oh, mais il va pas le dire qu'il est cuit, ce con. Bah, mais ça se voit quand même. Excuse-moi, il joue à deux à l'heure, le mec. Kondogbia. Kondogbia. Murillo. Harit. Ah, il cavale encore un petit peu. C'est peut-être la dernière fois qu'il va cavaler. Oh, le petit pont. Oh, superbe. Ouais, mais on ne pourra rien. Ça ne sert à rien. Voilà. Il a fait tout ça pourquoi ? Pour rien. Bon, Archnèche, achète-toi un filet entre les jambes. Hein. Là, il t'a fait l'amour. Ouais, il a la limite des crampes. Il est à la limite des crampes. Allez, c'est Trubine qui va dégager. Je crois que les Portugais, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont envie. Ils n'ont pas forcément peut-être envie d'aller au pénalty. Ça tombe bien, nous non plus. Ah oui, mais c'est peut-être pas pour la même chose. Mais c'est peut-être parce qu'ils ont envie de gagner le match. Eux. Veretout qui me fait une belle tête. Ah, c'est bon, Veretout, il est là. C'est bizarre qu'ils voulaient faire sortir Veretout, puis ils le font pas. Je comprends pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Il y a eu un petit couac. Allez, Balerdi. Ah putain. Balerdi, je crois qu'il a baissé aussi les chaussettes, ça devient compliqué aussi. Attention, Di Maria. Non, Di Maria, elle est où ? Elles doivent être bien mouillées, les chaussettes, là, tu vois. Je pense. Allez, il faut le jouer dans attention, là. attention. Hop, heureusement. Kondogbia ? Putain, je croyais qu'il avait fait une main, Kondogbia. Pas de faute, Faris. Hein. Qu'est-ce qu'il est con. Doucement. Mais qu'est-ce qu'il est con. Les fautes qu'il va faire, putain, à cet endroit-là. Oh là là là. Attention, oh Schnech, attention, ouf. Balerdi, là-dessus, je croyais que Kondogbia avait mis les mains. Oh putain, c'est le ventre. Oh là 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 là. Ah, c'est Paul Lopez hein, qui la sort. Allez, Balerdi, il est mort aussi, ils sont tous morts. Et ouais, moi je dis que des fois, ce n'est pas un avantage hein, d'être resté au repos. Hein. Ce n'est pas un avantage, hein, des fois. Hein. En une semaine, tu sais, la compétition, ça peut manquer. Hein. Attention au Portugais. Di Maria, c'est pas attention. Là, quand il a fait le crochet, j'ai eu peur qu'on le touche. Allez, Aubameyang, qui encourage. Alors, en plus, c'était Faris qui est. Ouh là là, il a laissé traîner la jambe, Faris. Là, Di Maria, s'il joue le jeu, il peut se laisser tomber. Hein. Ah, mais complètement. Allez, c'est Di Maria qui va. Attention à sa patte gauche. Ah, on va souffrir. Les 15 dernières minutes, on va souffrir. Ça va être très compliqué. Ils sont beaucoup plus frais que nous. Allez, on se sort avec Aubameyang. Correa qui fait semblant de se jeter. Harit. Pour Faris. Oh, oh là là. Oh, heureusement, oh, il n'est pas dernier. Carton jaune. Ouais, pour Kokchou. Kokchou. C'est carton jaune orangé et plus si affinité. Hein. Allez, petit carton pour Mouchouk. Et il ne joue pas du tout le ballon. Hein. Non, à aucun moment. Après, il se retrouve en face à face avec Ornesh. Ornesh. Ah ouais, Orchnech, là, alors là, c'est même pas la peine. Orchnech, il a les choses à lui aussi. Ah ben ça y est, voilà. À la pause de Harris. Ah, on comprend mieux. On comprend mieux quand même. C'est un peu plus logique. Sur ce qu'on voyait là, parce qu'il était un peu cuit quand même, notre ami. Un peu plus de fraîcheur, ça sera pas mal. Yamin, bien joué, monsieur l'arbitre. Tranquille. Il faut le jouer, ce coup franc, direct. Voilà, il faut le jouer dans la surface. Voilà. C'est une action importante. C'est une balle de but. Et imagine la belle histoire. C'est lui qui la met. T'imagines ? Ah, la mal jouée. Tout le match a été ça. Vitesse, précipitation. On joue mal les coups. On n'est pas. On joue mal les coups. On avait le temps. C'était un ballon de but. Ça, on avait le temps. Putain. Voilà, maintenant, on se retrouve à perdre. C'est s'emmerder la vie pour pas grand chose, quoi, en fait. Putain, au lieu de le jouer normalement, peut-être aller mettre une tête ou. Eh non, on veut jouer vite. Ah là 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 là. Allez, on va la récupérer. Balerdi, tranquille. Il y a un rebond pour Faris. Allez, Faris, lève la tête. Allez, tranquille. Allez, pour Murillo. Daou. Non, vers l'avant. Murillo. Moi, ce qu'il y a, c'est que ces jeunes, ils ne vont pas prendre de risques parce qu'ils ont peur. Daou. Balerdi. Et je les comprends.
change. Oh putain, il aurait pu jouer là. Lafont, Balerdi, Kondogbia, attention parce qu'il est que pied gauche. Allez, emmène, emmène, emmène. Ouais, bien joué. Aubameyang, voilà. Veretout. Aubameyang, ça passe pas côté, il n'a pas pu la prendre. Allez, faut revenir au bas. Allez, fais l'effort. Ça va partir vite. Balerdi, bien joué. Bien joué, Balerdi. Veretout. Homme du match pour moi, Leonardo Balerdi. Accélération d'Enrique. Accélération, bien joué. Allez, faut y aller maintenant, Aubameyang. Aubameyang, qui emmène? Allez, il y a du monde un peu dans la surface cette fois-ci. Ah, mais ça sert à quoi ça? Choua, il est plus lucide, il est fatigué aussi, je pense qu'il n'est pas lucide. Sur ce qu'il fait, Orchnech, Mario. Si on doit aller sur une séance de pénalty, il faut quand même quelque part qu'il soit un peu plus lucide là, quand même, Pierre-Emerick. Ah, bon, c'est compliqué. Là. Il reste 9 minutes. 9 minutes. 112e minute de jeu, putain, il reste 8 minutes là. Allez, Antonio, sur le côté là-bas pour les Portugais. Di Maria, non, c'est pas Di Maria ça. On change de côté, ça va être pour nous. Murillo, bien joué. Paris, il a un problème avec ses contrôles. Il a un problème avec ses contrôles. Hein. Techniquement, il a un problème, hein, ce joueur. Lafont. Balerdi. Ouais, il n'a pas de solus. Il n'a pas de solus. Là-bas pour Murillo. Allez, contrôle orienté. Bien vu. Là, ça a bien joué. Dans l'axe. Mais non. Ils pouvaient jouer avec Daou. On ne joue pas avec les jeunes. Hein. On ne leur fait pas confiance. Murillo, on ne leur fait pas confiance. Pas du tout même. Faris, Daou, toujours Daou. Bien joué. Oh putain, la ouais, bien joué, il a cherché encore. Ouais, oula, deuxième, encore un carton. Florentino Luis. Florentino, Cartangione. Il reste 8 minutes. 7 minutes. Allez, 7 minutes pour les Marseillais pour essayer de ne pas aller au pénalty. Ah, il a des crampes aussi, Faris. Attends, tu ne vas pas me dire Faris, il a des crampes sans déconner. Mais il joue pas, Doudou. Il joue pas, Doudou. Ouais, bah il joue pas. Bah ouais, bah il joue pas. Bah, en même temps, il a qu'à montrer autre chose aussi. Attends. Bah si, si on lui montre. Ah, qui c'est qu'il y a des crampes là? Bah c'est lui. Ah non, c'est bah, vrai. Oh putain, ils sont tous. Putain, on va tirer les pénalties avec. On va peut-être tirer les pénalties avec des mecs qui sont que sur une jambe. Oh putain. Oh. Eh ouais, c'est ça qu'on n'a pas l'effectif qu'il faut, hein. Et qu'on n'inscrit pas les joueurs qu'il faut sur la feuille. Hein? Ça, on dira que c'est de la faute à qui, hein? Ouais, Gaël, allez, Lafont. Lafont. Oh, c'est bien tiré. Lafont. On va la reprendre, on va la reprendre. Veretout. Ouf. Ouais. Oh, Veretout, ça, ça a crampé. Pourquoi il a tout ça à crampé la balle? Pourquoi il a tout ça à crampé la balle? Hey, je t'explique. Veretout, ça a crampé encore. C'est dans la surface de réparation adverse. Ah ben, c'est sûr, c'est mort. On est en train de finir, on est en train de finir avec que des éclopés, putain. Oh là là, on va même pas le finir ce match, c'est pas possible. Allez, ça joue toujours côté portugais. Veretout, bah, il est toujours parvenu, il est toujours couché là-bas. Oh putain. Allez, c'est mort. Et on a fait tout nos remplacements. Je pense pas. Murillo, Mumbagna, Daou, ah, si. Lafont. Ah oui. Ah, ça fait 4. Ouais, il nous en manque un. Mais tu vas, il va faire rentrer qui? Ah, il y a Correa aussi. Il y a Correa aussi. C'est mort. Ah, ça fait 5. Non, tu peux aller jusqu'à 6 quand tu vas en prolongation, je crois. Qui c'est qui va rentrer? Il n'y a plus personne. Il va faire rentrer qui? Il n'a plus personne. Ah putain, ça me fait marrer, moi. Putain. Ah, Lafont qui a demandé. Il a dit à Lafont de. Ah, il faut sortir, monsieur Veretout. Ah oui. Ah, ça tire les crampes. Ah, ouais, ça fait bobo, oui. Ah, oui, ça fait bobo, oui. Ça. Ah, c'est mort, il ne va pas rentrer. On va jouer à 10. Ah putain. On va jouer à 10. Gassé qui demande, là, on fait quoi, là? Eh ouais, faut peut-être communiquer, hein.
On a des millions hein, pour des joueurs, mais on n'est pas capable d'avoir un micro relié avec un casque pour dire à l'entraîneur on fait un changement. Non, non, ça c'est pas possible, c'est trop cher. Faut aller sur Amazon, hein, ça existe, hein. Bande de blaireaux. Putain, oh la communication, toi. Bah, virer tout, il est revenu. Putain, il va serrer les dents, le mec. T'es un coréen, il a même le maillot comme il est rentré, aussi propre. Ça sert à rien, ce type-là. Putain, qu'est-ce que c'est que ces joueurs. Ah, je conseillerais quand même à virer tout de ne pas tirer un pénalty si on doit aller au pénalty. Hein. Ah, de toute façon, il reste 4 minutes. On y est bien parti. Hein. On y est bien parti hein, pour aller aux prolongations. C'est les jeunes qui vont tirer, tu vas voir. Allez, c'est reparti. Florentino, côté portugais. Ah, ils vont nous emmener jusqu'au pénalty. Ils vont y arriver. Puis on n'y va plus, alors, de toute façon. Mais vas-y, Correa! Putain, quelle tête de plomb. Allez, Trubine, qui dégage. Attention, attention, vous voyez, Murillo. Ah, mais il n'a personne. Allez, ça repart de côté. Enrique, qui n'accélère pas. Voilà, pour Daou, il s'est débarrassé du ballon. Ça s'appelle, c'est de me débarrasser du ballon. Pour qui? Pour personne. Voilà. Et je me débarrasse encore du ballon. Attention. Allez, bien joué. Allez, Correa, faut jouer. Allez, on va la voir. Veretout. Non, c'est plus possible. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il peut enlever les chaussettes. C'est terminé. C'est terminé, Veretout. Là, il faut arrêter. Il faut, voilà. Il faut Foutez-le dehors. Non, là tu te fous au l'arbitre sol. Il arrêtera pas le jeu. L'arbitre, il n'arrêtera pas le jeu. Il va être obligé. Hein. Il va être obligé. Di Maria, attention, attention. Oh là 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 là. Attention, Joao Mario, pas de faute. Pas de faute bête. Fallait dessus. Valentino Luis, Joao Mario. Attaque, mon petit ballon. Attaque. Arrêtez de lever la main, il ne sifflera pas. Jouez. Tu disais? Non, là, il faut vraiment arrêter. Il faut vraiment arrêter. Il faut qu'il sorte. Ça ne sert à rien d'insister. Il faut qu'il sorte. Allez, hop. C'est plus possible. Il ne faut plus insister. Il ne faut plus insister. Il va se vraiment blesser. Là, il risque réellement quand même de se déchirer. Là, c'est cuisse mollet. S'il se déchire, c'est terminé. Allez, on rend le ballon au portugais. À la limite, il reste là hein, s'il ne veut pas sortir, mais voilà, il faut que ça ne sert à rien qu'il court. Hein. Ça sert à rien du tout. Fais des étirements, ça ne sert à rien. Partiront pas les crampes, c'est mort. Partiront pas. Il y en a eu six de remplacement, je suis con. Ben voilà, c'est trop tard, maintenant il ne peut plus sortir. Et qu'il arrête de cavaler, ça ne sert à rien. Attention. Allez, pour les. Lafont, Luis Enrique, Daou, Mumbanya, Murillo et Correa. C'est mort. C'est bon. On finit à 10. Allez. Eh ben, ça va être beau la séance de pénalty. Ça va être magnifique si on y va. Parce qu'attention, le pire du pire, c'est qu'on joue dimanche à 19h, je crois. Putain, attention, il reste 20 secondes dans le temps réglementaire. Il va peut-être y avoir une ou deux minutes d'arrêt de jeu. C'est toujours les Portugais qui sont à l'attaque. Joao Neves, ouais, bien joué. Allez, touche pour les Portugais. Bien joué, Murillo. Allez, il faut serrer les dents. Maintenant, il y a... Oh là là, Doudou, il bug. Allez, au pénalty, Orchnech. Attention, il touche. C'est fini. De quoi? Tu bugues. Attention à la longue touche. Attention, sors-moi ça en bas. Il y a faute. Allez, attention, il va siffler. Et en plus, il nous blesse Aubameyang avant les pénalties. C'est la fête à Lulu. Allez, 2 minutes d'arrêt de jeu. Allez, on retombe dessus, il marche sur le pied. Allez, 2 minutes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut pousser pour essayer d'aller marquer ou faut se contenter d'aller au pénalty? Je pense que ça serait peut-être mieux d'aller partir au pénalty. Hein, c'est la loterie. Hein. Ah oui, là, c'est... C'est sûr que c'est la grosse loterie. Hein. Allez. Ben ouais, mais bon. Un long dégagement. Allez, sors-moi ce ballon loin, débute.
Parce que de toute façon, il ne faut pas qu'il revienne trop vite le ballon. Lui, normalement, il peut dégager loin, il n'a pas de crampe. Allez, imaginons sur un tombé de ballon, pourquoi pas. Mais Faris qui est trop loin du ballon, Lafond. Ah putain, il siffle faute. Eh ouais, Faris encore. Je sais que c'est un attaquant, mais il peut quand même faire attention aux fautes qu'il fait quand même. Putain. En même temps, je veux pas dire. C'est un déménageur, le mec. T'aurais dû le prendre avec toi le week-end dernier pour déménager. Ça m'aurait peut-être été utile, ouais. Allez, pas d'erreur. Bien joué, Kondogbia. Voilà, tranquille. Allez, il reste 30 secondes dans le temps additionnel. Et ramasseur de balles, ouais. Putain! Font de la merde ce soir. Allez, Orschnesch, qui va changer de côté. C'était sûr. Enrique, il ne va pas y aller. Enrique, il ne va pas y aller, si, quand même. Allez, il faut me sortir ce ballon, Balerdi. Allez, encore Orschnesch, il reste 12 secondes. Ça sert à rien. Pas se jeter, attention, Di Maria, attention à Di Maria, attention. Allez, attaquez-moi-le. Il va siffler, là. Ouais, il va siffler, il s'approche du ballon. Allez, c'est fini. Eh ben, cette séance, je la sens pas du tout. Vu l'état de nos joueurs. N'oubliez pas, partagez un maximum le live. Abonnez-vous. On est bien là. Voilà. On est tendu, mes amis. J'ai la gauche qui tape sur la droite. Et l'autre, il est encore au milieu du terrain. Sortez-le, nous. Il ne sert plus à rien, là. Sortez-le. Ah là, c'est plus possible, Veretout. Ils attendent quoi? Qu'ils se blessent vraiment ou Balerdi qui a soif? J'en sais rien. Mais c'est vraiment prendre des risques. Surtout, en plus, quand tu joues dans trois jours, même pas, quoi. Elles vont pas être frais, voilà. Dans 3 jours à Toulouse. Hein. J'aurais préféré, tu vois, éventuellement qu'on joue le week-end dernier que de jouer ce dimanche-là, tu vois. Ah, le dimanche-là, celui qui va arriver, ça va être une boucherie. Petite page de pub chez nos amis de la télé. Mais on va en profiter quand même, Doudou, aussi, quand même, encore pour remercier nos abonnés pour ce soir, là, pour nous avoir fait passer les 7000 abonnés. On est monté à 7013 à l'heure actuelle. Donc, franchement, mille merci vraiment à vous tous. Vraiment, mille merci. Maintenant, espérez que ce match termine bien. Espérons pour tout le monde que. On avait dit qu'on ferait le débrief après, ça va faire tard. Hein. Je pense, ouais, il y en a qui. Ouais. j'en connais un qui s'appelle Oui-Oui. Qui doit être encore en train de. On fera le débrief un autre jour parce que là, ça va faire coucher très tard pour ceux qui bossent demain matin. Ouais. Ou ceux qui se lèvent pour faire de la peinture. Ouais. Ça, c'est leur problème. Allez, on est retour au stade Vélodrome. Allez, on est la séance des pénaltys pour ceux qui n'auraient rien suivi jusqu'ici, qui viennent d'arriver. L'OM a refait son petit but de retard, mais malheureusement, on n'a pas réussi à en mettre un deuxième. Donc, Veretout qui se roule toujours de douleur, hein, qui hurle de douleur. On arrive à la séance des pénaltys puisque ça n'a rien donné les prolongues. On met tout sur les épaules de Monsieur Pikachu, Polo. Il nous a fait des beaux arrêts quand même ce soir. Il nous a sorti pas mal de ballons. Donc espérons. Quoi. Le passeur d'âme. Bonsoir les Marseillais. Salut à toi, le passeur d'âme. Ah ben, fais-nous passer ce qu'il faut pour qu'on se qualifie. Ce serait bien. Allez, ça chante. On y croit. De toute façon, maintenant, c'est pile ou face. Hein. Là, c'est vraiment... ça va être compliqué quand même. Parce qu'on a beaucoup de joueurs là qui ne sont pas du tout... en état de tirer les pénaltys, Veretout c'est mort, parce que déjà il ne peut même pas courir. Kondogbia, je pense que Kondogbia va tirer. Je pense que Balerdi va tirer. Aubameyang va tirer. Faris va tirer. Enrique va tirer. Moi, je miserai plus là-dessus. Harit, je ne sens pas. Harit, je ne sais même pas s'il est encore là d'ailleurs. Harit, il est sorti, je te rappelle. Il est sorti. Ah, peut-être Lafond. Peut-être la fond, est-ce qu'ils vont donner la responsabilité? Ah, mais de toute façon, les petits vont devoir tirer, ça c'est sûr. De toute façon. Allez, vous allez suivre cette séance de pénalty avec nous.
en intégralité. Allez, on va essayer de vous faire vous faire vibrer ça là. Allez, la pièce a été tirée. On va aller de quel côté? Quel côté? Virage nord. Du virage nord, ouais, virage nord. J'ai l'impression qu'on s'y dirige tranquillement sur le virage nord. Trubin qui n'a pas fait un match. Ouais, il a fait un ou deux bons arrêts, sinon il n'a pas, été exceptionnel. Maintenant, est-ce que sur les pénalties, il est plus fort? Il a tenté de faire un arrêt des couilles, ça ne l'a pas suffi. Non. Allez, pour Lopez. Bon. regarde, Fredo est optimiste. Hein. Ah, c'est bien, Fredo. Oh, nous, on est très optimiste. Ah, nous, on y croit à fond. Hein. Après, autant c'est possible. Ah ouais. Ah bah c'est peut-être son soir. Moi personnellement, j'ai jamais vu arrêter. Je l'ai vu arrêter un penalty une fois. À Rennes. Non. Et là, si on arrête un et qu'on met les autres, ça me suffit. Hein. Bah, Di Maria. Allez. Déjà d'entrée, on met pas la pression. Di Maria. Hein. Jean-Paul Lopez, déjà d'entrée, on lui met pas la pression. Après, attention, les grands joueurs, des fois, dans les grands événements, on se rappelle de Platini à la Coupe du Monde, Zico à la Coupe du Monde. Il y a des grands joueurs qui loupent. Hein. Baggio. Ah oui. Mbappé, il en a loupé il n'y a pas longtemps. Attention, Di Maria pour Lopez, premier pénalty pour Benfica. Trezeguet, ça nous a coûté une Coupe du Monde. Ouais, allez. Bon, arrête d'enlever les petites peluches qu'il y a sur ta ligne. Et essaye d'arrêter le ballon. Donc, le principe du pénalty, c'est d'arrêter le ballon. Attention, c'est parti. Allez, premier pénalty pour les Portugais. Allez, c'est Benfica qui va te frapper avec Di Maria. Di Maria, la baguette. Maria, gauche, c'est parti. Ça va être à droite. Oh poteau, c'est poteau. Est-ce qu'on a la chatte ce soir? Est-ce qu'on a la chatte? La chatte à Lolo. La chatte à Lolo ce soir. Oh là. Oh, j'ai une belle chatte, là. C'est quoi? On l'a dit, les grands joueurs, des fois... Il était parti du bon côté. Hein. Allez, Correa. Allez. Oh non, pas Correa. Oh non. Ferme les yeux. Allez, Correa. Allez, là, ce serait bien de prendre l'avantage psychologique. Allez, Correa. Trubine. C'est bien joué. Contre-pied parfait. Allez, premier but pour les Marseillais. 1-0 pour l'Olympique de Marseille dans cette séance de pénalty. Allez, c'est bien parti, mais attention, une séance, on sait que ça se joue sur des petits détails, rien n'est fait, il est attiré bien du plat du pied, en finesse, Correa, Mbemba là, qui en sens les joueurs marseillais. Allez, Paul Lopez qui va aller sur sa ligne. Allez, Kokchou. Et allez, et un deuxième, ce serait bien, un deuxième raté tout de suite, ce serait magnifique, avec Monsieur Moukchouk. Donc, Moukchouk. Il est taré, ce mec. Il fait 1m20. Il est taré, ce mec. Allez, Paul Lopez. Et il va le tirer le même côté que Di Maria. Je te le dis. L'ancien du Feyenoord. Pikachu, il le tire du même côté que Di Maria. Il le tire du même côté. Le pire, c'est qu'il va en plus, il va le mettre à côté. Oh putain. Oh, il passe en dessous de ses bras. Il n'arrêtera jamais un pénalty, ce mec. C'est pas possible. Putain. Elle lui passe en dessous le bras, regarde ça. Oh, mais comment il plonge? Même ma grand-mère, elle plonge mieux qu'un déambulateur, putain. Ah, putain, un partout, mais les Marseillais ont toujours un tir d'avance. On passe le bonjour à ta grand-mère. Elle est morte. Ah, merde. Et puis, grand-mère. Allez, Kondogbia. Allez, en finesse, Kondogbia. Je sais que c'est pas forcément son truc, la finesse, mais. Ah, Kondogbia, ça sera pas. Prends pas trop d'élan, mon ami. Prends pas trop d'élan, s'il te plaît. C'est parti. Allez, Kondogbia. C'est parti. Ouais. 2-1 pour l'Olympique de Marseille. On est devant. On est devant dans cette séance de pénalty. Et ça, ça met toujours la pression sur les Portugais. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'un autre loupé. Putain, il a failli la toucher quand même, Trubin. Harit qui est content. Mbemba qui est content. Allez, prochain Portugais, y aller. Otamendi. Nicolas Otamendi. Le défenseur argentin. Allez, Fanzani qui va tirer. Le Bounty.
Allez, Mbemba qui fait une prière. Il prie les dieux. Écoutez-le, écoutez-le. Allez, allez, il va tirer du même côté. Il va changer de côté. Il va changer de côté, Paul Lopez. Il va tirer de l'autre côté. Je te le dis, Polo. Allez, Pikachu. Allez, Pikachu. Otamendi, Otamendi pour Paul Lopez. Avec Paul Lopez. Oh, putain! Mais c'est pas possible, ce gardien! Il va jamais arrêter un pénalty de sa vie, putain, c'est pas possible. Mais putain, elle passe pas loin, mais il plonge mal. Même moi, je l'arrête. Oh, Balerdi qui va tirer. Oh, Balerdi, oh non, putain. Oh, Baloche. Oh, Baloche, qu'est-ce qu'il va nous faire, Baloche? Mets-la au fond, s'il te plaît, Baloche. Reste dans le bon match que tu as fait, dans l'excellent match que tu as fait, Balerdi. Putain, marque-le. Allez, Balerdi. Marque-le. On est à 2-2, mais on a toujours un tir d'avance. Allez. Allez. Balerdi, Trubin. Ouais ! Allez, 3-2 pour l'OM. Allez, les Marseillais. Allez, faut y croire. Allez. Allez, Balerdi, va aller faire la petite tape à Paul Lopez. Oh, j'ai vu Trubin dessus, putain. Eh. Eh, il avait les baloches, hein, Balerdi. Oh, il a les baloches. Allez, Paul Lopez. Allez, c'est Antonio Silva. Ils font tirer les défenseurs, là. S'il te plaît, Antonio. Fais-nous une offrande, Antonio, s'il te plaît. On t'embrasse sur le front, Antonio, s'il te plaît. S'il te plaît, fais-le pour nous. Mets-la à côté. Allez, Antonio, face à Paul Lopez, toujours les Marseillais qui mènent dans cette séance de pénalty, toujours avec un petit but d'avance. Allez, on remonte les petites chaussettes. Ben, on s'en fout des chaussettes, Paul Lopez. Le principal, c'est d'arrêter le ballon. Allez, Antonio, face à Paul Lopez. Oh oui, ouais oui ouais Paul Lopez, premier pénalty de sa vie qu'il arrête. Oui. Le prochain, merci, c'est bon. Pikachu. Merci, le prochain, Pikachu. C'est bon. Le prochain, ça passe, Doudou. Le prochain, ça passe. Si on marque, allez, si on a gagné. Marque le prochain, on est qualifié. Et qui va être le tireur? Au bas. Envoyez au bas Meyang. Ah, pas lui. Oh, lui. Allez, Enrique, toi la balle des matchs. Toi la balle des matchs. Allez, est-ce Luis que l'on va aller au bout? Allez, Enrique. Et oui, oui, on y est, on y est. Gah, on est dedans, demi-finale, l'Atalanta. Et là, on aura tout le monde, à part Gigot. Putain, on y est, on l'a fait, bien joué, les joueurs l'ont fait, c'est la fête, le peuple marseillais est heureux. Qui saute pas n'est pas marseillais, hey, qui saute pas n'est pas marseillais, hey, qui saute pas n'est pas marseillais, hey. Aux armes, on y est, Mololo. On a vengé 33 ans, 34 ans après, on a vengé la main de Vata. C'est extraordinaire. Demain, je vais à l'église brûler un cierge. Pikachu a arrêté un penalty. Il ne peut plus rien nous arriver. On va la gagner, cette Coupe d'Europe. Peu rien peut nous arriver. Putain, si Dieu pouvait. Je pensais que j'allais mourir un jour sans voir Paul Lopez arrêter un penalty. Et ben maintenant, je peux mourir tranquille. Et honnêtement, tu vois, le premier penalty raté de Di Maria, franchement, c'est ce qui nous a mis dedans, quoi. En fait, c'était extra, c'était top. Enfin, on lui a tiré ses grandes oreilles à ce grand con. Putain. Eh ben, le prochain tour, mon ami, c'est l'Atalanta. Et l'Atalanta. Ça va être dur. Je ne dis pas que ça ne va pas être facile. Ça va être très dur. Mais c'est jouable. C'est jouable. C'est plus que jouable. C'est plus que jouable. Avec ses supporters, avec une ambiance de feu,
une équipe où on aura récupéré tous nos blessés comme Klos. On aura récupéré tout le monde. Attends, je vais regarder les résultats du soir parce qu'en même temps, je vais en profiter, quoi. Parce que bon. Alors. Merci le passeur d'âme. Bonne soirée à toi aussi. Merci. La S Roma s'est qualifiée. Il affrontera le Bayer Leverkusen. Ok. Donc, voilà, ça donne. OM, Atalanta. Ouais. Leverkusen. Ouais. La S Roma. C'est ça. Bravo, on peut les applaudir, les amis. Merci, ça a été dur. C'est pour ça qu'on aime ce club, parce que il nous donne toujours des surprises. Même sur une saison de merde, parce qu'on faut, on arrive à aller en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Tu crois, toi ? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et qui sait ? L'histoire n'est peut-être pas finie. L'histoire n'est peut-être pas finie. Est-ce que cette victoire peut faire du bien au groupe en championnat aussi ? Cette qualif. Ouais. Dimanche, ça va être compliqué parce que là, quand même, tu t'es quand même tapé plus de 2 heures de match. Voilà, tu vas jouer à Toulouse. Ouais, mais bon. Okay. Tu sais que tu ne peux pas lâcher ce championnat. Il ne faut pas lâcher. Et faites pas sauter Veretout, il va avoir des crampes. Un gros merci. Un gros merci à nos jeunes. Daou, Lafont, qui ont assuré Soglo, qui ont assuré, qui ont fait ce qu'on leur a demandé. Ils ont fait le taf. Donc, on peut compter sur eux. Balerdi, très grand match. Balerdi, énorme match. Moi, pour moi, je vais répondre à la question de Marcel. Non, pour moi, Paul Lopez, c'est l'homme des pénaltys, mais l'homme du match, pour moi, c'est Balerdi. Sans aucun problème. Et dire que Balerdi, il y a 2 ans de ça, putain, on disait, mais qu'est-ce qu'il fout à l'OM ? Je l'ai insulté comme c'est pas permis. Et aujourd'hui, depuis, on va dire que depuis le début de saison, hein, il fait des bons matchs. Hein. Il fait vraiment des bons matchs. Très, très bon joueur. Il a progressé à une vitesse énorme. Mais depuis qu'on l'a mis dans un schéma à 3 défenseurs, hein, 3 centraux. Hein. C'est con à dire, c'est peut-être la seule chose que Tudor a fait de bon avec lui. Putain, on souffle. Hein, parce que sincèrement, je vous le dis sincèrement, je me suis dit, putain, les pénaltys avec Pikachu qui a du mal sur les pénaltys, ça va être compliqué. Des joueurs, la moitié sont sur une patte. Quand j'ai vu Correa arriver, j'ai fait « Oh putain, le massacre !» Non, il l'a bien tiré, comme quoi, tu vois, des fois, on critique les joueurs, mais c'est parce qu'on aime tellement notre club qu'on en veut toujours plus, et des fois, on en veut peut-être trop, d'ailleurs. Et c'est peut-être notre souci, c'est qu'à l'OM, on ne sait pas être patient, et des fois, on voudrait tout de suite que le mec il soit compétitif, machin bidule. Mais c'est un métier, un footballeur, c'est un métier qui est compliqué, qui est difficile. Alors on va dire, ouais, mais attends, les mecs, ils sont payés et tout. Ouais, ils sont payés, mais ça ne change rien. C'est quand même un métier difficile. Ils s'entraînent tous les jours. Physiquement, c'est compliqué. Mentalement, c'est très dur. Parce que tu as des joueurs comme Vitinha, quand il est venu, ils sont loin de leur famille, ils sont loin de leurs repères. Donc, ce n'est pas évident. Et on est des fois peut-être un peu trop. On n'est pas assez indulgent avec eux. On en veut toujours plus. Donc, voilà, quoi. Pour une fois, ils nous ont fait fermer notre gueule. Et puis, ils se sont qualifiés. Et puis, voilà, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux dire de plus ? Bravo à eux. C'était mal engagé, mais des matchs difficiles parce qu'ils ne les ont pas fait non plus un grand match. Hein. Ils n'ont pas fait un très grand match non plus, mais voilà. Et pour Lopez, qui va la chercher, joli. Il a plongé du bon côté. Main ferme, hein, en plus. Main ferme. Ah ouais. C'est superbe. Ça fait vraiment plaisir. On a encore 22 petites œils à cette heure-là. Ouh, mes amis, on revient de loin. On y est. Maintenant, il va falloir retourner très vite au charbon pour le championnat parce qu'il ne faut pas s'éloigner trop des places européennes. C'est encore possible d'en choper encore au moins une, peut-être, place. Donc, voilà. Et puis, Soglo qui boite. La seule chose qui peut te permettre quand même quelque part d'être en Coupe d'Europe la saison prochaine, c'est de gagner celle-là. Ouais, mais alors, il y a encore des gros morceaux quand même. Hein. Déjà, il faut passer l'Atalanta. Et puis après, tu peux te retrouver soit contre la S-Roma ou la Leverkusen. Les Leverkusen qui, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, c'est le seul club en Europe qui n'a pas perdu un seul match. Hein. C'est ça. Mais après, peut-être sur un match, tout est possible. Mais après, un jour ou l'autre, il va bien falloir qu'il tombe. Hein. Ce serait bien qu'il tombe contre nous, par exemple, imaginons en finale, et que c'est nous qui les fassions tomber. Ce serait pas mal aussi, ce serait une belle histoire.
Ça serait bon, bah voilà, les amis, on est contents, on a passé une super soirée. Demain, on a la banane, on ne se fera pas chambrer. L'Olympique de Marseille est en demi-finale de la Coupe d'Europe contre l'Atalanta. Le match aller, ce sera à la maison. Allez, les joueurs qui font le tour du terrain, là, pour ceux qui n'ont pas les images, et qui sont en communion totale avec leurs supporters. Là, ils peuvent chanter, ils peuvent danser. Là, les crampes, il n'y en a plus. Elles sont effacées. Verrez tout va. Ah, c'est dommage. Alors, on voit Gigot, hein, il gigot l'image. Ça, par contre, ce n'est pas une bonne nouvelle, parce qu'avec son carton stupide qu'il a pris, ben, il ne sera pas là au match aller, hein, malheureusement. Il va louper la fête. Ah, ça, c'est con. Il va s'en vouloir, hein, vraiment. Surtout, en plus, une connerie, hein, vraiment une faute qu'il aurait pu. Il sera là au match retour et il sera important au match retour. Ouais, bien sûr. Allez, Aubameyang, là, il fête. Hein. C'est la fête, là, totale avec Harit. Ça profite au maximum des supporters. Ils ont bien raison. Il n'y avait pas eu beaucoup de moments cette année où c'était un peu comme ça. Là, ils peuvent faire la fête avec les ramasseurs de balles. C'est joli. Veretout, il arrive à trotter. Tout à l'heure, il n'avait plus mettre à pied devant l'autre. Et là, il arrive à sauter sur place. Donc, c'est que ça va beaucoup mieux. Moi, mon ami Lolo, ouais. Tu veux qu'on regarde un petit peu encore l'antenne, à moins que tu veuilles qu'on rende l'antenne à Cognac G. Est-ce que tu veux qu'on rende l'antenne à Cognac G? On va rendre l'antenne Mayday. Ok. Donc, on peut prévenir Ferreri, on va rendre l'antenne. C'est bon, il peut se barrer de la télé, c'est bon. Allez, Roger. Allez, moi, on vous fait tous des gros bisous. Merci. Plus de 7020, putain, on en prend 17 toutes les 10 minutes. À ce rythme-là, on va arriver à 100 000 avant la fin de l'année, avant la fin du championnat. Nous, on vous embrasse très fort. Merci, vraiment, merci à vous de nous suivre. On va remercier Marcel qui était très, très présent sur les commentaires. Ce qui serait bien un jour, c'est d'avoir tous ces gens-là en fin de compte. Tous ceux qui nous suivent constamment, qui sont souvent là dans les commentaires, Marcel, Mout, tous les gens qui sont en généralement, qui nous suivent et qui viennent mettre des commentaires, ce serait bien un soir faire une émission avec eux et qui montent. Voilà. Ce serait bien aussi leur donner un peu la parole, parce que c'est aussi leur émission, hein, c'est avant tout leur émission. Donc on fera ça un soir, on fera un petit sondage pour ceux qui veulent venir. Ils auront la possibilité. Ah, j'avais pas vu, ma petite chérie, elle est passée tout à l'heure. Avec coucou la team, salut ma chérie. Et même pour faire plaisir à Vanessa, on fera monter Younous. Allez, enfin, ah oui. On est obligé. Ah, Vanessa, obligé. Depuis le temps que tu nous demandes que tu veux parler à Younous, on est obligé. Hein. Ah là, on est obligé, Vanessa, hein. Désolé. Bon, les amis, nous, on va vous laisser profiter de ceux qui ont les images de la joie. Les Marseillais sont toujours devant les virages, en train de... Tiens, Basile qui a remis ses lunettes. Oh, il a remis ses lunettes parce qu'il a peut-être une petite larme. Ouais, je pense qu'il a peut-être une petite larme parce que ça a dû lui rappeler plein de souvenirs. Forcément. Klaus qui est sur le terrain. Allez, ils font la fête côté virage nord. Ils ont bien raison qu'ils en profitent. Par contre, il va falloir se reposer très vite. Hein. Et surtout quand même quelque part que quand on va jouer à affronter l'Atalanta, on va récupérer des joueurs blessés. Notamment Klaus, oui. Ismaël Assar, on va les récupérer. Oui. Super intéressant. Donc voilà, on jouera presque avec toutes nos armes, à armes égales. Donc voilà. Merlin sera sûrement là aussi. Peut-être. C'est pas possible. C'est possible que Merlin soit là aussi. Donc on aura peut-être tout le monde qui sera revenu de ses petites blessures. Nous, on vous fait des gros bisous. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. On vous embrasse très fort. Bientôt pour un prochain live. Peut-être que. Non, on fera un live dimanche, ça c'est sûr. Ouais. Et puis bah, après, le prochain match, je n'ai pas trop suivi le calendrier pour l'instant, je n'ai pas regardé. Donc Toulouse, je sais qu'après on reçoit Nice, mais je crois que c'est mercredi d'après. Dimanche ouais. Toulouse et mercredi Nice. Donc normalement, on sera présent. En plus, dimanche, moi je n'ai pas de match. Donc si le match est à 19h, c'est bon, il n'y a pas de souci, je peux faire le live. Donc on vous embrasse très fort. Continuez à vous abonner. Merci pour votre présence ce soir et nous avoir écoutés parce qu'on a dû vous casser les tympans, surtout Lolo, qui gueule tout le temps. C'est toi moi, qui j'ai rien à dire. Eh, sur les buts, j'ai rien à dire. Ah, Josette, on t'aime bien, mais Josette, bye bye. Non, moi, je n'ai pas beaucoup gueulé. Hein. Je pense que
notre Lolo national qui est habitué à nous faire les. Comme ils font à la télé, les trucs, les. Pas les caméras cachées, mais les. Je ne sais pas comment on appelle ça, là, les blagues, là, les trucs. Tu veux bien nous faire un montage avec encore mes coups de gueule et puis mes prononciations de mes burnes, hein, que j'arrive pas à dire certains noms, là. Eh, Orchnesh, je l'ai bien dit ce soir. C'est vrai. Ah. C'est vrai. Ah, bon, il n'y avait pas Jacob, donc là, j'étais tranquille. Non, il n'y avait pas Ticaldou. Il n'y avait pas Ticaldou, donc t'es tranquille aussi. Ticaldou. Ticaldou. Monsieur Ticaldou. Monsieur Ticaldou. Homme du match, okay. Marcel Balerji pour moi. Homme du match, moi, moi, il ne me demande pas. Oh, salopard, Marcel. Marcel, je ne te parle plus. Tu n'es pas gentil. Il a demandé à Loïc, il ne me demande pas à moi. Tu es méchant, Marcel, je ne te parle plus. Voilà. Moi, je ne parle plus, c'est fini. Ouais. Allez, moi, je vais dire, je vais partager l'avis de Lolo. Sur l'ensemble, je crois que Balerdi a été constant sur toute la rencontre. Voilà. Il y a des joueurs qui ont été présents. Une mi-temps, moins l'autre. Balerdi, il a fait les deux mi-temps correct. Très bon match. Voilà. Eh ben, nous, on vous embrasse tous. Moi, je vous embrasse. Je vais aller faire dormir les mirettes. Il y en a d'autres aussi parce qu'ils font la peinture demain. Donc, s'il a la gueule de travers pour faire la peinture, ça ne va pas être terrible. Ouais, ça va être original. On vous embrasse tous. De toute façon, il y aura peut-être même des notes. On vous mettra demain sur la page Univers de M-Type 13, les notes des joueurs. On va essayer de faire un petit truc pour fêter quand même cette qualif. Nous, on vous embrasse tous. Younous, bientôt en live avec Vanessa. Et puis, bah, nous, on vous embrasse très fort. Ciao la team. On vous aime, nos petits abonnés. On vous aime. Merci. C'est vous qui nous donnez du courage. Allez, ciao, ciao, à bientôt. Ciao, babouille.